Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation. Ce soir, un live inédit. J'ai l'honneur, nous avons l'honneur sur la chaîne Gaïa Méditation d'accueillir Marc Auburn. Marc Auburn, vous le connaissez peut-être, et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir, c'est un grand monsieur dans le domaine de la sorture du corps, de la face, comme je l'appelle, en partie, hein, qui est un phénomène entre la veille et le sommeil. Il va vous parler de diverses expériences. On va partager ensemble autour de la sorture du corps. On parlera des fondamentaux, de la sortie, et notamment, nous aborderons aussi les différentes idées fausses qui circulent autour de la sorture du corps. Donc, ça va être très intéressant. Juste avant toute chose, je profite pour faire quelques annonces pendant que vous êtes encore là, vous êtes encore en forme. N'oubliez pas, vous aurez le temps, il y aura un replay bien sûr par rapport à l'émission. Mais je passe à l'écran donc le lien de la formation voyageastral.gaiaméditation.com, la formation que j'ai enfin mis en ligne. Beaucoup de personnes me l'ont demandé. Donc, il y a 12 modules d'apprentissage avec plus d'une centaine de vidéos, 7 heures de visionnage, avec des audios aussi pour travailler, pour s'exercer. Et vous verrez, ça aborde un peu les différents thèmes, la sortie du corps. Il y a aussi quelques exercices axés rêve lucide. Et enfin, parler comment mieux gérer la paralysie du sommeil. On va en parler plus amplement ce soir. Donc voilà, cette formation inclut aussi un accès à des webinaires gratuits, hein, bien sûr, pour les membres de la formation, que je donnerai pour échanger autour des différentes tentatives que vous aurez effectuées. J'ai aussi mis en place, pour ceux qui me l'ont demandé, hein, parce que j'ai reçu beaucoup de messages en ce sens, un paiement en 3 fois, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui ne le savent pas encore et qui suivent toute la série sur le voyage astral, n'hésitez pas de suivre la chaîne Voyage Astral Gaïa Méditation Shorts. Alors, c'est des vidéos très courtes dans lesquelles je réponds à différentes questions, les questions assez courantes. Et on partage aussi différents témoignages de jeunes expérienceurs et pour vous montrer justement que tout le monde peut l'expérimenter. Il y a notamment, vous verrez, Maria. Maria, bonsoir si tu es là, je t'ai vu dans le chat. N'oublie pas non plus de rejoindre la chaîne Face Today en français que je développe avec en collaboration avec Mikhail Raduga, hein, l'expert russe du phénomène de la phase. Donc c'est le premier média de news sur la phase. On parle de rêve lucide, on parle de sortir du corps, d'expérience de mort imminente, de paralysie du sommeil. On publie un article par jour sauf le dimanche sur ces différents thèmes liés à différentes recherches scientifiques, notamment dans le domaine. Et je publie sur cette chaîne une vidéo hebdomadaire, une vidéo chaque semaine. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir Marc Auburn. Marc Auburn, vous allez voir, un grand spécialiste de la sortie du corps. Bonsoir Marc, comment vas-tu? Merci beaucoup Romain. Écoute, je voulais juste te dire que face aux voyageurs du corps, personne n'est grand et tout le monde est un enfant, pour commencer. C'est ça, exactement. Non, ouais. Mais c'est gentil de présenter les choses comme ça, mais je pense qu'il faut surtout être un petit peu inconscient et peut-être un peu courageux pour s'exposer devant les gens qui vont pas toujours comprendre. Et tu parlais de Maria tout à l'heure, qui a le courage effectivement de parler de ses expériences qui sont récentes, qui ont moins d'un an maintenant, mais qui ne risque pas, qui n'a pas peur de se montrer et d'expliquer ce qu'elle vit au risque de quelquefois d'être un peu malmenée. Donc voilà. C'est ça. Toi et moi, on a le cuir un peu plus dur, mais voilà. Pour les nouveaux voyageurs, il faut saluer ça, ce courage, pour bénéficier au plus grand nombre, pour montrer que c'est possible. Et voilà, donc je voulais remercier des gens comme Maria et d'autres qui se risquent à ça. Ouais, bah tu vois, même moi de mon côté, hein, je me risque à ça, mais j'ai mis du temps aussi, hein, parce que pour certaines personnes qui m'ont découvert, ça va faire à peu près 2 ans, je commence à en parler vraiment publiquement, mais c'est vrai que je suis assez jeune encore, hein, je me considère comme jeune, et c'est vrai qu'on peut imaginer que je débarque comme ça. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps aussi que je l'expérimente, et comme pas mal de voyageurs d'ailleurs qui l'expérimentent depuis l'enfance, et on en parlait tout à l'heure, toi et moi, des personnes justement qui le vivent depuis l'enfance et qui n'en parlent pas par peur d'être jugées, d'être incompris. Oui, je te racontais l'histoire d'un de mes amis d'enfance qui n'en avait absolument pas parlé à sa famille et qui, au cours d'un repas, je t'ai raconté ça, au cours d'un repas que j'ai eu avec lui, sa femme a découvert, il était marié depuis 20 ans, sa femme a découvert, c'était un voyageur et elle n'avait jamais entendu parler de ce genre de choses. Il n'y avait pas un bouquin qui ait un quelconque rapport avec ça chez lui. Donc, elle est tombée des nues, j'aurais dû la filmer. Ah bah, totalement.
Tu vois, et ça, effectivement, pour les gens qui nous regardent, c'est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Effectivement, il y a énormément de personnes qui vivent ça depuis très longtemps, depuis l'enfance, bien souvent, et qui ne savent pas vers qui se tourner pour en parler. Donc, effectivement, bon, on montrera tout à l'heure les liens à l'écran. Hein. Bon, si tu veux, voilà, je peux le mettre tout de suite. Parce que pour l'instant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mais les liens liés à ta formation, si tu veux, voilà, je le montre. Alors, Marc a un livre qui s'appelle 0,001%. On en parlera plus tard si tu veux. Hein, voilà. Vous allez voir, la soirée, elle va être spontanée, très naturelle. On va parler des fondamentaux de la sorture du corps. Puis après ça, on abordera les idées fausses, mais on va le faire sous forme d'échanges et de discussions. Et on prendra aussi quelques questions, bien sûr. Alors n'hésitez pas à préparer vos questions. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre Marc tout de suite, hein, il y a le site internet marcauburn.com, sa chaîne YouTube marcauburn, vous pouvez taper dans le champ de recherche, et un groupe Facebook Explorateur du réel avec marcauburn. Donc vous verrez, il y a plein de témoignages très intéressants sur ce groupe dans lequel j'interviens moi-même de temps en temps. J'aime beaucoup ce groupe. Alors, on retourne à nos moutons, comme on dit. On retourne et on va parler un petit peu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Oui, alors bon, mon CV civil n'intéresse personne, mais je fais partie des gens qui étaient voyageurs depuis le début de leur vie et qui évidemment ne l'expliquaient pas parce que personne n'en parlait. Et moi, j'étais même très petit, j'étais impatient d'aller me coucher pour renouveler ces expériences-là qui se renouvelaient de manière erratique et j'en gardais des souvenirs extraordinaires. C'était à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, 12 ans, c'était ma passion. Je voulais retrouver ces états-là dans lesquels j'étais léger. Je passais à travers les murs, j'allais dans le village, tu vois. Mais comme personne n'en parlait, ben moi j'avais adopté cette attitude-là. Mais tu as dû connaître ça aussi. Ouais, Il y a une totalement. espèce de consensus culturel et plus personne n'en parle, donc c'est tabou. C'est ça. Voilà. Mais moi je savais que c'était réel. Parce que Ouais. j'avais des preuves que c'était ce que j'avais vu à l'extérieur. Donc, moi, pendant longtemps, j'ai pas su que j'étais hors du corps. Hein, je passais à travers les murs, j'étais tout léger, je voyais des lumières partout, j'allais dans le village, mais j'ai pas eu la curiosité tout de suite parce que pour moi, j'étais dans un état particulier, mais qui faisait que j'étais tout léger, tu vois, quand j'étais Ouais. petit. Et c'est que plus tard que j'ai compris ce qui se passait. Mais pendant un temps, quand j'étais vraiment, moi, quand j'avais l'âge de même 8, 9, 10 ans, j'essayais de manière réfrénée de retrouver ce truc-là, mais simplement en me jetant en l'air, tu vois, avec mon corps physique, en me disant, mais pourquoi je retombe? Et je te jure que j'en ai parlé le jour, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on se parle, Romain et moi, Ouais, pour vous expliquer. ouais, c'est ça. Mais j'essayais des centaines, des milliers de fois. Mais si quelqu'un, à ce moment-là, quand j'avais 7 ans, 8 ans, m'avait dit, écoute, on va bien t'expliquer les choses, c'est très simple. Mais j'aurais Ouais, gagné des années et des années, tu vois. c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire, toi et moi, maintenant. Oui. Donc, il y a eu cette phase-là, dans laquelle j'étais un voyageur spontané, mais ça a commencé vraiment très tôt, parce que je me souviens, je le raconte dans le livre, d'avant la naissance. Et je m'en suis toujours souvenu. Ouais. C'est-à-dire à 2 ans, 3 ans, 4 ans, je me souvenais du moment où j'ai rejoint la mère hein, pour l'accouchement. Je suis né par césarienne, mais je m'étais toujours très bien souvenu de ces moments-là que j'étais en train de discuter avec des copains au-dessus des murs de l'hôpital. Tu vois, donc ça a été un phénomène continu jusqu'au moment où j'ai compris ce qui arrivait. Mais il y a eu une suite d'expériences qui ont été extrêmement fortes et qui faisaient que je n'en parlais à personne. Parce que quand j'ai commencé à en parler à ma mère, par exemple. Mon père est mort alors que j'étais assez jeune, un accident de la route. Moi, j'ai eu droit au psychiatre, hein, Ouais. direct. Moi aussi, Parce j'ai que eu ma de la mère. chance. Voilà. Mais non, moi, ça s'est très bien passé. Ouais. J'ai eu de la chance aussi, Bah, parce tant pis, que c'est cool. j'ai raconté, voilà, j'ai eu droit au psychiatre parce que ma mère craignait que je fasse un dédoublement de ma personnalité. Et puis le psychiatre a jugé que c'était OK, que j'étais nickel. Je pense qu'il était au courant, c'est ce que je t'ai Oui, dit, oui. parce que ça ne l'a pas choqué du tout ce que je lui ai raconté. Mais quand même. On prend un risque, surtout à cette époque-là. Maintenant, ça passerait un peu mieux, mais il y a des dizaines d'années, oulala, c'était vraiment Ouais. touchy. Donc, on apprend à ne pas en parler. C'est ça. Et on apprend à vivre une vie normale avec une femme, des enfants, un boulot. Alors, moi, j'ai eu un boulot comme tout le monde, hein, et avec des responsabilités par rapport à la moyenne plutôt importantes, mais il n'y a personne qui était au courant. Mais personne. Et quand. Je suis devenu Marco Burn. Bon, pour faire un résumé rapide, il y a des gens qui m'ont contacté en disant, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a connu dans des boîtes qui n'avaient rien à voir. Moi, j'étais un loup, tu vois, dans Ouais. des grosses boîtes commerciales marketing. J'ai eu des postes jusqu'au comité de direction. Et mais ils ne me voyaient pas du tout comme une personne qui faisait ce genre de choses. Ils C'est sont ça. tombés des nues, tu vois. Et donc, mais il y a des gens comme ça, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle les voyageurs silencieux, tu vois. C'est Ils n'en ça. parlent pas. À juste raison.
Parce que c'était pas le moment. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avais la Donc chance voilà. de... Ah oui, vas-y, Bah, continue. tu as connu ça, mais bon, j'ai quasiment terminé. Et puis, il s'est passé il y a 3 ou 4 ans, j'étais en Nouvelle-Calédonie, et à l'époque, les gens qui. Bon, j'y allais pour d'autres choses, pour des séances de Lucia de Pandora, et quelqu'un m'a dit, mais tu devrais faire des stages de sortir du corps. Et moi, mon premier réflexe a été de dire, mais vraiment, on ne peut pas apprendre ce genre de truc. Et la personne qui m'a suggéré ça, Caroline, hein, bon, si elle écoute ça, à Nouméa, elle se souviendra de ça, elle a un peu insisté, et j'ai dit, et je me suis retiré. Pendant 2 jours, en train de réfléchir, en me disant, et si on l'expliquait à quelqu'un, comment est-ce qu'on ferait? Et ça m'a obligé à revenir sur mes expériences qui étaient nombreuses, hein, comme les tiennes. Et je me suis dit, bah, mais il y a des moments où ça se passe comme ça, il y a des moments où ça bloque, et qu'est-ce qui fait qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas? Et c'est là que j'ai commencé à élaborer mes premières formations. Et franchement, j'avais pas prévu ça, et j'ai commencé à faire ce genre de choses. Alors qu'il y a quelques années, j'avais des jobs tout à fait normaux. Hein. C'est vraiment, ça n'avait rien à voir avec ça. Donc voilà ma petite histoire, elle est là. C'est une phase voyageur spontané et silencieux. Une phase, bon, j'aime bien voyager, je maîtrise le phénomène de mieux en mieux, parce qu'au fil des années, on le maîtrise de mieux en mieux. Et puis la phase où là, d'un seul coup, j'apparais devant les caméras comme toi, et quelquefois, on s'en prend plein la tronche, hein, parce que franchement, voilà. Mais on rencontre quand même énormément de gens hyper sympas. Et ça, c'est un plaisir aussi. Voilà, donc mon parcours, il est de manière très très résumée, mais à mon avis, il ressemble au tien parce qu'il n'y a pas longtemps, on échange ensemble, Romain, et ça se ressemble quand même pas mal. Voilà, on peut juste enlever la case psy parce que j'ai eu de la chance d'avoir j'ai eu de la chance, oui, effectivement, d'avoir 4 frères assez. Bah, pour ceux qui disent qu'on est fou, bah, fou comme moi, alors ça veut dire. Et effectivement, bon, même eux, j'en parlais vaguement, je disais juste que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, mais pareil, je savais pas que j'étais en sortir du corps. À ce moment-là, on n'a pas les explications, et c'est seulement quelques années plus tard que je l'ai appris. Donc, effectivement, j'ai vécu, j'ai essayé de faire pas mal de choses, et puis bon, comme pour ceux qui me suivent un petit peu, ça a énormément commencé par la paralysie du sommeil, comme pour beaucoup de personnes Oui. aussi d'ailleurs, qui est un phénomène qui est lié à la sortie du corps, hein, on en parlera plus en Qui détail. permet la sortie du corps. Exactement, et de toute Et la façon, même pour conscience. la sortie du corps, il faut une paralysie du corps, On est d'accord. on est d'accord, et cette paralysie, effectivement, qui se produit d'ailleurs, notamment pendant la nuit, ce qui fait que beaucoup de voyageurs voyagent la nuit. Et d'ailleurs, on en parlera aussi parce que j'ai une petite question avant d'oublier parce que je te l'ai pas posée en off comme ça. Mais tu penses quoi des crises de somnambulisme? Des personnes, est-ce que tu penses qu'il y a un lien selon toi par rapport à ça? Est-ce que le corps se détache pas et que la personne reste encore dans son corps ou Alors, pas? moi, comme ça, à la hache, mais bon, c'est vraiment une intuition, hein, je ne peux pas le vérifier. Je pense qu'il y a une forme peut-être de relâchement de la structure énergétique, tu sais, cette colle dont on parle, tu en parles aussi, et que on peut le piloter à distance, un peu à la manière d'un médium, tu vois, qui est piloté par une autre entité. Mais on doit être tout proche du corps pour pouvoir arriver à le faire fonctionner, parce que dans l'état que tu appelles la phase, le corps, il tombe comme un gros paquet de linge sale et il ne bouge plus, il est en état de C'est veille, tu ça, vois. c'est ça. Donc, je pense qu'on est quelque part proche de cet état-là dans les crises de somnambulisme, mais je suppute, hein, j'ai vraiment une hypothèse, et que le corps il agit un peu comme un automate, mais piloté plus ou moins par la matière énergétique de très près. Voilà, c'est mon idée. Non, mais si, moi je partage aussi avec toi parce que j'écrivais un petit article justement par rapport à ça qui montre bien que dès qu'on rentre dans le sommeil, il y a une information qui est envoyée à la moelle épinière, aux cellules de la moelle épinière pour créer cette paralysie pendant la nuit. Mais effectivement, on Oui. remarque que certaines personnes ont ce dysfonctionnement et du coup ne sont pas paralysées, notamment pendant le sommeil paradoxal. Alors là, je parlais du sommeil, la sortie du corps, on n'est plus dans le sommeil, hein, on est dans l'éveil. Mais encore une fois, Complètement. il y a des rapprochements qu'on peut par moment faire, et on va en parler tout à l'heure que le rêve lucide et la sortie du corps peuvent être similaires dans le sens où on est lucide, mais ce sont deux phénomènes distincts. Moi, j'ai coutume de dire, comme je parle de la phase de Michael Raduga, qu'on entre dans un certain état, et en fonction de si on est endormi ou si on est éveillé, on va vivre soit un rêve lucide, soit une sortie du corps avec des particularités particulières. Si tu permets, Romain, je vais souligner quelque chose parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on se parle. En fait, c'est quoi, il y a 15 jours, 3 semaines, 3 semaines. et quand, finalement, on a du mal à trouver un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. C'est ça. C'est que Totalement. chaque fois qu'on, tout simplement parce que les voyageurs vivent la même chose, ils arrivent aux mêmes conclusions. Et je pensais qu'effectivement que Monsieur Raduga mélangeait un petit peu le rêve lucide et tout ça. Et toi, tu m'as précisé que non, pas du tout. C'était contigu, mais c'était pas la même chose. Et ce que je partage avec toi.
C'est ça. Effectivement, donc il y a beaucoup de personnes du coup qui me disent oui, mais la phase, dans la phase, on regroupe le rêve lucide, la sortie hors du corps, les faux réveils, la paralysie du sommeil. Ils parlent de ces différents états. Ils parlent bien sûr de d'un état, un état de phase qui d'ailleurs a été aujourd'hui, bon, ça veut rien dire et tout dire à la fois, mais ça a été reconnu d'un point de vue scientifique parce que c'est paru dans les revues scientifiques en tant que la phase. Mais effectivement. Ça ne veut pas dire que tout est la même chose. On est bien d'accord qu'une personne qui vit une expérience de mort imminente, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que la personne, suite à un accident grave, par exemple, peut se retrouver même en état d'arrêt cardiaque, arrêt cérébral, et pourtant avoir une conscience délocalisée et continuer à vivre une expérience. Moi, je pense qu'on est plus proche de. Ça ressemble beaucoup à la sortie du corps, ce genre d'état Exactement. pour moi. On est très très proche, où c'est quasiment la même chose, sauf que là, c'est un accident. C'est ça. C'est un accident et avec, selon moi, justement, de par l'arrêt cardiaque et cérébral pour certaines personnes, le fait que le lien entre l'enveloppe physique et le corps énergétique est devenu très Est faible distendu, et voilà, ce que distendu. j'appelle la colle ou la matière epsilon. Voilà. Mais on n'a pas le même vocabulaire, mais on le reprécisera au fur et à mesure de notre échange. Mais bon, ça, les concepts se rejoignent enfin, complètement, hein, Ouais. grosso modo. C'est important parce que je vois qu'il y a une personne qui dit pourriez-vous évoquer vos points de vue? Alors, je vais le mettre à l'écran d'ailleurs parce qu'on parle de ça. Pourriez-vous évoquer vos points de vue respectifs sur les sorties éthériques et préciser cette terminologie? Alors effectivement, comme vous pouvez le voir, hein, on utilise des termes différents, mais on parle de mêmes expériences. Dans le vécu, du moins, on a échangé depuis 3 semaines et on se rend compte que tout ce qu'on vit, c'est très très similaire, effectivement, si ce n'est identique. Vraiment. Hein. Enfin voilà, après, ce qu'on vit à Avec une l'intérieur, sémantique quelquefois un peu différente, mais c'est la bon, sémantique. Voilà. on a Et trouvé les points de effectivement. convergence. Sortie éthérique, de mon côté, je me fixais par rapport à l'éther. Et si je me trompe pas, tu parles de matière epsilon. C'est Parce que j'ai voulu débarrasser tout cet univers-là de la tradition humaine qui mélange tout et C'est qui on ça. n'y comprend rien. Pour moi, c'est vraiment une forme de matière. Je ne sais pas si tu as expérimenté ça, Romain, mais moi, j'ai testé il y a quelques années avec un de mes amis d'ailleurs, Pierre-Emmanuel, hein, dont tu as peut-être Ouais. entendu parler, qui est un Oui, il voyageur est dans le aussi. chat là. Bonsoir, Pierre-Emmanuel. D'accord. Et je me souviens qu'à une semaine, c'est mon pote, hein, Pierre-Emmanuel. Donc à une semaine d'intervalle, lui et moi, en sortir du corps, on a testé cette matière et on a vu qu'il y avait une masse, une inertie très faible et une inertie visible. Parce qu'en expulsant la matière énergétique à partir de l'état en dehors du corps, on partait dans la direction opposée. Tu vois? Et lui et moi, une semaine d'intervalle, on a testé du genre, donc c'est de la matière. Tu vois, C'est cette ça. énergie-là. Et c'est bien ça qui nous lie au corps. Donc là, objectivement, par l'expérience, on s'est rendu compte que c'était une forme particulière de matière. Et on a compris, enfin, un peu progressivement, que c'était vraiment ce qui nous collait. Et alors, nous, on a compris ça, mais il n'y a pas longtemps, parce que j'expliquais ça sur les pages Facebook. Et il y a un gars qui a retrouvé des écrits de quelqu'un qui a commenté ça, écrit ça dans les années 45 ou 50, et qui est arrivé aux mêmes conclusions, parce qu'on n'invente rien. On ne fait que redécouvrir des trucs que d'autres ont découvert il y a peut-être 10 000 ans. Donc voilà, on redécouvre l'eau chaude. C'est ça. Voilà, Ouais. c'est. Et j'ai une question là. Bon, du coup, là, je vais rebondir tantôt à des questions parce que là, je les trouve super intéressantes et je trouve bon. Du coup, nous, vous allez voir, hein, on n'a pas tout à fait tout structuré. Hein. Bien sûr, on parle des fondamentaux, mais on va aborder aussi justement les idées fausses au fur et à mesure. Et là, je vois qu'il y en a une qui est là. C'est pourquoi, en effectuant les mêmes techniques, on expérimente soit les sorties du corps et soit les rêves lucides. Alors, effectivement, quand vous parlez de technique, j'imagine voilà, rêver en toute lucidité. On remarque qu'il y a un des points communs à la fois dans le domaine du rêve lucide et qu'on peut retrouver dans la sortie du corps, c'est l'intention. Hein, je pense que tu es d'accord avec moi, Marc, à ce Oui. niveau-là, que l'intention joue un rôle important. Et quand on est dans le Oui. sommeil, sommeil paradoxal, donc si on parle du rêve lucide, on va rentrer 70% des ondes cérébrales qu'on émet sont des ondes θ. Et ces ondes θ, il faut savoir que c'est des ondes qui correspondent à l'état hypnotique. Donc on est très sujet justement à toutes les inductions qu'on va prononcer et émettre à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut faire une sortie du corps avec ce que j'appelle la méthode indirecte dans la phase et que tu appelles la méthode opportuniste? C'est que la personne au réveil, par exemple, va encore avoir une grande partie d'ondes θ. On est d'accord à ce moment-là. Bien sûr, il y a des ondes bêta qui vont émerger parce qu'elles correspondent à l'état d'éveil. Et à ce moment-là, on est encore sensible à ces inductions. Donc pour une personne qui va se rendormir dans la foulée, elle va parfois vivre des expériences en étant lucide, mais elle est dans un rêve lucide parce qu'à ce moment-là, son induction a fonctionné à ce niveau-là.
Et au niveau de la sorture du corps, pareil, on va émettre une induction et en restant tout à fait éveillé, on va pouvoir, avec différentes techniques, voilà, effectuer une séparation, une sortie du corps. Oui, je partage ton point de vue. Et moi, ce que j'ai observé, peut-être que tu diras autre chose, mais c'est que plus on a, parce qu'il y a des périodes où on a plus ou moins de sorties, hein, oui. Et ça aussi, ça s'explique très bien. Mais dans les périodes où on en a beaucoup, on est dans une espèce d'intention permanente et on va développer quelquefois des rêves, parce qu'on rêve plus de la même façon quand on voyage beaucoup. C'est ça. Je sais pas, on n'a jamais parlé de ça, mais toi et moi, parce qu'on parle que on parle de mais nos nuits ne ressemblent plus du tout, mais presque jamais aux nuits de quelqu'un qui ne voyage pas. Il se passe toujours des trucs particuliers, toutes les nuits. C'est très rare qu'une nuit ordinaire se passe avec des rêves de type rêve classique, biographique, etc. Toutes les nuits, il se passe quelque chose vraiment, toutes les nuits. Alors, dans les cas les plus favorables, ça va être une sortie du corps. Dans d'autres cas, ça va être une forme de rêve lucide sympa, dans lequel on va toucher des réalités quand même qui sont vraiment particulières. Tu vois, et rien que là-dessus, on pourrait écrire des bouquins, à mon avis. Voilà. C'est ça. Mais en fait, c'est la vie entière qui ressemble plus à ce qu'on était avant, s'il y a eu un avant. Ouais. On remarque d'ailleurs dans les deux états, hein, que en plus des ondes cérébrales qui sont proches de θ, hein, on va remarquer souvent un pic d'ondes en gamma, parfois même au-dessus lambda, et qui correspond, alors pour toutes les personnes un peu plus tournées vers la spiritualité ou plus mystique, on parle d'illumination. Et bien, il faut savoir qu'au niveau des neurosciences, on parle justement d'un état similaire. Et c'est pour ça qu'on va être amené à vivre en fonction du mode de vie qu'on a par rapport à nos croyances, par rapport à tout ça, on va être amené à vivre des expériences différentes. Mais la sortie, il faut bien savoir, et Marc, je pense que tu es d'accord avec moi, que tout le monde peut vivre une sortie du corps, avec plus ou moins de facilité en fonction de l'âge notamment. Hein. Enfin, je ne sais pas si tu l'as remarqué dans notre entourage. Alors, écoute, je ne sais pas, parce que moi, j'ai eu tous les cas de figure. Tu sais, quand j'ai écrit ce bouquin là, que tu as montré tout à l'heure, il y a des gens qui… Je me souviens d'un cas, par exemple, le gars, ça faisait 30 ou 40 ans. Il se reconnaîtra s'il écoute, il s'appelle Jean-François, il est de la région de Strasbourg. Et le gars, parce que j'avais expliqué simplement deux, trois trucs dans le bouquin, il essayait depuis des dizaines d'années. Et une nuit, il est arrivé, il a fait 3 sorties. Et des vraies sorties, bon, parce que là on fait des parenthèses dans les parenthèses, mais quand quelqu'un nous raconte une sortie et qu'on connaît l'histoire, on sait s'il a rêvé, s'il a fait un rêve lucide, s'il est en train de nous inventer, s'il a pris des drogues, c'est parce qu'il y a des indices très sûrs qui nous permettent de dire ouais, ok, ça s'est passé comme ça. Puis ça secoue le gars quand même, hein. C'est pas d'un seul coup, il a plus envie d'aller bosser, il veut annoncer ça au monde entier, c'est un chamboulement dans sa vie, c'est un vrai chamboulement, hein. Le nombre de fois. Je pense que Pierre-Emmanuel va se souvenir de ça parce qu'il nous avait appelé alors qu'on était en voiture tous les deux, JF. Et c'était vraiment un truc terrible. C'est-à-dire, d'un seul coup, il voulait annoncer ça, se mettre à son balcon et voilà, tu vois, changer sa vie. Il dit, bon, calme-toi, tu vas intégrer ça, tu vas voir, ça va devenir normal. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Il y a ces capacités d'intégration qui doivent être faites pour les gens qui se mettent à voyager nouvellement, mais tout le monde peut le faire, effectivement. Oui. Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a des gens qui sont doués, mais c'est un peu, je prends l'image du basket, hein, je ne suis pas un joueur de basket, mais si tu fais le geste correct, eh bien tu vas faire ton panier. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'expliquer aux gens les gestes corrects. On n'a pas besoin de la spiritualité pour expliquer les gestes corrects. On va leur expliquer un certain nombre de fondamentaux, on va certainement en parler, et les fondamentaux, c'est par exemple, il faut que le corps soit endormi et l'esprit réveillé. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas ça, il y a tout un tas d'autres catégories de phénomènes qui vont arriver. Si le corps n'est pas tout à fait endormi, on va voir peut-être de la clairvoyance, de la clairaudience, des phénomènes de vision à distance, etc. Mais il n'y a pas de voyage hors du corps si le corps n'est pas complètement dans un état de veille profond. Quoi. C'est même plus profond que le sommeil, d'après moi. C'est un état de stase. Et c'est un état de léthargie. C'est un état de stase, mais complètement. Voilà, c'est le même terme que j'utilise. Et donc, on a de temps en temps, avec des gens qui étudient même la question de manière scientifique, on a des interprétations qui sont incorrectes. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec les scientifiques suisses, où ils ont pensé avoir prouvé... tu as lu ce bouquin, on en a parlé l'autre jour, avoir prouvé la sortie du corps. Mais en fait, d'après moi, ils ont surtout prouvé l'existence objective de la vision à distance, et ils ont vu que ça fonctionnait, et de la clairaudience aussi. Parce qu'ils sont simplement en train d'explorer un domaine qu'ils ne connaissent pas entièrement. Mais toi et moi, Romain, on connaît les deux aspects, parce que je suppose que tu as eu des expériences de vision à distance et de délocalisation des perceptions. Moins que toi, par rapport à ce que tu m'as raconté.
Et tu vois très bien la différence. Et puis, une Oui. expérience de vision à distance, ça ne vaut pas grand-chose par rapport à un voyage hors du corps. C'est sympa, c'est un petit avant-goût, mais franchement, le voyage hors du corps, ça n'a rien à voir. On peut préciser que bien souvent, ce que beaucoup de personnes d'ailleurs recherchent quand ils veulent se lancer dedans, dans la sorture du corps, finalement, c'est ça. C'est qu'ils ont entendu souvent un témoignage d'expérience de vision à distance, remote viewing en anglais, qui est d'ailleurs Oui. pas nouveau, hein, ça, c'est connu depuis pas mal de temps, ça a été utilisé par les services secrets de différents pays, la CIA en Russie, je pense au projet Stargate notamment, où Oui. plusieurs personnes étaient embauchées, parfois contraintes Et même au début, hein. j'en ai rencontré un, je sais pas si tu avais rencontré, j'ai rencontré moi Mac Ouais. McGonagall Ah en oui. allant au Monroe Institute il y a 23 ans. Ce mec-là, il est archi bluffant. C'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Et puis tu sais, au cours de la soirée, il nous a montré qu'en fait, c'était tout à fait accessible à n'importe qui. Et puis Oui. il nous a même pas essayé de nous convaincre, il nous a testé. Et moi, je me suis rendu compte sur les deux tests, j'ai vu la cible. C'est Et je ça. savais même pas comment je l'avais vu, hein. C'est Il ça. n'y a aucune explication. C'est ça, et Tu c'est vois ça, des il y chiffres a. sur un tableau, il dit maintenant regardez, dessinez ce que vous avez dans la tête. Et C'est j'ai ça. dessiné la cible et j'étais pas tout seul, hein. C'est ça, parce qu'il faut savoir pour les gens qui regardent, encore une fois, on parle là dans ce cas de figure, on parle d'un état modifié de conscience. Et cet état modifié de conscience, on peut imaginer que pour notre corps physique, on va faire une certaine gymnastique, on va faire des exercices. Et effectivement, on a toute cette aptitude d'un moment de se mettre à l'exercice. Et ben pour l'esprit, pour tout ça, c'est possible aussi. Et pour la vision à distance. Pour ceux qui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, voilà, comment je vais faire pour voir ce qu'il y a chez le voisin, chez la voisine. Effectivement, vous pouvez le faire en vision à distance et ça, c'est un domaine différent. Hein. Il y a des protocoles pour ça. Je pense aussi au protocole du Oui. Major Edems. Voilà, encore une fois, on va avoir des certaines cibles et par l'exercice, certaines personnes ont une aptitude plus prononcée dans ce domaine et d'autres vont devoir l'exercer un peu plus. Moi-même, j'ai fait des expériences à ce niveau-là pour m'entraîner et j'étais le premier bluffé par la simplicité par laquelle j'y arrivais. Mais bien sûr, encore une fois, et là, on a un point commun par rapport à la sorture du corps, je pense, c'est un certain lâcher-prise qu'il faut avoir. Éviter d'être Complètement. dans le mental. Oui, c'est vrai. Et Mac McGonagall le raconte dans un bouquin qui n'est pas traduit en français, mais que j'avais acheté aux États-Unis, qui s'appelle Ultimate Time Machine, et dans lequel il raconte tous les protocoles qu'ils ont pratiqués pendant 20 ans dans la CIA. En fait, ils étaient tout un groupe qui était dirigé vers la même cible, avec un protocole particulier dans lequel, effectivement, un des fondamentaux, c'était de lâcher prise, et puis de cesser d'interpréter en termes classiques ce qui leur arrivait dans l'esprit. Et moins on interprétait, plus on laissait l'énergie en fait se diriger vers la cible. Et il est vraiment bluffant, Mac McGonagall. Des exemples qu'il nous a donnés, il avait été testé par la télévision américaine. Je fais une parenthèse, on va terminer là-dessus. Les mecs l'avaient testé, mais c'était un truc hyper dur, quoi. Il les a tous renversés, le mec, hein. C'était un truc de fou. Ah oui, c'est C'est vraiment là, tu te impressionnant. dis, mais impressionnant, très impressionnant. Mais pendant 20 ans, il a fait que ça. Et encore une fois, si c'est pas réservé au domaine de la spiritualité, hein, de la vision à distance, vous avez Non. des personnes qui travaillent pour les grands groupes pétroliers, dont je ne citerai pas les noms, des personnes qui travaillent aussi pour des groupes au niveau de la bourse, voilà. Effectivement, il y a une sorte de vision à distance, mais on parle de distance, encore une fois, on parle de géographie, mais à un certain niveau, c'est selon moi, voilà, la capacité de la conscience à se connecter à un champ unifié, un champ d'information, et à ce niveau-là, on La matière va. epsilon. C'est ça, encore une fois. C'est Pour ceux pas le qui. sujet de ce soir, mais C'est pas le il faut sujet de pas ce mélanger les soir, deux. voilà. Pour le Voilà. dire, c'est que c'est pas la même chose. C'est ça, Et il y a des gens qui, exactement. de bonne foi, tu vois, par exemple, moi j'ai de temps en temps, je fais des séances de Lucia et de Pandora, par exemple, j'ai des gens qui reviennent de ça en disant, ouais, j'ai fait une sortie du corps. Et à chaque fois, je leur dis, mais non. Parce qu'ils ont eu cette sensation particulière, alors ils sont allés voir ceci, cela, mais même si ce qu'ils ont vu était vrai, ils ont eu le sentiment d'y être, mais ils n'ont pas fait de sortir du corps parce qu'ils n'étaient pas au stade, ce que tu appelles la stase, sous la lampe, ils étaient pas au point de stase profonde, et ils ont exporté leur matière énergétique et leur perception s'est exportée C'est aussi. ça. Il y en a certains, c'est très impressionnant, mais quand je leur dis eh non, ouf, ça les douche un peu, hein. Oui. Non, mais c'est très important parce que je crois que c'est une des questions qui revient le plus souvent. Voilà, est-ce que je peux voir ce qu'il y a chez le voisin? Est-ce que je peux voir dans les moindres détails? Et effectivement, vous allez le retrouver beaucoup plus au niveau de la vision à distance et aussi des expériences de mort imminente. Hein, les personnes qui décrivent ce qu'ils ont vécu, souvent, c'est très très précis, quoi. Voilà. Oui. Mais alors aussi j'ai une question. Alors, parce que voilà, j'essaie de choper les questions, il y en a plein. Et Tant mieux. voilà, on en a parlé il y a quelques jours. J'ai des chats.
S'il me saute dessus pendant le voyage hors du corps, est-ce dangereux? Alors, bah moi, ça m'est arrivé un paquet de fois. Moi, voilà. Je sais pas si ça t'est arrivé. Mon chat, mon chien étaient ramenés. Alors, il y a une fois, je l'aurais assommé parce que j'étais en plein dans un voyage sympa. Et ce chien est venu directement sur mon ventre. Et puis là, j'étais ramené, quoi, d'un coup. Ça m'est pas arrivé souvent. Mais voilà, là, franchement, j'ai un peu pris les boules. Mais c'est quand même sympa d'avoir un chien qui dort avec soi quand on l'aime bien. Ouais. Et encore une fois, à ce niveau-là, hein, mais pas dangereux, pas dangereux, mais emmerdant, tu reviens. C'est ça, c'est pas dangereux. Je pense, hein, voilà, encore une fois, c'est que notre avis, hein, c'est pas nous-mêmes, on n'a pas la vérité sur tout, mais on parle d'une certaine expérience et surtout de tous les retours qu'on reçoit tous les jours parce qu'on en a, voilà, on en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Effectivement, cette histoire du chat qui revient, elle revient régulièrement. Et c'est là-dessus, moi, je voulais rebondir par rapport au rêve lucide et la sorture du corps. Effectivement, on remarque que les personnes essayent de faire des sortures du corps et qui commencent à sentir l'état vibratoire. Par exemple, je pense à une amie qui m'a raconté ça il y a quelques mois. La seule fois où elle a enfin réussi à sentir cet état vibratoire et qu'elle a commencé à se séparer, son chat lui a sauté dessus sur la poitrine. Il était peut-être 4 heures du matin, alors qu'il ne fait jamais ça. Et, jamais ça. Ouais, mais ça ne m'étonne pas du tout. Il y a une forme de perception chez les animaux, hein, nous-mêmes déjà. Ah oui. Surtout sur les chats. Ouais. Les chats, ils perçoivent, à mon avis, ils voient la matière énergétique, ils voyagent couramment dans leur corps, c'est pour ça qu'ils ont l'air de dormir la moitié du temps, hein, c'est qu'ils se décalent hors de leur corps, et ils ont, à mon avis, ils existent dans deux mondes différents, le monde physique, quand ils sont en phase avec le monde physique, et le reste du temps, quand ils roupillent tout le temps, ils sont dans un monde très proche du monde physique. Un jour, je l'ai suivi en vision à distance, j'ai suivi le mien, comme ça, et j'étais vachement étonné. Ils sont dans un monde proche dans lequel ils évoluent normalement, ils sont dans deux univers en même temps, comme par exemple les gens des états réticulés. On fait une parenthèse, mais il y a des êtres comme ça, même sur Terre, qui peuvent exister dans deux dimensions très proches les unes des autres en même temps. Ouais. À mon avis, les chats en font partie. Alors, il y a plein de questions, ne vous inquiétez pas, hein, on prendra plusieurs questions, on n'a pas de réelle limite de temps là tout de suite. Mais du coup, on peut parler un petit peu, on va recadrer un petit peu cet échange sur d'abord, on va commencer à parler un petit peu des fondamentaux, si tu es d'accord. Alors, je m'étais fait une liste. Alors, de mon point de vue, c'est ce que j'explique lors des stages. Quand j'ai réfléchi à la question, je me suis dit quels sont les paramètres qui vont présider à la sortie du corps, c'est-à-dire les quatre paramètres, les paramètres, on va dire, nécessaires et suffisants. Et moi, j'ai trouvé effectivement ce que tu appelles la stase, c'est-à-dire qu'il faut que le corps soit profondément endormi, mais vraiment profondément. Et pour moi, c'est un état plus profond que le sommeil parce que le corps ne bouge plus, lors des voyageurs du corps. Moi, j'avais, quand des compagnes étaient là et m'observaient en voyage, il y en a quelques-unes qui savaient que j'étais en voyage. Et je me suis fait choper 2 ou 3 fois au retour en disant « t'étais où ?» Parce que ton corps n'a pas l'air de dormir, ton enveloppe est vide et la personne, si elle a un peu de sentiment pour toi, elle sent qu'il n'y a plus personne dedans. C'est ça. Comme quelqu'un dont tu contemples le cadavre, tu dis « mais il n'y a plus personne dedans, c'est un morceau de viande ». Donc, le corps en stase, la conscience, 100% au moins, hein, parce que hors du corps, normalement, dépasser 100%. L'intention, et alors, ça va peut-être avec l'item numéro 1, c'est l'absence d'effort. Parce que dès qu'on va produire un effort, même l'effort de vouloir voyager hors du corps, on va tout de suite augmenter ce que j'appelle la gravitation énergétique et donc on va être collé dans le corps. Donc en fait, ça rejoint beaucoup le premier paramètre parce que si le corps est vraiment profondément endormi, il y aura cette substance, cette colle qui nous maintient à l'intérieur du corps qui va passer dans un état où on va pouvoir se dégager. Et la méthode indirecte dont tu parles nous permet d'exploiter la situation de gravitation la plus basse, que j'appelle le creux de la vague au cours de la nuit, et puis les gens comme Maria, par exemple, qui ont vécu leur sortie, parce que Maria a commencé à voyager il y a presque un an. Mais il y en a eu d'autres. Et après le stage, ils se sont rendus compte que leur première sortie du corps, ils sont sortis, pouf, et ils étaient dehors, sans résistance. Parce que ça correspond au moment où la force est tellement basse qu'une impulsion, une induction, était dehors. Et tu as dû avoir ça aussi. Les gens sont stupéfaits en disant « mais c'est aussi facile ?» Alors, pour moi, alors voilà les quatre paramètres. On va discuter peut-être autour de ça. Le corps profondément endormi, la conscience totale, l'intention et l'absence d'effort. Pour moi, si on travaille bien ces quatre trucs-là, on va arriver au résultat.
C'est ça. Bah, moi, j'ai exactement la même chose. Le corps totalement endormi, en état de stase, la forme de paralysie, hein, ce qui explique d'ailleurs que la paralysie du sommeil est liée, est une porte d'entrée vers la sortie C'est du la corps. super porte d'entrée. Super point d'entrée à un état de conscience totale, lucidité totale dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Et tu as parlé de quoi? La troisième, c'était, tu disais, L'intention. l'intention, Parce que l'intention. si tu n'as pas l'intention de Exactement. sortir, des fois tu te retrouves à l'intérieur du corps. Moi, j'ai eu une fois comme ça où des entités extérieures sont venues me balancer une douche de vibration. J'ai tellement surpris, je suis resté 10, 15, 20 secondes, je ne sais pas. Hein, bon, c'est le temps est particulier. En disant, mais c'est très surprenant. Puis je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je dégage. C'est Donc, mais ça. j'étais dans le corps, mais je ne touchais plus, je ne sentais plus. Et en plus, j'étais couché sur le ventre. Et donc, je suis parti vers le bas. Bon, je C'est referme la ça. parenthèse. Non, mais Donc, ça si va. tu n'as pas l'intention de sortir, tu restes là où tu es. C'est ça. J'en parle toujours de l'intention, c'est le point de départ. C'est pour ça que je parle régulièrement Oui, du je suis plan d'accord. d'action, d'un plan d'action à avoir pour avoir déjà un cap. C'est comme si vous étiez sur un bateau en pleine mer et que d'un seul coup, le courant vous emmène quelque part. Si vous n'avez pas de cap, bah, en fait, vous ne savez pas où vous allez atterrir. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de naviguer, mais du moins, vous ne savez pas où vous allez aller. Et donc, l'intention, pour moi, est très importante. Et surtout, cette intention, comme je parlais tout à l'heure de l'état hypnotique, elle va vraiment pouvoir déterminer, être le déclencheur par moment de la sortie du corps et bien souvent de la sortie du corps. Et aussi, l'intention va vous permettre de, si vous arrivez à maintenir cet état de conscience élevé pendant toute la sortie, vous allez pouvoir obtenir, réaliser des choses plus intéressantes que simplement, par exemple, rester autour du lit. Voilà. Mais encore une fois, voilà, on apprend tous, on passe tous par différents paliers, ça en fait partie. Et le dernier, donc, c'est l'absence d'effort. Alors là-dessus, moi je rejoins totalement sur ce que j'appelle la méthode directe, c'est-à-dire la méthode où on va se relaxer. Pour moi, le critère principal, c'est ça, effectivement, un total lâcher-prise, l'absence d'effort. Et le deuxième pour moi, c'est essayer de prendre plaisir aussi dans ce qu'on est en train de faire, pas le vivre comme un exercice, une corvée justement, parce que c'est contraire au lâcher prise. Et par contre, par rapport à certaines techniques, donc toutes les personnes qui essayent par la méthode indirecte, là-dessus, il y a des moments où je recommande de faire un certain effort, mais là, c'est mon expérience qui va dire ça. C'est-à-dire que quand on est dans ce que tu appelles donc du coup la méthode opportuniste, et qu'on est dans cet état vibratoire et qu'on a deux doigts de se séparer, là, je recommande aux personnes d'y mettre un effort supplémentaire parce que vous êtes vraiment à deux Oui. doigts et par moment, il y a cette fameuse colle qui est là. Et soit vous allez commencer tout Ah simplement à vous oui. dire, est-ce que je suis en train de sortir? Ce temps précieux que vous perdez vous ramène dans votre corps. Et là, Oui. c'est important, selon moi, hein, bien sûr, à ce moment-là, des fois, de fournir un effort, mais pas forcément un effort physique, un effort de volonté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je suis d'accord parce que moi, à mon avis, c'est plus facile aussi quand tu as fait plusieurs voyages et que tu es à la limite, la colle est encore là, si tu veux. Et là, avec mon pote Pierre-Emmanuel, il s'en souviendra puisqu'il nous écoute, on ne s'est pas avoué ça tout de suite. Mais au bout d'un moment, on se connaissait depuis 2 ou 3 ans, on dit, mais il y a des fois, je sors comme un bœuf, tu vois. C'est-à-dire, je sens que ça colle bien, mais je me secoue dans tous les sens en m'arrangeant pour que le corps ressente ça et je m'arrache du corps, tu vois. Et je tombe comme un gros paquet de linge sale à côté et je me barre le plus vite possible, mais super chargé. Et à mon avis, il y a deux principales techniques, et j'en viens là-dessus. C'est soit le creux de la vague, c'est-à-dire la méthode opportuniste, soit on va directement s'attaquer à la force de gravitation énergétique avec des techniques énergétiques, et c'est les techniques de l'IAC. Alors, ils vont chauffer la colle avec, par exemple, le vélo, et si on met à faire vibrer la matière énergétique de plus en plus fort, il y a un moment, elle va vibrer tellement fort qu'elle colle plus, et là, on décolle. Pour moi, il y a deux voies principales. Soit on attend que la force soit très basse, la méthode de la nuit, là, la méthode opportuniste, et on dégage, et c'est hyper facile. Soit on lutte contre la gravitation avec des exercices comme un malade, et on décolle. Et là, c'est plus difficile, il y a plus de bruit, il y a plus de sensations, mais bon, on aboutit au même résultat. Pour moi, C'est c'est ça, vrai. les deux voies. Tu peux parler, parce que moi j'en ai jamais parlé encore sur la chaîne, dans les vidéos, de l'IAC. Et pour les personnes qui nous écoutent ce soir et qui nous regardent, je pense que c'est intéressant pour eux si tu peux leur en parler un petit peu. Alors oui, moi je les ai découverts par hasard. J'étais à une conférence à Amsterdam il y a pas mal d'années, il y a une quinzaine d'années. Et puis je vois dans les sujets de la conférence la sortie du corps. Alors, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont raconter ces gens-là? Et puis je vois arriver deux personnes très propres sur elles, genre le couple de jeunes cadres, tu vois, avec un costume, un tailleur pour Nancy. Et moi j'étais fasciné parce que ces gens-là, ils ont expliqué la sortie du corps exactement comme je leur ai expliqué. Et ils ont commencé par leur truc en disant, écoutez, vous pouvez croire ce que vous voulez, ça n'a aucune importance, vous devez expérimenter.
Et j'ai découvert ces gens-là à ce moment-là. Je suis allé leur parler. Et c'est en fait c'est une espèce d'association qui s'est créée sous l'impulsion d'un Brésilien qui est un médecin qui s'appelait Valdo Vieira. Ce garçon faisait des voyages hors du corps, qui maîtrisait beaucoup. J'ai lu ses bouquins. Il a créé une association au Brésil, assez importante, et après il a diffusé à peu près dans le monde entier. Et ils essayent d'avoir des, enfin, ils ont une approche qui est assez scientifique, mais leur principale approche, elle va être par le fait de monter en vibration, de faire monter en vibration la colle. Voilà, d'accord. C'est leur principale méthode. Quand on voit ce qu'on pratique chez eux, c'est ça. Alors ils ont, pour moi, c'est des gens très bien. J'ai rencontré donc Nancy et Wagner à l'Egretti. Après, avec mon pote Pierre-Emmanuel, on a été faire un petit stage à Londres. Bon, lui, il s'est fait bien voir, même pas moi, parce que je fais rien de ce qu'on me dit, moi. Voilà, c'est comme ça. Donc, la fille qui dirigeait le stage, elle m'a un peu pris en grippe, mais je suis comme ça. Voilà, j'en faisais qu'à ma tête. Après, je suis allé au Portugal. Vous avez leur premier congrès. Et là, c'était vraiment très intéressant. C'est super sympa. Puis, c'est vraiment des gens sympas qui se prennent pas la tête. Ils sont pas sectaires. Ils sont gentils. Nancy est une personne. Pour ceux qui voient l'aura, regardez l'aura de Nancy. Alors, c'est une grande et belle aura, vachement claire. Elle est super sympa. Vraiment, c'est des gens adorables. On ne peut pas s'empêcher de. Ils sont cool, ils ne se prennent pas la tête. Et ils ne te connaissent pas. Tu vas leur dire bonjour, ils te prennent dans les bras. Ils sont super. Voilà, tu vois. Et c'est. On n'est pas dans l'univers pseudo-spirituel qu'on a tendance à rencontrer souvent en disant les gens, ils se posent en disant tu comprends, je n'ai pas d'ego. Moi, ça va. Je suis arrivé à un point où tu n'y arriveras jamais, mais je vais quand même t'expliquer. Tu vois. On n'est pas là-dedans. C'est des voyageurs. Et ils ne parlent que de choses concrètes en disant écoute, voilà, fais ça, regarde ce qui se passe. Donc l'IAC, moi je les recommande. Il y a peu d'organisations dans le monde en dehors de ce que fait ton ami Raduga. Moi j'ai compté il n'y a pas longtemps, on est moins d'une dizaine d'organisations ou personnes à faire ça dans le monde. Dans les organisations, il y a l'IAC. Bon, il y a un peu de monde là-dedans. Et il y a le Monroe Institute aux États-Unis où j'ai fait un séjour il y a plus de 20 ans. Et ces gens-là, bon, quand on regarde, moi, je recommande pour ceux qui connaissent pas les ouvrages de Robert Monroe, de regarder ce qu'il a écrit. C'est très intéressant et c'est un mec vraiment bien. Alors, bon, moi, je l'ai pas connu parce qu'il était mort déjà quand je suis allé à l'Institut Monroe en Virginie. Mais, j'avais vu sa fille à l'époque. Mais c'était super sympa parce qu'il y a déjà, donc, je crois que je suis allé en 1997, il y a 23 ans. C'était encore pas un sujet courant. Donc, moi, j'ai rencontré les voyageurs là-bas. C'était vraiment agréable. Tu vois, surtout. Oui, ah oui, à l'époque, en 1997, c'est vraiment pas courant, tu vois. Donc, et moi, j'y allais parce que le sujet, comme quand j'avais 12 ans, je pensais qu'à ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils proposent, ces gens-là? Et j'ai envie de rencontrer d'autres comme moi, tu vois, un peu plus souvent. Donc, voilà, le Monroe Institute, mais moi, je recommande vraiment, si c'est possible, parce qu'il y a une question de moyens financiers, aller aux États-Unis, faire un séjour à l'Institut Monroe, t'en as pour 5000 euros, hein. Ouais. Grosso modo. Donc, bon, ou 4000 si tu voyages dans un bateau, dans les cales. Mais donc, il y a l'IAC qui propose des trucs, mais pas trop en France. Ils sont venus une fois en France. C'est l'Angleterre. Alors, tu es serré comme une sardine parce qu'ils ont des tout petits bureaux. Ou alors, il faut aller au Portugal, mais ce n'est pas à côté non plus. Ouais. Et ce n'est pas non plus à côté d'une ville où il y a un aéroport. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis descendu en voiture. Ils sont loin de tout. Et en dehors de ça, il y a des gens comme bon toi, ce que fait Monsieur Raduga, et il y avait Akena en France aussi, Akena, oui. Que j'avais rencontré. Et parce que un de mes copains me dit il y a une nana qui voyage comme toi. Moi à l'époque, je m'appelais pas Marco Burn, hein. J'avais un business avec Aix-en-Provence et je faisais vraiment un truc qui avait rien à voir avec ça. Et je suis allé voir Akena et on a discuté le coup entre voyageurs et j'ai vu que c'était une voyageuse. Et à part ça, dans cette période-là, je crois que c'est vers 2007-2008 que j'avais rencontré. Après, il est parti de ce monde, là, il y a quelques années. Mais on n'est pas tellement nombreux à faire ce genre de trucs quand tu regardes. Et il y a un gars en Angleterre qui s'appelle Todd Akamesis aussi, que j'ai rencontré, que je connais, qui a fabriqué la lampe Pandora Star. Ouais. Donc, entre autres, avec un... Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, c'est ça. C'est ça. Ces gens-là, en fait, ils se rejoignent. Il y a Bulman, par exemple, mais qu'un individu. Oui. Hein, voilà, Bulman, moi j'ai lu les trucs de Bulman, et donc quand tu fais le tour, je ne sais pas ce qui se passe en Chine, à ma connaissance, il n'y a pas, mais on est en
quelque chose comme 7 personnes ou organisations dans le monde à faire ce genre de truc. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai écrit récemment, c'est vrai que c'est des sujets qui intéressent énormément en Chine, mais c'est vrai qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Ils font des expériences liées autour du sommeil, sur les rêves lucides, sur la paralysie du sommeil, tout ça, sans pour autant, effectivement, de ma connaissance, hein, sans pour autant en parler beaucoup autour d'eux. Mais c'est vrai qu'on a vite fait, comme tu dis, dès qu'on s'expose, de toute façon, peu importe le domaine, dès qu'on aborde un sujet comme celui-ci, tout de suite, on va s'exposer à beaucoup des fois de remarques. À la fois, il y a des personnes qui sont totalement contentes. Il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on fait ça en grande partie. On donne beaucoup. Dans toutes les vidéos YouTube sur lesquelles je t'ai même découvert à l'époque, hein, c'est comme ça que je t'avais découvert aussi. Moi-même, voilà, on transmet ce qu'on peut. Et après, effectivement, à côté, voilà, c'est normal qu'à côté, il y en a qui écrivent des livres, t'en as écrit un, ou qu'on fasse de temps en temps des formations, parce qu'il y a des personnes qui sont en demande de ça, et ce temps qu'on consacre à une personne, et que d'un seul coup, cette personne, ça se transforme en 10 personnes, 100 personnes, voire 1000 personnes, bah voilà, si on devait faire tout ça gratuitement, ce serait pas facile. Donc effectivement... Moi, pendant des années, mais je rejoins, on en a parlé, pendant des années, suite au bouquin que j'ai écrit, j'ai passé 2 à 3 heures par jour à répondre gratos à des gens, mais tous les jours. Et mes copines me disaient, mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore au téléphone? T'es encore en train de répondre à Internet? Mais moi, j'avais envie d'aider les gens, tu vois. Ouais. Mais sauf qu'au bout d'un moment, au bout du compte, tu dis, bon, bah, j'ai aussi besoin de vivre ma vie normale. Et moi, j'ai basculé il y a 4 ans à peu près. J'ai quitté mes jobs classiques et je me suis consacré entièrement à ça. Et je pense que ça vaut le coup. Et on se le disait, toi et moi, au départ. Il est normal qu'on soit payé pour les efforts qu'on fait. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on consacre comme temps et comme énergie, c'est pour que les gens vivent l'expérience eux-mêmes, qu'ils soient autonomes. Totalement. Au bout du bout. Tu vois, et on pense, toi et moi, que ça va plutôt dans le bon sens pour l'évolution de l'humanité. Hein. Je crois qu'on a partagé nos points de vue. Même si c'est une goutte d'eau dans la mer, ben, on préfère apporter cette goutte-là. S'il y a des voyageurs autonomes, ils seront moins vulnérables au contexte politique, à ce qu'on leur raconte à la télé, parce qu'ils vont voyager, ils vont découvrir une foule de réalités. Quand ils vont revenir, ils seront beaucoup moins conditionnés, ils seront beaucoup plus libres. Mais vraiment libre. Et tu vois, l'exemple de Maria, je me souviens, bon, elle nous entend, mais quand elle est venue en septembre, on a fait, il y avait 2 voyageuses qui s'exprimaient, elles se reconnaîtront, et il y avait une 40aine de personnes qui étaient là, on n'avait pas le droit, faut pas le dire, hein, on était un peu trop nombreux. Et puis, ces 2 personnes ont échangé, Stéphanie et elle, mais c'est poignant à quel point l'expérience parle. Il y a des gens qui ont été motivés. C'est pour ça que je ne saurais pas dire à quel point, mais on va le redire quand même, que c'est extraordinaire de vivre ça. Il n'y a pas un voyage où au retour, tu dis « bof, c'est pas possible ». À chaque fois, tu as le sourire jusque-là, tu sors du lit, tu flottes, tu dis « waouh, quelle chance ». Et puis, tu te repasses le film. « J'ai fait ça, je suis allé là, j'ai rencontré tel truc ». Ouais. Mais c'est fantastique. Mais comment communiquer ça? Ça ressemble à rien, quoi. Ouais. Comment tu veux jalouser qui que ce soit après ça? C'est ça. On accède à une forme de transcendance, en fait. On passe pour certaines personnes d'une croyance qu'on est simplement un corps physique à d'un seul coup, on est beaucoup plus que ça. Et effectivement, ça remet toute notre vie en relief. D'un seul coup, et c'est pour ça que vous allez entendre énormément. Voilà, la liberté, énormément de témoignages. Deux personnes qui, d'une part, vont d'un seul coup se découvrir dans leur vie. C'est pour ça que je parle toujours d'un outil de développement pour énormément de personnes. C'est terrible, hein. Trouver le but. Parce que c'est sûr qu'à un certain niveau, si d'un seul coup, vous avez cette sensation de vivre quelque chose d'hors norme, alors que finalement, on peut tous le vivre, bah, vous allez remettre beaucoup de choses en question. Tous les points de vue vont être changés. Tous les points de vue vont être changés. Effectivement, vous allez avoir d'un seul coup, on le marque, la glande pituitaire qui lance le signal de l'émission d'ocytocine, cette hormone de l'amour. Et effectivement, combien de personnes le racontent au moment du retour? Moi-même, ce moment ça dure 2-3 jours. Voilà. Hein, on n'a pas parlé de ça ensemble, mais 2-3 jours, tu as l'impression de... T'es détaché, mais t'es heureux. Et puis après, ça retombe. Ouais. Et moi, j'ai connu à l'âge... C'est vrai qu'on dialogue un peu comme s'il y avait personne qui nous écoute. Et moi, j'ai connu, quand j'avais 20-22 ans, une phase de frustration au bout de 3-4 jours. Tu vois, ça m'était insupportable de ne pas arriver à voler, par exemple. Tu vois. Et puis après, ça revenait à la normale. Et au fil des années, cette phase de frustration s'est effacée petit à petit.
Voilà, c'est, je voulais en témoigner pour les futurs voyageurs. Au début, on plane littéralement au retour, et puis on est heureux, et puis on voit les choses complètement autrement, et on est détaché, mais en même temps on est là. C'est vraiment un truc curieux, mais on est heureux. On sort dehors, on se dit waouh, il y a de la lumière, il y a des feuilles. Oh, quelle merveille, ben, comme ce qu'on a vécu, voilà. Et puis après la frustration, et mais au fil des années, des expériences, de la multiplication, c'est voilà, ça s'aplatit, ça s'aplanit. C'est Voilà, je ça. voulais juste dire ça si Et tu es t'as raison. d'accord. Ouais, totalement d'accord. Je veux prendre aussi de temps en temps une question là. Comment faire sauter nos blocages pour développer nos facultés psychiques? C'est Mathéo, à ce niveau-là. Bon, ben, je te laisse répondre parce que j'ai beaucoup parlé Oui, ces dernières selon moi, minutes. les blocages par rapport à la. Alors, si on parle bien de la sortie du corps, parce que là, pour moi, qui est une forme de faculté psychique, mais il y en a d'autres, on en a parlé tout à l'heure, la vision à distance. Pour moi, la première chose pour faire sauter les blocages, c'est le lâcher prise. Aussi, un truc pour moi très important, c'est d'arriver à. C'est le cinquième accord Toltec pour ceux qui connaissent les livres, c'est de savoir tout remettre en question. Savoir tout remettre en doute d'une certaine manière pour se dire que si on a certaines croyances par rapport à la sortie du corps et principalement le danger, attention, on risque tous de mourir en tentant une sortie du corps, c'est la première chose qui va vous en empêcher. Vous allez souvent vivre une paralysie du sommeil, vous n'allez pas réussir à aller plus loin, votre corps va être tétanisé, vous allez bloquer tout simplement à ce niveau-là. Ensuite, selon moi, il est intéressant d'explorer à différents niveaux, pas juste être juste dans le domaine spirituel. D'entendre beaucoup de on dit sur ce qui est dit sur des personnes, par des personnes qui parfois ne l'expérimentent pas du tout. Et autre chose, donc s'intéresser à plein de choses. Vous pouvez vous intéresser aussi aux neurosciences, à la physique quantique. Enfin, tout passe par une compréhension qu'on est plus qu'un simple corps physique. À partir de là, il y a une certaine hygiène. Moi, je pense toujours que la ligne de conduite, c'est la vie qu'on mène bien souvent qui va nous permettre de développer encore plus certaines choses. La porte, l'accès à la sortie du corps, c'est accessible à tous. Après, on en parlait, Marc, ce que l'on y vit derrière, derrière va dépendre de ce qu'on recherche. Dans la vie, si je sors de chez moi, que j'ai une vie et que je cherche à être beaucoup plus dans le moment présent, je vais commencer à regarder le soleil qui illumine l'eau de la rivière à côté. Je vais m'en émerveiller et une personne qui est dans ses soucis, elle va voir totalement autre chose. Et c'est exactement cette même approche selon moi. Quand quelqu'un veut faire une sortie du corps mais qui ne sait pas pourquoi il le fait, qui n'a pas une intention de départ et qui ne trouve pas une réelle motivation, déjà c'est un premier blocage. Donc toutes ces capacités psychiques, pour moi, elles sont en partie liées justement à cette vie qu'on mène. Donc on parle beaucoup d'état vibratoire, de vibration. Si on part du principe qu'on est une antenne émettrice et réceptrice, qu'on vibre à un certain niveau, comme toutes les vibrations, toutes les fréquences, effectivement, si on a des pensées très basses, de peur, des pensées de tout le temps de colère ou autre, bah effectivement, ça va nous alourdir. C'est une vibration beaucoup plus basse qui est beaucoup plus proche de la densité de la matière physique. On prend l'exemple de l'eau. L'eau, dès qu'elle baisse en vibration et qu'avec le froid, en perte d'énergie, elle va se densifier, c'est de la glace. Dès qu'on monte en vibration, ça devient de la vapeur d'eau. On ne la voit pas forcément. On peut faire ce parallèle avec la sortie du corps. Donc, monter en vibration, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire être dans des émotions dites plus hautes. Si vous voulez être en mesure, selon moi, de débloquer certaines choses, c'est d'être dans un certain lâcher-prise. Savourez le moment présent quand vous le faites, pas vous dire ah j'ai pas réussi à vivre la sortie à ce moment-là, pourtant j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, alors que la personne a fait une seule tentative, hein, parce que j'ai beaucoup de messages là-dessus. Je Ah oui. comprends la frustration parce qu'on lit à côté des personnes qui y arrivent, mais Marc, il vous l'a expliqué tout à l'heure, depuis son enfance, il en faisait, il sautait même sur place pour essayer de reproduire l'expérience. De mon côté, j'essaie de déceler aussi au début, avant de connaître aussi toutes les techniques, par quels moyens je pourrais reproduire cette expérience. D'un côté, je vivais des paralysies du sommeil, d'un côté, je vivais des rêves lucides, d'un côté, je vivais des faux réveils, et d'un côté, je vivais justement les sorties du corps, tout en notant qu'il y avait des différences dans tous ces états, et j'arrivais pas à ce moment-là à reproduire directement l'expérience. Donc, il faut savoir être patient. Je pense que c'est une leçon même. La démarche de vouloir faire une sortie du corps, c'est savoir pourquoi on veut le faire, en quoi ça va nous être utile. Et savoir être patient, c'est un apprentissage à tous les niveaux. Oui, moi je reprendrai ce que tu as déjà dit. Je résumerai de manière assez simple, parce que moi j'ai un esprit simpliste. Pour moi, c'est l'identification au corps physique,
qui est le principal problème. L'identification à mon apparence, à mon statut social, à mon sexe, à partir du moment où on confond la personne réelle avec le corps humain et je suis gros, je suis mec, je suis jeune, je suis vieux, je suis un homme, je suis une femme, je suis blanc, je suis noir, je suis cela, cette identification, elle est tellement inscrite profondément dans notre mental qu'elle va nous empêcher en fait de réaliser la dissociation parce que tant qu'il y a quelque chose en nous qui pense que le corps physique et moi, c'est la même chose, eh bien, il y a une espèce de conflit et il va falloir se séparer de cette croyance-là. C'est ça. Pour moi, la croyance majeure qui nous bloque. C'est C'est pour ça. répondre à la question de manière peut-être un peu simpliste. Si, je te rejoins. Et d'ailleurs, ça rejoint, bah, je vais rebondir ensuite par rapport à ça. Tu as parlé de croyances et c'est souvent ça, la croyance limitante. Soit les croyances liées aux peurs, la peur de se dire qu'on va pas revenir de l'expérience, qu'on va mourir, et la croyance de se dire, bah, ça n'existe pas, tout ça. Voilà. Si on ancre ça en nous et qu'on n'en est pas conscient, hein, le subconscient, c'est 95% des actions au quotidien dont on n'est pas conscient, hein, qu'on effectue comme ça. Et c'est notre programme qui tourne en arrière-plan. Donc si derrière, on a ces blocages-là, on n'y arrive pas parce qu'on reste tout simplement dans la même façon d'aborder les choses. Je Cette pense qu'il y croyance a. limitante. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Peut-être que les gens qui regardent ta vidéo ce soir, là, ta chaîne, ils ont besoin qu'on leur raconte des choses un peu concrètes. Alors, j'ai envie de raconter quelque chose, moi. Tu as Oui, avec quelques plaisir. épisodes quand j'étais gamin. Alors, pour vous expliquer concrètement comment ça s'est passé pour moi, quelquefois. Moi, quand j'étais petit, j'avais moins de 5 ans, ma sœur n'était pas née, on a 5 ans d'écart, j'étais dans un petit lit blanc dans la chambre de mes parents. Et de temps en temps, ça n'arrivait pas tous les soirs, j'étais dans mon lit, je ne dormais pas encore, et j'avais l'impression, j'avais des manifestations énergétiques, mais évidemment, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Oui. Et mon père, il avait des aimants, j'aimais bien jouer avec. Donc, je prenais ces aimants, je les accrochais, je opposais l'épaule, et j'avais l'impression que quelque chose en moi était de l'ordre de l'aimantation, et ça faisait comme un doung-doung, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, puis d'un seul coup, je voyais le plafond m'arriver en pleine tronche. Et puis, et je me mettais à tanguer comme ça, avec le plafond en ça du visage. C'était stupéfiant. Et d'un seul coup, alors que la pièce était noire quand j'avais décollé, bon, c'était la nuit, il y avait de la lumière partout. Et ça dansait sur les murs. Alors, que j'étais gamin, j'avais moins de 5 ans, je me souviens plusieurs fois, je suis allé voir le poêle, parce qu'il y avait une espèce de poêle dans la chambre de mes parents, et je me disais, mais d'où sort cette foutue lumière, quoi? Je croyais que ça venait du poêle, ça pouvait, d'après moi, pas venir d'ailleurs. Voilà, ça, c'est des expériences concrètes. Je me retrouvais tout léger au plafond, j'ai jamais eu le réflexe de regarder vers le lit, mais après, je passais à travers la fenêtre, j'allais sur les toits, ou je descendais dans l'immeuble, je m'amusais à pleurer. Comme ça, je descendais en flottant, j'avais plus de poids. Mais ça me marquait au retour. Waouh! Je C'est pensais ça, qu'à ça, c'est qu'à ça. ça. C'était une merveille pour moi. Il n'y avait rien de mieux que ça. Rien. Vous pouvez faire ce que tu veux. Il n'y avait rien de mieux que ça. C'est Déjà. ça, c'est ça. Ben on voit que quand on est enfant, justement, on a cette insouciance, on a moins de barrières, hein, moins de croyances limitantes. Forcément, on est dans la phase où on enregistre, on charge le programme, notamment les 7 premières années de notre vie, hein. Ouais. Une personne qui demandait quelle est la part du subconscient, il y a une partie du programme, effectivement, une grande partie, les 7 premières années de notre vie, qu'on charge et qui vont s'ancrer dans le subconscient. Et Oui. la sortie, une fois qu'on est en sortie, je parlais tout à l'heure des ondes, il y a les ondes θ qui sont là, hein, des ondes θ qui sont liées à l'hypnose. Dans l'hypnose, vous allez voir une personne pour arrêter de fumer, par exemple, elle va vous mettre dans un état d'hypnose. Et à côté, on a aussi cet état gamma qui est un état qui est au-dessus de l'état bêta dans lequel on est, dans l'état éveillé. Et cet état, il fait juste comprendre à votre cerveau, hein, pour beaucoup de personnes qui disent que c'est une hallucination liée au cerveau, hein, le cerveau, c'est juste une interface à ce niveau-là. Pour moi, la glande pinéale, par exemple, c'est un transducteur neuro-endocrinien, comme un transducteur de télévision. Il va juste traduire la fréquence que l'on reçoit à ce moment-là. Cette fréquence, elle est tellement haute dans cet état que cette réalité, comme le décrivait Marc tout à l'heure et dans les expériences que vous avez pu voir dans d'autres vidéos, c'est tellement réel, c'est réel d'ailleurs, voilà, que c'est C'est vécu d'un point de vue émotionnel à tous les niveaux. Et ces émotions, elles vont effectivement ensuite générer, par effet de cause à effet, toute une nouvelle biochimie qui va descendre du cerveau à ce moment-là, mais ce n'est pas le point de départ. Donc effectivement, Je pense aussi. c'est tellement réel à ce moment-là que ça peut changer notre vie, ça peut changer à tous les niveaux, et surtout que ça va modifier le subconscient à ce moment-là.
C'est-à-dire que vous avez avoir certains blocages, on en parlait, mener une vie en autopilote et vivre cette expérience extraordinaire et être changé à jamais. Et il y a énormément de témoignages dans ce sens. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, pour moi, il y a une espèce de stase dans lequel on est en dehors de corps. Puis si tu as pu regarder un petit peu ce qui se passait dans le corps physique, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Tu sors hors du corps, tu penses qu'à te barrer. Et puis ça, il faut surtout pas rester dans la chambre. Mais bon, de temps en temps, j'ai jeté un coup d'œil. Et moi, je me suis rendu compte que le cerveau, il y avait une partie des logiciels qui étaient restés à l'intérieur, ce qu'on appelle la personnalité, mais quand tu reviens doucement au corps, tu sais que tu te places, je sais pas si tu as vu, tu te places en deux temps, d'un seul coup, tu te places juste au-dessus et après, tu es absorbé comme une éponge. Enfin, si tu fais bien attention, c'est souvent ça. Et là, tu vas voir que, peut-être que tu as vu, mais bon, on n'en a jamais parlé, tu vas voir qu'à ce moment-là, c'est au moment du téléchargement d'informations à toi, c'est comme si tu passais d'un disque dur à un autre, et là, le cerveau, il traite l'information. Et c'est probablement là qu'on a tous ces rythmes de, peut-être ces popillements de paupières, etc. Parce qu'on sent vraiment qu'on lui envoie du gros débit, tu vois. Et c'est à ce moment-là que l'information descend dans le corps biologique. Et c'est là qu'il faut le tirer pour tout de suite que ça s'imprime. Il faut pas qu'il se rendorme, il faut qu'il comprenne que c'était réel. Moi, j'invite les nouveaux voyageurs, et Maria l'a très bien fait, par exemple. Tu te lèves de ton lit et tu vas écrire tout ça, mais jusqu'au dernier détail. Et tu apprends petit à petit à te souvenir, c'est-à-dire que le corps enregistre l'expérience de ce que tu as vécu, mais qui n'est pas de l'ordre de son expérience directe à lui. Et je pense que c'est important, le côté capable d'emmagasiner, parce que tu as pu voir des sorties, bon, je fais une parenthèse, je parle vite, tu as pu voir des sorties où à un poil près, tu n'aurais pas enregistré l'expérience dans le corps physique. Un poil près. C'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention, y aller doucement et à inscrire ça le plus fort possible dans le corps physique, à l'obliger à se souvenir. Et pour ceux qui suivent un peu les vidéos dans lesquelles je parle justement d'influencer la physiologie, donc que ce soit notre santé physique ou aussi notre santé émotionnelle, c'est typiquement ce dont Marc parlait derrière, ramener toute cette information qu'on vient de charger en nous. C'est l'un des points les plus importants. Le ressentir pleinement à la fois dans la sortie et quand vous revenez en vous, arrivez à le sentir. Parce qu'une fois que vous ressentez cette chose-là, ça s'installe. Et comme je disais, ensuite derrière, au niveau hormonal, au niveau des centres énergétiques du corps, les différentes glandes endocriniennes, le cerveau lui-même, ils vont installer toute une biochimie qui correspond à cet état. Bon, finalement, c'est une transposition de ce qu'on va vivre. Et c'est important de bien l'emmener en soi. Mais tu remarqueras peut-être que quand on a bien fait ce travail-là, on se souvient de ces voyages à vie. Très bien, exactement. Le noter, ça développe vraiment, il faut savoir pourquoi il y a des personnes qui vont être qui vont se dire, moi j'ai pas le temps, je suis effectivement dans un état de plaisir intense, je comprends, c'est oui, normal. Mais après ça s'efface, mais ça t'as remarqué que ça. C'est ça. Et donc, Maria fait très bien le travail, elle est minutieuse et elle a appris à graver dans le disque dur le truc. Et une fois que tu as appris le phénomène, après tu n'oublies plus rien. Mais il y a une éducation du corps biologique. Ça développe ce qu'on appelle la métacognition. C'est vraiment cette conscience du soi. Et plus vous allez l'entretenir, plus ça va être facile justement de vivre l'expérience de sortir du corps. Vous allez commencer parfois à vivre des rêves lucides en effet secondaire, c'est-à-dire vous allez vouloir faire des sorties du corps et la lucidité va arriver déjà alors que vous êtes en plein rêve. C'est vraiment tout ça que ça va développer parce qu'effectivement, il y a une partie normalement, en temps normal, quand on est dans un rêve classique, une partie du cortex cérébral qui va inhiber cet enregistrement lié au souvenir. C'est pour ça qu'on va se mettre à faire des choses complètement anormales. Et pourtant, on se dit pas qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est-à-dire, on va se mettre d'un seul coup, voilà. Et cette chose-là, d'amener cette métacognition, de noter tout ça dans les rêves, vous allez interagir avec cette partie du cerveau qui vous allez maintenir avec vous dans votre pratique. Moi, je recommande deux choses. Je me permets de glisser ce que je fais, hein, parce que ça peut servir aux gens. C'est à partir du moment où on rentre dans un programme d'entraînement pour le voyageur du corps, même si on le fait en solo. De toute façon, on réussit toujours en solo. Hein. C'est pas un stage qui va te donner les capacités, c'est ton entraînement. C'est pas au moment du stage que tu vas faire une sortie du corps. À mon avis, c'est pas ça. C'est la nuit quand t'es peinard et qu'il y a personne qui t'embête, ou alors t'es avec ton copain ou ta copine et il y a pas de problème. Et ton chien. Mais moi, je recommande deux choses pour la mémoire. C'est d'entretenir un cahier de rêves parce que les rêves vont changer de nature et on va vivre, par exemple, des éveils successifs comme des poupées russes. Ça, c'est un des symptômes de progrès dans la mémoire. Et je me réveille une fois, je crois que je suis réveillé, mais je me réveille une deuxième fois. On a souvent ça. Ouais. Et un cahier de voyage, vraiment, et de séparer les deux. Et entraîner la mémoire des rêves et entraîner la mémoire des voyages, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un effort de mémorisation. Et c'est bien d'avoir les deux cahiers séparés. J'ai rêvé ça,
et mes rêves changent parce qu'encore une fois, les voyageurs ont des rêves qui ne sont plus les rêves classiques. Jamais. C'est vraiment, voilà. C'est ça. On va pas s'installer les explications, mais non, nos rêves ne sont plus des rêves. On Ouais. peut le dire comme ça. Ouais. Et puis le cahier. Et le cahier, c'est très important. Et moi, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de ça pour les nouveaux voyageurs. C'est-à-dire que s'ils ne le notent pas, moi, je le note, par exemple. Ça m'est arrivé, comme ça, je vois. Et puis, la personne ne le note pas. Et au bout de 6 mois, elle a oublié la moitié ou les trois quarts. Et je reprends les notes, j'y regarde. C'est ce que tu as dit juste après. Mais tu ne l'as pas noté. C'est Tu vois la ça. différence, c'est C'est vrai. ça. Bon, donc, il fait important d'écrire. Et le mieux, ça serait vraiment d'écrire sur un cahier plutôt qu'à d'écrire à l'ordinateur parce que c'est plus difficile d'écrire sur un cahier. C'est ça. Et moi, j'ai coutume de dire, si vous pouviez prendre un burin et un morceau de pierre et graver tout ce qui s'est passé, plus vous allez faire d'efforts, mieux c'est pour la mémorisation. C'est comme de graver profondément dans le système neuronal. Donc, le Ça. côté mémoire, c'est vachement important parce que si tu vis des aventures merveilleuses et que tu récupères pas le souvenir dans ton corps biologique, c'est un peu du gâchis, mais c'est ce que font les rêveurs aussi, hein, et parce qu'il y en a qui sortent hors de leur corps. Je sais pas, vous avez certainement abordé ça sur ta chaîne. Et Oui. les rêveurs, c'est des gens qui vivent des aventures hors du corps, on les croise, hein, mais qui n'en rapportent pas le souvenir ou qui rapportent des rêves, voilà, en fait. Mais Ouais. voilà, on les rencontre en état de Ouais. rêve en dehors du corps. Je Donc, parle beaucoup. non, mais t'inquiète pas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, je vois qu'il y a beaucoup de questions, on va répondre à plusieurs questions, on va en prendre plusieurs comme ça, on voulait vraiment que ça soit très spontané. Et est-ce que tu veux qu'on aborde tout de suite les quelques idées fausses ou on passe d'abord à Oui, des questions? on s'est fait une liste. Bah vas-y, Voilà. c'est vrai qu'on en a trouvé les mêmes. Bah oui, alors les idées fausses, je vais essayer de la retrouver aussi, hein, parce que j'ai préparé une petite liste effectivement de Moi ce aussi qui revient j'ai préparé. régulièrement. Alors, on peut, dans l'ordre, le risque de ne jamais revenir qui va avec le risque de mourir. Tu veux l'aborder? Tu veux que je commence comme tu veux? Vas-y, commence. Bah alors, vous avez déjà entendu, hein, j'en parle dans les vidéos, j'en parle dans la formation d'ailleurs pour ceux qui ont commencé à la suivre. Le risque de mourir, selon moi, selon Marc aussi, hein, c'est une fausse croyance. Vraiment, c'est une idée fausse. Déjà, personne n'est mort lors d'une sortie du corps et est revenu pour vous dire, au passage, je suis mort de la sortie du corps que j'ai tenté de faire. Donc, cette première chose, déjà, quand vous entendez une personne autour de vous qui va dire, attention, je connais une personne qui en est morte, cette personne n'est jamais revenue pour dire qu'elle était morte d'une sortie du corps. Donc, déjà, ça, c'est pour moi la C'est de la première idée pure fausse. logique. La pure logique, c'est le risque de ne jamais revenir. Toutes les personnes, après ça, maintenant, ça va être l'expérience, hein, avec toutes les sorties que j'ai faites, que Marc a faites, que énormément de personnes ont faites, et en lisant, hein, prenez le temps de lire tous les vrais témoignages de personnes qui l'ont Vrai expérimenté, témoignage. et pas que les on dit, hein, de ce qu'une personne nous a dit, toutes les personnes reviennent. Et toutes ces personnes, d'ailleurs, quand elles reviennent, alors certes, Trop certaines vite. personnes disent, voilà, je reviens trop vite, ça c'est souvent ce qu'on entend, ce qui est compréhensible au début, et ben personne ne va dire qu'elle en est morte. Ça, pour moi, c'est la première chose. Effectivement, on peut avoir cette sensation on a cette sensation de sortir hors du corps. Ça fait penser à la mort. Cette peur qui va se manifester, c'est une peur qui est ancrée en nous depuis longtemps, je pense, la peur de la mort. Donc, tu es d'accord avec moi là-dessus? Alors, je suis d'accord, mais je voudrais rajouter quelques petites choses. D'abord, la peur de la mort, elle est quand tu es à l'intérieur du corps. Dès que tu es sorti et que tu es à 2-3 mètres, la peur n'est plus là du tout. C'est Alors ça. là, vraiment, ça te paraît. Tu la laisses dans la viande, c'est ce que j'ai C'est coutume de ça. dire. L'autre chose, mais ça, c'est un avis personnel, et à l'évocation de ce que tu sais, mais qu'est-ce que ça serait bien de terminer sa vie alors que je suis en voyage et que quelque chose me dit, bah, t'as pas besoin de revenir parce que il est arrivé quelque chose à ton corps, tu es en vacances. C'est ça. Tu ne reviens pas. Mais qu'est-ce que ça serait génial? Moi, franchement, ça me plairait comme départ. Ouais, tu vois, mais bon, on n'aurait peut-être pas le dire là, mais ouais, voilà. C'est comme si Oui. tu étais en vacances au Club Med et qu'on dise, bah, tu reviens jamais. Tu n'as plus Oui. besoin d'aller bosser. C'est juste que tu vas tomber sur ce qu'on entend souvent, c'est les personnes qui vont dire, oui, mais alors, à vouloir faire des sorties du corps, vous n'avez pas peur de vouloir fuir la réalité. Et Donc, ben voilà, ben ça, c'est un autre sujet. c'est un autre sujet, une chose qui revient souvent. En ce qui me concerne, hein, moi, je vais parler de mon expérience. Moi, je trouve que les deux, c'est un outil. Il y a des personnes, moi-même, voilà, je vais faire de la méditation, je vais faire du sport à côté, je fais des sorties du corps. Tout ça, c'est des outils qui vont vous aider à mieux vous découvrir, à vivre des choses plus grandes que juste simplement vivre une routine au quotidien en mode autopilote. Donc vraiment, c'est ce que ça va m'apporter, les messages que je vais recevoir lors des sorties du corps, ce que je vais voir. Donc à vous de voir en quoi ça peut vous servir. Bien sûr, hein, il ne s'agit pas juste de faire une sortie du corps, juste pour dire j'ai réussi à faire une sortie du corps et dire à tout le monde j'ai réussi, et de dire derrière ensuite aux autres, attention, par contre, je te mets en garde parce qu'il y a ci et il y a ça.
Hein. Je pense vraiment, voilà, c'est un point très important. Trouvez vraiment la raison pour laquelle vous voulez le faire. Alors, moi, si tu veux bien, je vais répondre à la question que tu as soulevée. C'est une objection. Vous cherchez à fuir la réalité. C'est Alors, il y a ça. plusieurs manières d'y répondre. Et la première des choses qui me vient à l'esprit de manière spontanée, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on fait un saut dans la réalité. Oui, la On est dans une réalité espèce de plus brume de large. rêve. Et puis, d'un seul coup, on sort du corps. Et waouh, là, on est dans la réalité. D'un seul coup, c'est comme si on était dans la brume, dans le rêve. Bah, pour moi, c'est ça. Et là, la réalité, elle se présente à nous. Et tout est très intense. C'est comme si on était Effectivement. dans du chewing-gum, dans le corps physique, on est un peu, bon, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à penser, on n'arrive pas à sentir les choses. Puis d'un seul coup, c'est le contraire, en fait. On se fait un saut dans la réalité, et cette réalité est extrêmement puissante. Alors ça, c'est la première partie pour répondre à la question. La deuxième, que je répondrai de manière spontanée, je mets en garde les gens, sur, leur motivation. Si leur intention est de fuir la situation physique dans laquelle ils vivent, actuellement qui leur paraît inconfortable, et que pour eux c'est une solution de fuite, ça va être une mauvaise intention, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui va produire le résultat escompté. D'après moi, tout ce qui va avoir trait à la gestion du monde biologique, sous-jacent à l'intention, donc. Alors, je fais une parenthèse, parce que tout à l'heure, tu as parlé de l'intention, et je suis complètement d'accord avec toi, et on avait discuté avec Pierre-Emmanuel, et on avait réfléchi aux quatre paramètres, et on s'est dit lequel est le plus important. Et on est arrivé tous les deux à la conclusion que le seul véritable paramètre, c'est l'intention. Et on est arrivé à sortir uniquement avec l'intention. C'est-à-dire, on s'installe, on ne fait rien d'autre que d'installer l'intention. Et ça marche. C'est ça. Ah, bon, voilà, avec un peu d'expérience, juste l'intention. Avec l'intention, après le corps se met en stase tout seul, la conscience augmente, il y a des phénomènes vibratoires carrés, mais juste l'intention, ça suffit. Donc, la bonne intention, à mon avis, c'est plus la curiosité, la soif de connaissance que le fait de vouloir fuir ou de se prouver que la mort existe après la vie, enfin, que la vie existe après la mort, ce genre de choses. Parce que ça, c'est des causes biologiques, on a besoin de se rassurer. À mon avis, la meilleure intention, c'est une immense curiosité, une soif de découvrir. C'est ça. Voilà, je pense que c'est les intentions qu'il faut cultiver. Moi, je crois. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, vous cherchez à fuir la réalité. Non, on cherche à comprendre, à connaître et à explorer ce qui est réel. Et nos expériences nous montrent que c'est la réalité avec un grand R. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je disais la dernière fois au téléphone. Réalité avec un grand R, bien plus que simplement la réalité terrestre. Alors, je vois, j'essaie de prendre des questions, bien sûr. Alors, je vais prendre une question qui était là tout à l'heure, mais je ne la retrouve pas. Alors, c'était une personne qui disait, est-ce qu'on risque de revenir avec des parasites? Oui. Allez, c'est à ton tour. Voilà, à mon tour. Bon, par rapport aux Tu parasites, veux, hein? souvent le point de départ, oui, je peux, voilà. Le point de départ d'une sortie, la moindre peur. La moindre peur peut se manifester au moment, aux portes de la sortie du corps. Donc vous allez manifester chez certaines personnes le fameux intrus. Certaines personnes donc parlent de l'incube, hein, comme j'en parlais, une présence parfois démoniaque. Et ce qui est intéressant d'en parler, j'en parlais là dernièrement dans une autre interview, que selon les cultures, cet intrus va prendre une forme différente. Par exemple, vous allez retrouver en Italie, c'est Pandafece qui va se manifester et toutes les personnes vont la décrire de la même façon. Si vous allez au Japon, ça va être le Karabasan, le même démon avec des yeux rouges et des cornes. Vous allez retrouver ça dans différentes cultures. Et donc, à ce niveau-là, selon moi, c'est vraiment une projection de votre état émotionnel. Donc, l'état émotionnel, hein, c'est vibratoire. Encore une fois, c'est votre vibration. Quel est votre état vibratoire à ce moment-là? Et au début de la sortie, la peur d'arriver dans l'inconnu va faire que vous allez avoir une certaine peur. Certaines personnes vont se retrouver dans une totale obscurité. Et c'est ce que beaucoup de personnes finalement décrivent comme selon moi, hein, comme le bas astral, où vous allez retrouver parfois des projections, hein, de vos peurs, sous forme d'intrus, sous forme de démons, parfois sous forme de monstres. Et si vous arrivez juste à comprendre les mécanismes et de vous dire que c'est juste par rapport à la projection de vos peurs, changez d'émotion, pensez à autre chose, passez à autre chose, éloignez-vous de votre corps et vous allez voir que vous allez passer à un tout autre niveau. Et comme le disait tout à l'heure Marc, d'un seul coup, vous passez à un autre endroit qui va être totalement lumineux. Et c'est ce qui fait que j'ai participé à des programmes de recherche avec Michael Raduga, où on décrivait les états au début de la sortie, puis à la fin. Et tout à l'heure, Marc le disait, hein, on vit l'expérience de la réalité avec un grand R. On commence parfois, donc quand on est dans une certaine obscurité, avec ce que j'appelle la cécité astrale, le voile noir, où on commence à se Ça arrive détacher. souvent.
Voilà. Et ensuite, donc, on va dire que le degré de réalisme, le fait qu'on ne voit pas, bah, il va être 60, 70% par rapport à la réalité physique, réalité biologique. Mais ensuite, en avançant dans l'expérience, avec certaines techniques aussi d'approfondissement, on va d'un seul coup vivre quelque chose de très très fort. Et souvent, dans les sondages, hein, par rapport au programme de recherche, on obtenait un taux de 120, 130% par rapport à la réalité physique, un hyper-réalisme. Oui. Donc voilà, ces entités, ces parasites, pour moi, c'est une projection de vos peurs. Alors, moi, pour moi, il y a deux explications principales, parce que j'ai été confronté à ça un paquet de fois aussi, mais ça ne m'a pas impressionné longtemps. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait nos projections. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire, ce qu'on porte en nous s'actualise, on le fabrique à l'extérieur. C'est très surprenant, hein. Je me fais encore avoir de temps en temps, mais une fois tous les 6 mois ou tous les ans, pas plus. Mais à chaque fois, je me dis, j'ai fait ça, comment j'ai fait ça? La dernière fois, j'avais créé 3 loups bleus, mais d'une couleur bleu émeraude. C'était un truc particulier qui m'a pris de créer ça. J'étais stupéfait, mais c'était vachement réaliste. Ça, c'est la première catégorie, c'est nos créations pures. Mais il y a aussi des entités, parce que le monde énergético-physique est peuplé, qui vont s'amuser avec nous et qui vont lire en nous nos peurs. Je t'avais cité l'exemple de mon pote, là, qui a eu un monstre vert lors de sa deuxième sortie. Et pour nous bizuter, ils vont prendre l'apparence qui correspond à nos frayeurs. Et ça, moi, je les ai vus. Et bon, maintenant, quand ils s'amusent à faire peur, il n'y a pas longtemps, et c'était l'année dernière, au début du truc du Covid, ils s'amusaient à se déguiser en policiers qui faisaient la chasse aux gens. Je les ai vus à Paris, j'étais dans un grand magasin parisien, et ils étaient toute une bande à faire chier les rêveurs. Tu vois? Et donc, moi, je suis allé les voir, je leur ai dit, bah, votre déguisement, il n'est pas terrible. Mais c'était des entités, on va dire, énergétiques, qui s'amusaient à puiser dans le mental des gens. Ils étaient indépendants, si tu veux, c'est pas leur projection, tu vois. C'était des entités qui jouaient avec nous, comme nous, on joue avec des mouches. Et tout ça. Ça existe aussi, ces trucs-là. Les incubes et les succubes, c'est des entités à part entière. Tu en as peut-être croisé, moi, j'en ai vu aussi. Tu vois tu C'est vois comment ça, ça on crée, fonctionne? hein, ça existe dans un égrégore, on parle d'égrégore, hein, effectivement, à partir du moment où on émet quelque chose, cette chose-là existe, elle n'existe pas sur le plan physique, mais elle existe sur un autre plan. Elles existent sur le plan, voilà, de la matière epsilon et elles sont attirées par les peurs que tu as en toi et elles s'en nourrissent. Donc, moi, j'ai été au contact avec des succubes, par exemple. Et je ne me suis pas fait avoir, hein, je précise, mais j'étais bien surpris quand même. Parce qu'une fois, j'en ai trouvé une dans ma chambre. Je sors juste du corps et puis elle était là dans un coin de ma chambre. Ça m'a choqué de voir que je n'étais pas tout seul dans ma chambre. Tu vois. Mais je pense qu'il y a 2 catégories. Les choses qu'on fabrique par nos projections. Et les choses qui profitent de nos peurs pour se matérialiser, pour nous emmerder. Moi, pour moi, c'est les deux réalités qui coexistent et c'est à nous de faire la différence. Si en face d'une créature qu'on a créée, on fait l'effort de dissoudre cette création, on arrive normalement à la dissoudre. Mais une entité qui existe de manière indépendante, on ne va pas la dissoudre. Voilà, elle va résister. C'est pour ça que certaines personnes, et encore une fois, il y a tellement de questions, j'arrive pas à la retrouver. Une personne a demandé tout à l'heure comment faire pour s'en protéger. J'aime bien dire que vous êtes créateur, vraiment dans la sortie du corps, vous êtes créateur. Donc, essayez tout simplement d'émettre une certaine lumière, de vibrer en vous, de vibrer l'amour, essayez de penser à quelque chose qui vous fait du bien. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça va vous permettre d'avancer dans la sortie sans rester cloîtré avec justement toutes ces entités qui pourraient vous Pour moi, il y a une parasiter. solution qui est radicale, hein. C'est parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on est un peu pétrifié. Ça se passe surtout dans la première zone quand on ne monte pas encore beaucoup en vibration. On est encore dans la chambre ou à côté. C'est pas vrai que ça se produit souvent là? Ici. Eh ben, y a un truc qui est très simple, hein. Tu dégages à 10 000 km. C'est ça. Aller le D'un plus loin coup. possible. Mais d'un coup, tu vois, eh bien, tu les laisses sur place. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Totalement. Voilà. Mais on n'y pense pas. Mais ceux qui y pensent, ça marche. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est après avec l'habitude. Que ce soit dans les arts, même dans les arts martiaux, on dit souvent qu'on réapplique 30% de ce qu'on a appris. C'est comme ça, de manière générale, on va lire un livre aussi dans une page, on va retenir une certaine partie. La sortie, c'est pareil. Plus vous allez pratiquer, voilà, revoyez les notes, les différentes notes de tout ce que vous avez appris, et puis vous allez voir que les choses, les mécanismes vont venir plus naturellement. Et effectivement, je te rejoins totalement sur le fait que quand on sort, le principal, le mieux, c'est de s'éloigner du corps Vite, physique, le plus loin. vite. Ça n'a rien à foutre d'être perdu après, c'est le premier point que tu as évoqué. Mais du moment que tu dégages vite, d'abord, ça t'évitera de revenir trop vite au corps physique. Voilà. Donc, est-il possible qu'une autre personne vous prenne votre corps lors d'une sortie? Voilà, ça rejoint encore l'histoire d'être parasité, hein, c'est Moi, je veux bien répondre à ça.
Je te laisse répondre. Parce que dans l'immense majorité des cas, non. C'est dû aux structures énergétiques qui sont dans le corps. Bon, ça sera peut-être un peu long d'expliquer ça, mais en fait, le corps est pris dans une structure énergétique extrêmement dense et qui constitue une sorte de cage de Faraday. Il n'y a, bon, y a pas grand monde qui peut rentrer là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Dans de rares cas, et moi je l'ai expérimenté une fois au moins, oui, je me repasse le film. Alors, bon, c'est un autre sujet. J'ai incorporé quelqu'un qui était ivre-mort, mais dans un futur de 20-25 ans à peu près. C'était un black américain qui était complètement pété avec les drogues et les alcools, et j'ai réussi à prendre le contrôle de son corps. Et c'était une expérience assez cocasse. D'ailleurs, j'étais stupéfait de voir des écrans plats publicitaires partout, parce qu'au moment où j'ai fait mon expérience, ça n'existait pas du tout, les écrans plats. Puis j'étais stupéfait de voir ça, moi, des grands écrans publicitaires comme on voit maintenant, tu vois, avec des panneaux lumineux. Mais ça n'existe pas. Donc, j'ai vu ça au cours de cette sortie-là et j'ai pris le contrôle de son corps. Je ne suis pas resté longtemps. Donc, il y a des cas où c'est possible parce que les structures de défense de l'individu à cause de la drogue, à cause de sa médiumnité, parce que la médiumnité permet ce genre de choses, hein, c'est des fractures dans le système de protection, ou l'alcool, hein, c'est un peu pareil, vont te permettre de rentrer à l'intérieur et puis d'utiliser un peu les manettes. Voilà. Mais ça va arriver une fois sur 1 000 ou sur 10 000. Mais votre corps, dans l'état ordinaire, il est protégé par une espèce de cage de Faraday. Ça se voit pour ceux qui voient le champ d'énergie. C'est la couche bleuâtre qui est autour, la couche primaire, qui est plus ou moins foncée. C'est vraiment un bouclier solide, quoi. Donc, il n'y a personne qui va rentrer là-dedans. Mais Monroe décrit aussi un ou deux cas où il a pris le corps de quelqu'un d'autre qui était à l'agonie. Il a réussi à prendre le contrôle. Il s'est retrouvé dans un autre corps. Donc, je dis ça pour les voyageurs qui ont fait beaucoup de voyages ou qui vont en faire beaucoup. Ça peut arriver, mais c'est rare. Mais au bout d'un moment, ça risque d'arriver pour que vous en fassiez l'expérience. Ça rejoint plusieurs expériences même qui vont être un peu différentes. Parfois, vous avez peut-être entendu parler du don d'ubiquité, de bilocation, ou autre chose. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont témoigner d'un seul coup de sentir une présence en eux. Voilà. Après, je rajoute quand même qu'il y a énormément de choses liées aux croyances. Hein. Oui. On parle beaucoup de l'effet placebo quand on parle de la prise d'un médicament qui n'est en fait qu'un comprimé de sucre et on va remarquer tous les états au niveau corporel. Il existe aussi l'effet nocebo qui est l'effet inverse. Donc si vous avez la croyance ferme que vous allez être possédé par un démon, vous allez ramener ça en vous indirectement, vous allez ramener cette vibration, cette information. On parlait d'information tout à l'heure, vous l'intégrez en vous, cette information. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi on fait la sorture du corps. On en revient toujours à la même chose. Mais dans l'immense majorité des cas, ça ne va pas se produire. C'est Donc, ça. ça arrive tellement peu souvent, mais bon, je vais quand même expliquer parce que moi, ça m'est arrivé, mais c'est tellement peu fréquent qu'il vaut mieux résumer en disant les choses, ça arrive pratiquement jamais. Voilà. Voilà. Donc, Ouais. ne vous inquiétez pas de ça. Alors, une autre chose, donc la sorture du corps n'est qu'une hallucination produite par le cerveau. Bon, à ce niveau-là, bon, on en a parlé tout à l'heure, hein. Effectivement, Oui. pour moi, je disais que le cerveau, c'est plus une interface qui va permettre de ramener l'information dans le corps. On va observer effectivement des choses qui se passent au niveau du cerveau, mais ça ne veut en aucun cas dire que c'est le cerveau qui crée tout ça, selon moi. Alors, on avait parlé de ça ensemble, toi et moi, parce qu'il y a des gens qui veulent interpréter et avoir un avis, parce qu'il y a plein de gens qui ont des avis, mais qui n'ont pas d'expérience. C'est ce qu'on disait. Et invariablement, c'est ça. C'est des gens qui disent des bêtises parce que tout simplement, ils connaissent pas ce territoire, ils n'ont aucune expérience. Et en fait, ces gens-là, ils sont fondamentalement matérialistes, c'est ce que je te disais, Romain. C'est-à-dire qu'ils ont beau se positionner comme spiritualistes, et moi, je ne me prétends pas dans la spiritualité du tout, hein, on en a discuté tout à l'heure. En fait, ils sont matérialistes. Ils ramènent tout au cerveau. Et s'il y a bien quelque chose qui est l'objet de notre démonstration et de notre vécu lors des sortures du corps, c'est que on peut exister sans le corps physique. C'est ça. Voilà. Donc on est là de ce point de vue-là, on n'est vraiment pas matérialiste, parce que sans le corps physique, on continue d'exister et on existe encore plus fort. Et donc le cerveau n'est qu'un réceptacle au moment où on retourne et qui enregistre des modifications. Eux, j'ai lu ça sur, je crois que quelqu'un nous l'avait partagé sur la page Facebook. Il y a un gars qui dit le monde astral, c'est le rythme du cerveau avec 3 Hz ou 5 Hz. Voilà. Quelqu'un qui a un avis, alors je ne sais pas s'il y croit, hein, Qui a fait un mais copier-coller. ouais, qui a fait un copier-coller, mais nous, ça nous fait pouffer de rire, ce genre de choses. Parce que c'est du délire total. Pour nous, c'est du délire total. Mais on a ça, on a des gens qui ont des avis qui reposent sur rien, mais qui sont fondamentalement matérialistes. Voilà. C'est ça. Ils ne pensent qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est l'univers physique, celui qu'on peut mesurer avec des électrodes. C'est ça. Et nous, on sait que ce n'est pas vrai. C'est Totalement qu'il y a vrai. bien d'autres choses.
Comme je disais, hein, je développe avec Michael Raduga la chaîne Face Today, qui ressent justement beaucoup d'expériences scientifiques. Mais encore une fois, on remarque toujours qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà. Hein, c'est la fameuse science post-matérialiste. Effectivement, hein, on est parfois trop attaché à la science conventionnelle. Mais il y a quelque chose. Aujourd'hui, hein, il y a une émergence à ce niveau-là des sciences. Je pense même aux sciences noétiques qui étudient vraiment le pouvoir de la conscience sur la matière. Voilà, on n'est pas juste, tout n'est pas juste lié à notre cerveau. On Tu passe à la sais, question. Oui, excuse-moi. je fais juste une parenthèse parce que ça me fait penser à ça, ce que tu dis là. Il y a l'IAC qui a fait des expériences avec ils ont loué du temps à IRM et Pierre-Emmanuel est au courant aussi. Il a vu les films il y a quelques années de ça et ils ont présenté ça au moment de la conférence. Excuse-moi. Ils ont eu loué du temps à IRM et ils ont montré que l'énergie était visible. Qu'on pouvait la mettre en évidence avec un IRM parce qu'elle interfère, elle change de spin en fait. Donc on peut la voir. Et donc ils ont fait des photos et des films de l'énergie, c'est-à-dire ils projetaient de l'énergie dans des trucs et on voyait l'activité, l'énergie vraiment se matérialiser dans l'IRM. Et je me souviens des commentaires de Wagner qui disaient les techniciens de l'IRM du Brésil étaient stupéfaits de voir qu'on obtenait des images à l'extérieur de la boîte crânienne. Et donc il envoyait de l'énergie, il la retirait et on voyait cette énergie qui s'avançait même dans une bouteille d'eau et dans un œuf et qui se retirait quand Wagner la retirait. Donc on va développer des sciences et on a déjà les moyens d'observer l'énergie. Et les Russes, avec l'effet Kerlian, ça fait quoi 70-80 ans qu'ils sont capables? Parce C'est que ça. l'effet Kerlian, c'est ça, c'est un champ d'interférence avec la matière epsilon. Et cet effet-là, on le connaît. Et ils ont développé des technologies, principalement médicales, qui fonctionnent très bien, moi j'en ai vu. Et on a déjà une manière d'objectiver cette matière epsilon, et c'est déjà un pas dans une science spirituelle. Parce que cette matière epsilon, c'est l'interface entre le monde biologique matériel qu'on connaît et le monde, on va dire, astral, de la réalité de l'esprit. Le pont entre les deux. C'est la matière epsilon. Et nos technologies nous permettent déjà de l'identifier, de la voir et de la mettre en évidence. Je voulais refermer cette parenthèse. Ouais, très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'impatientent pour les questions. Vous inquiétez pas, on va en prendre plusieurs. Hein. Bon, pour nous, voilà, on tenait à axer vraiment cet échange sur les fondamentaux et justement ces idées fausses. Donc, on continue d'aborder d'abord quelques idées fausses, hein, d'ailleurs, qui ont Ouais. été posées en question. Et après, vous inquiétez pas, on prendra d'autres questions. Hein. Donc, est-ce qu'il faut être absolument allongé sur le dos? Ça, c'est une question que j'ai relevée de mon côté. Ça va dépendre des méthodes, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de vivre des sorties du corps juste par cette croyance qu'ils doivent être absolument allongés sur le dos. Voilà. Il y a effectivement, on remarque certains états qui vont être privilégiés quand on est allongé sur le dos, selon les techniques, mais c'est pas obligatoire. Moi, je peux parler de mon Oui. expérience personnelle. Moi, au bout d'un moment, je place le corps comme il a envie de se placer. C'est Et ça. comme il dort bien quand il est couché sur le côté, par exemple, gauche, ou sur le côté droit, ça dépend des moments, eh bien, je le laisse se mettre comme ça, parce qu'au bout d'un moment, il dit, attends, t'as envie que je m'endorme, c'est ton problème. Moi, je me place comme ça. Je le laisse faire. Et c'est comme ça que je décolle. Et je ne sais pas si tu as vu, mais quand tu es allongé sur le dos et que ton corps est allongé sur le dos et que tu décolles, tu pars vers le haut. Et moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de partir alors que le corps était allongé sur le ventre. Et alors, curieusement, je passais à travers le matelas et j'allais dans la même direction, mais je m'enfonçais dans le matelas et dans le sol. Est-ce que tu as vu ça, toi? Ça Totalement. t'est Ah ouais, arrivé, ça, non? j'ai vécu C'est ça. fou, ça, Donc ce truc. c'est ce que je Tu as l'impression que ça a décris du mal à rentrer, puis tu finis par rentrer dedans et tu passes à travers le matelas et le sol. C'est C'est ça? ça. J'en ai parlé ouais, dans les vidéos et aussi de passer un peu de tirer par les pieds. Mais ça, c'est j'avais fait une demande particulière pour qu'on m'aide Ah ben c'est ça, ouais, c'est les ça sorties c'est assistées. les sorties assistées, voilà, par Donc il y a pas, pour répondre les à la question, non, il n'y a pas de position privilégiée. À voilà. partir du moment où on respecte comment dirais-je, ce que demande le corps pour être en stase profonde, il faut écouter ce qu'il dit. Voilà. Voilà, c'est quoi la meilleure position pour qu'il soit en stase profonde? Si c'est sur le dos, c'est sur le dos. Si c'est sur le ventre, c'est sur le ventre. Si c'est sur le côté, ben on laisse faire. C'est ça. Une question, bon, là, ici à ce niveau-là, j'avais relevé, la sortie du corps est-elle réservée à des initiés? Tout le monde ne peut pas en faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, je pense que tu veux répondre à cette question ou comme tu veux. Bah évidemment que non, Ouais. c'est vraiment, mais c'est ce que toi et moi, enfin on est complètement d'accord, ça s'apprend, et si on pratique la méthode correctement, les méthodes correctement, mais c'est juste une question de persévérance, on finit par y arriver, c'est juste une question de temps, et il y a des gens qui y arrivent, moi je prends l'exemple en sport, hein, je prends l'exemple du basket, ou l'exemple du tir à l'arc. Il y a des gens, on va leur mettre une cible à 20 mètres, on va leur donner un arc et des flèches, et ils tirent le truc, ils tirent une flèche, et puis la flèche, elle tombe à 5 mètres à côté. Et ils posent l'arc en disant, j'y arrive pas.
C'est Je suis ça. pas doué. C'est ça. Mais il faut tirer des milliers de flèches si tu veux apprendre à tirer. Et en basket, c'est pareil. Si tu veux avoir le panier, eh ben, il faut que tu t'entraînes, tu fasses les bons gestes. Le coach est là, il te dit, attends, place ton pied comme ça, fais ce geste-là. Puis au bout d'un moment, tu vas voir, tu vas faire des paniers. C'est un programme d'entraînement quasi physique pour moi. Moi, j'explique lors des stages que les croyances, les idées reçues, on va tous les mettre dans un panier et on va C'est se ça. concentrer sur les méthodes, la méthode, toute la méthode, rien que la méthode. C'est Et ça. cette méthode, elle est tout à fait comparable à un entraînement physique. Bon, tu es sportif aussi, j'ai fait des stages de haut niveau, moi en judo. C'est juste, on bouffe des uchikomis, on fait des soshi, des abdos, on court, et puis on fait des mouvements, et à droite et à gauche, et machin, et ça rentre, et il faut le faire. Et plus tu essayes, plus tu as des chances d'y arriver à un moment, parce que si au bon moment, la matière epsilon ne te colle plus, ben, tu dégages. Voilà. Et si c'est dans 2 jours, c'est dans 2 jours. Si c'est dans 2 ans, c'est dans 2 ans. Mais ça dépend de ton travail. C'est C'est que ça. ça. Parce qu'il y en a plein à qui on enseigne, à qui on explique plus exactement les méthodes, on leur explique, et puis ils essayent 2 jours, 3 jours, et puis après, non, finalement, j'y arrive pas. Voilà. C'est C'est ça. comme un quelqu'un qui prépare un marathon qui se dit, oh, c'est fatigant de courir, j'en ai marre, j'arrête. Donc tu prépares pas ton marathon, tu prépares ton marathon dans l'en courir 2, 3, 4, 5 fois par semaine avec un programme. C'est exactement pareil. C'est On ça. n'est pas dans la Après. spiritualité à la noix, pour moi. On est dans des méthodes qui sont objectives et qui fonctionnent. C'est ça. Appliquer les méthodes, et la méthode indirecte, la méthode opportuniste fonctionne bien. Vous appliquez cette méthode, elle va fonctionner au bout d'un moment. Mais faites-le Oui, c'est ça. avec un véritable programme. J'y croyais pas, j'ai reçu au premier essai. Maintenant, c'est plus difficile. Bon, voilà, il y a d'autres blocages, mais on y Mais arrive souvent. Maria explique qu'elle a eu des périodes, je sais plus à combien elle est de sortie, mais depuis un an, elle a dû dépasser 30 ou 40. Mais je me souviens qu'au départ, on parlait beaucoup et elle me faisait part de ce qu'elle vivait. Et puis elle a eu des moments, des périodes où pendant 3 semaines, un mois, il se passait rien. Mais elle continuait à pratiquer la méthode. Et puis au bout d'un moment, plouf, elle en faisait deux, trois dans la semaine. C'est pas vrai? Voilà. Parce que la méthode, l'entraînement, rien que l'entraînement, tout l'entraînement, c'est toujours pareil. Maria, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, hein, si vous voulez retrouver ces témoignages, hein, ils sont sur justement la page, je vais vous la mettre à l'écran, la page de Shorts, voilà, hein, vous pouvez, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, hein, je vais poster plusieurs témoignages de différentes personnes, voilà, à ce niveau-là, et je reviens à notre écran principal. Donc il y a une personne qui pose une question. Est-ce qu'on voyage dans le temps, passé, futur? Est-ce que c'est possible le voyage dans le temps? Sais pas, tu réponds, moi je réponds. Selon moi, encore une fois, je vais parler avec les termes de la physique quantique, le passé, le présent, le futur, d'un point de vue linéaire tel qu'on veut le concevoir avec notre cerveau gauche, selon moi, il n'existe plus de cette manière. Il y a des futurs potentiels, il y a différents passés, et effectivement, on va se connecter à une information. On va vivre une certaine manifestation. Je pensais à Alain Penouël que j'ai interviewé sur la chaîne il y a quelques mois, et qui racontait, par exemple, de s'être retrouvé sur le parvis de Notre-Dame pendant le Moyen-Âge. Et il a retrouvé toutes les descriptions qu'il avait faites, correspondaient, concordaient d'un seul coup, comme un signe qui lui a été envoyé quelques jours après. Il est tombé sur une photo de Notre-Dame au Moyen-Âge et il a retrouvé tout ce qu'il avait vu. Alors, il y a plein de choses, effectivement. Vous allez retrouver de l'information et tout ça. Mais je parle beaucoup, en ce qui me concerne, quand je parle d'un voyage dans le passé, d'essayer d'effectuer des revisitings, c'est-à-dire revivre des expériences qu'on a passées, éventuellement, ou selon l'intention de départ, encore une fois, retrouver des éléments du passé. Mais vous n'allez pas forcément retrouver tout à l'identique tel que ça doit être. Et pareil, quand on parle de futur, on parle de futur potentiel, hein, il est bien évident que si un jour quelqu'un vous dit attention, demain, en traversant la route, tu vas te faire écraser. Et ben, il vous suffit de rester chez vous et de pas traverser la, de pas sortir et de pas traverser la route pour changer ce futur. Donc voilà. Alors j'ai mon avis là, hein, Ouais. parce que c'est vraiment un des sujets quand j'ai rencontré Wagner Allegretti à l'IAC, donc à Amsterdam, sur lequel on avait une interprétation différente. En ce qui me concerne, j'ai des expériences extrêmement fortes qui m'ont bousculé. Et effectivement, j'aurais pu interpréter les choses au préalable, mais je me souviens d'une fois où, par exemple, où j'avais fait un voyage dans un passé, bon, pas si lointain que ça, il y a 25 siècles. Et où pendant des semaines, ma compagne de l'époque m'entendait dire, je ne comprends plus ce qu'est le temps. Je ne comprends plus rien. Je comprends plus rien. Je comprends rien. Parce que pour moi, j'avais vraiment fait un voyage dans le temps. C'est-à-dire le
passé il y a 25 siècles était mon présent au moment où j'étais en voyage. Et ça s'est produit comme ça, et ça s'est produit aussi inversement dans le futur, où des choses extrêmement précises se sont manifestées, et j'en parle un peu dans mon dans ce livre-là, et ça m'a vraiment choqué, ça m'a heurté, et je n'ai pas compris du tout ce qui se passait. Donc, j'y comprends toujours rien. Mais j'ai une série d'expériences, aussi bien dans le passé que dans le futur, qui fait que je suis perturbé par rapport à ça. Ouais. Parce que c'est vraiment précis. Ouais, c'est vraiment précis. Je te rejoins aussi là-dessus sur plusieurs choses. Hein. Franchement, tout ce que je peux dire, c'est que je ne comprends pas et que l'explication des futurs potentiels et des enregistrements du passé, moi, j'en ai discuté avec Wagner, il m'a sorti ça. Il y a quelque chose qui ne passe pas par rapport à mon expérience. J'arrive pas à avaler le truc. Voilà, c'est-à-dire, selon moi, un futur potentiel ne veut pas dire qu'on ne l'emprunte pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut vouloir se connecter à un certain futur. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on peut interagir avec dans notre quotidien. Mais par exemple, effectivement, là où je te rejoins, c'est que j'ai vécu en sortie de corps des informations comme l'incendie de Notre-Dame. Je l'ai vécu. Et effectivement, je l'ai ramené derrière. Et effectivement, si on me demande, je dis, je me suis connecté à ce futur-là et ce futur, il s'est produit au final. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que certaines personnes, par moment, des fois vont confondre aussi ce qu'ils ont vécu en rêve lucide, sans être en sortie du corps. Et parfois, en sortie du corps, on va voir un événement. Je pense notamment à une personne qui m'a parlé dernièrement pour me dire, j'étais persuadé, j'ai l'impression d'être dans un futur, d'avoir vécu la sortie dans un futur. C'était ce week-end, voilà, le week-end, c'est ce qu'il décrivait. Et j'ai vu mon père malade, très très malade d'un seul coup. Est-ce que je dois l'interpréter d'une certaine manière? Effectivement, à ce moment-là, le week-end passé, je lui dis, vous revenez et dites-moi, faites-moi un retour par rapport à cette expérience. Et il m'a dit, finalement, il ne s'est rien passé. Mais ce qui peut être intéressant de noter, c'est que derrière, il y a peut-être une autre information par rapport au père malade. Et effectivement, parfois, moi, je trouve que la manifestation de tout ce qui se manifeste dans la sortie, parfois, se manifeste vraiment de manière symbolique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça, c'est du ressenti, mais encore une fois, je l'explique toujours pas. Il y a quand même... D'après moi, mais je ressens intuitivement, mais c'est même très fort, c'est plus fort que ça. Moi, j'y comprends toujours rien du tout, honnêtement. Au retour de certains voyages, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas raconter, ça va prendre des plombes, mais l'explication, non, ça ne passe pas. C'était trop fort, c'était trop précis, j'étais vraiment... Et souvent, ça s'est passé exactement comme j'ai vu 20-25 ans auparavant, mais jusque dans les détails hyper précis. Et je ne comprends toujours pas. Ouais. Voilà. Là, j'y comprends que dalle. Et même ce que tu viens de dire, pourquoi pas? J'ai réfléchi à ça. Mais non, il y a quelque chose pour moi, non, j'ai toujours pas compris. Voilà. De toute façon, voilà, comme vous pouvez le voir, effectivement, il faut vivre les expériences. Et encore une fois, ça revient à ce que je dis toujours, l'important, c'est ce que vous ramenez en vous. Vous ramenez en vous, et une personne qui va voir un défunt, ce qui est très important, c'est si ça lui permet de faire le deuil. Il n'y a même pas à discuter autour, de se dire... c'était vrai, c'était pas vrai. Si ça lui permet de faire le deuil, moi, c'est ce qui compte. On passe à la suivante ou pas? Allez. Fois suivante. On risque de rester coincé dans le bas astral, ça, on l'a dit. La sortie du corps est comme la vision à distance. On va pas en reparler, on en a parlé tout à l'heure. La sortie du corps est comme le rêve lucide. Alors, je sais qu'il y a une personne qui a posé la question il n'y a pas longtemps, mais on en a parlé au début, il faudra regarder le replay. Encore une fois, selon moi, c'est deux états vraiment distincts. Mais effectivement, ça tourne autour du sommeil, à la frontière entre, d'un côté, le sommeil, le rêve lucide, et l'éveil, la sortie du corps. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut retrouver certains critères en commun liés à l'induction, par exemple, pour faire une sortie ou faire un rêve lucide. Mais après ça, tout ce qu'on peut y vivre, ça va être différent. Ensuite, pourquoi chercher à faire une sortie du corps? On doit rester incarné, on en a parlé, c'est le fameux... Ça, c'est le moraliste. Ouais. Ramener des parasites, on l'a abordé aussi. Le risque de se perdre aussi, on l'a dit. Alors, il y a une différence, tu m'en parlais tout à l'heure. Il y a le risque de se perdre et ne pas savoir où on se trouve, et c'est deux choses différentes. Je te laisse la parole là-dessus. En fait, si se perdre, c'est ne pas savoir où on est, ça nous arrive super souvent.
Parce que déjà, quand on est déjà sur le plan physique et sur la planète, souvent on se dit, bah, je suis où? Parce qu'on fait un déplacement instantané, bon, tu as connu ça, et on va voir les panneaux, on va voir où on se trouve. Et des fois, grâce aux panneaux, quand ils sont écrits dans un langage intelligible, on arrive à se localiser. Mais quand on est dans une autre dimension, alors on n'a pas parlé de ça entre nous, hein, mais là, évidemment, on n'a pas de point de repère qui soit identifiable au retour dans le corps physique. Totalement. Mais se perdre, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, je ne sais pas où je suis. Et ça, c'est souvent, mais ça peut implicitement vouloir dire je ne sais pas revenir. Et je dirais que c'est comme un GPS. Le GPS, tu n'as pas besoin de savoir où tu es, tu reviens, de toute façon. Parce qu'un GPS, c'est ça. Tu mets l'adresse du retour et tu reviens. Donc, si tu as envie de revenir, et de toute façon, à un moment, tu reviendras, donc oui, tu vas te perdre, mais non, tu ne vas pas te perdre au sens où tu vas toujours revenir au corps. Voilà. C'est ça. Ouais, totalement. Moi, je rejoins tout ça totalement. Notre question, il faut être religieux ou spirituel pour vivre une sortie hors du corps. On en a parlé hein, tout à l'heure, ça dépasse les dogmes, hein, c'est juste mettre en place, partir d'une copie blanche et puis appliquer les protocoles, les différents protocoles, et surtout pas les appliquer qu'une seule fois, hein, parce que on peut réussir du premier coup, mais on peut aussi réussir au bout d'une dizaine de tentatives. Parfois, certains réussissent même plus tard. Donc, la persévérance. Persévérance. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour en gros des idées fausses. Non, il y a d'autres trucs. Pour moi, on me dit souvent, il faut être ancré. Ah, ça c'est très intéressant. T'as pas eu ça, toi ? Bah si. Beaucoup de personnes disent attention à bien être ancré, mais ça rejoint aussi cet aspect, selon moi, de cette enveloppe de protection. Beaucoup de personnes attention de bien activer votre enveloppe de protection. En fait, effectivement, moi je rejoins toujours ça aux croyances. Hein. On parle dans le quotidien, même dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qu'on dit ancrées, des personnes qui sont perchées. C'est toujours ce qu'on retrouve toujours. En fait, c'est tout simplement de rester connecté à la réalité. Et on parle du fait d'être connecté à la réalité avec un R majuscule. Donc, être ancré à ce moment-là, c'est... ça n'a plus vraiment de sens. Juste peut-être... Juste peut-être d'être conscient, d'être un minimum informé par rapport à la sortie du corps. Parce que si on part avec plein d'idées préconçues, des peurs et tout ça, c'est sûr, pour moi, ça enlève cette forme d'ancrage, entre guillemets. Oui, il faut. Pour moi, l'ancrage, c'est vraiment de se fier à ses propres perceptions et à sa propre expérience. Écouter les discours des autres, ça sert à rien. Je fais mon expérience, je mets les mains dedans. Tu veux faire de la poterie, tu veux faire de la ferronnerie, tu mets les mains dedans et tu regardes comment ça se passe. Et là, tu as un ancrage naturel parce que ton expérience personnelle te montre ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, après, il y a des choses un peu plus complexes là-dedans. C'est le fait de relier le champ d'énergie ou pas à la Terre, etc. Et souvent, les gens qui sont dans la spiritualité, souvent dans le chamanisme, ils parlent d'ancrage. Mais on parle de deux univers différents, le chamanisme et la voyageur du corps. Bien que les chamans peuvent voyager hors du corps, hein, quelquefois, normalement, ils devraient pouvoir le faire, hein, parce que c'est leur boulot aussi. C'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il faut pas mélanger les deux. Et encore une fois, la réalité, l'expérience personnelle et le fait de, effectivement, ce sentiment de vivre une expérience concrète et de ne pas croire ce qui circule, mais juste ce qu'on ressent et ce qu'on vit, ça forme un ancrage naturel. On est solide. Hein, oui. Cette espèce de solidité. Et toi et moi, on a cette solidité parce qu'on peut nous démontrer ce qu'on veut. Hein. Moi j'aurais une armée de scientifiques en face de moi qui me dit mais ça n'existe pas, c'est votre cerveau. Moi je suis tranquille, hein, et même s'ils sont 1 million, hein, je sais que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, ils peuvent avoir tous les arguments qu'ils veulent, ben, c'est comme pour l'aura et tout ça, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, moi je la vois. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils me racontent? Et je vois pas des vagues taches de lumière qui se promènent, hein. Ça fait des années, des dizaines d'années que je vois ça tous les jours. Donc, ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent. Je sais que c'est vrai. On est solide par l'expérience. C'est ça. Voilà. Et encore une fois, moi, je respecte tous les avis de tout le monde. Et on le dit, le but, c'est que vous soyez le plus autonome possible. Et ensuite, vous-même, vous allez en parler autour de vous. Vous allez transmettre. Alors, bien sûr, il y a Emilio qui me disait, pour l'instant, je relève les questions banales pour pas dire pourries. C'est juste que là, je tenais vraiment à, pour les personnes qui découvrent le phénomène, c'est important toujours de retourner sur les fondamentaux et de partir sur les idées fausses. Maintenant, on va aborder les questions... d'autres questions. Alors, j'ai encore deux trucs parce que j'avais noté moi aussi. Il y a des gens qui me disent oui mais attention tu vas casser ta corde d'argent. Ah vas-y, tu peux en parler. Tu as vu ça toi? Si toujours moi... c'est la question qui revient régulièrement. Ah oui, mais ben, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible, parce que franchement, là, moi, je pense que c'est pas possible. Alors si c'est possible, qu'on m'explique comment et à qui c'est arrivé. Moi, j'ai tiré dessus, j'ai regardé dans tous les sens, j'ai mis les mains dedans, je suis infoutu de comprendre comment je peux arriver à casser ça.
Bon, bah, Oui. qu'est-ce que t'en penses? Bah, pour moi, de mon côté, la corde d'argent, je l'ai regardée une fois. Et puis après ça, une fois que je l'avais vue, j'ai jamais été plus curieux que ça. J'ai toujours avancé par rapport à mes autres plans d'action. Mais pour moi, la corde d'argent, je l'associe de toute façon toujours à la même question. Est-ce qu'on risque de mourir derrière? Parce que si on coupe la corde Oui. d'argent, on meurt derrière. Donc Oui, c'est un peu pour c'est un peu moi, la même question. ça rejoint la même chose. Elle est liée à la peur de mourir, quoi. Alors, on prend quelques questions. Il y en a beaucoup de questions, donc Vas-y, du coup, vas-y, je sais que la vas-y, vas-y, légende, vas-y. voilà, ils disent, bon, c'est un échange entre nous, mais c'est aussi ça, hein, on se connaît depuis pas très longtemps, du Ouais, coup, on on discute un peu partage. entre nous, on oublie qu'il y a les autres. Oui, c'est ça. Donc, on va. Ah, pas toi. Bon, on a quand même un commentaire gentil de Kaiden, un duo de choc ce soir. Bon. C'est Alors, sympa. une question. Bah, je vais essayer de remonter d'abord plus haut et puis d'en prendre au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, hein, on a encore du temps. Alors, il y a une question de Mathéo. Quelle est notre vraie forme? Est-ce qu'en sortir du corps, nous pouvons créer des fausses projections de nous-mêmes en fonction de ce qu'on s'attend à voir? Tu veux commencer? Enfin, ou je commence comme tu veux. Comme tu veux, mais Moi, bon, je pense qu'on va encore se rejoindre. ouais. Bon, de mon côté, je vais juste parler tout simplement déjà du fait que la forme peut varier en sortir du corps. Effectivement, il y a parfois certaines projections. Hein. Moi, je sais que je le dis des fois, si vous voulez vous amuser un petit peu, vous pouvez aussi vous dire, je veux prendre la forme d'un oiseau et réellement ressentir que vous incarnez l'oiseau et vous mettre à voler, ressentir les ailes. Pareil pour prendre la forme d'un lion, ressentir que vous avez les griffes, la queue, vous ressentez un nouvel état d'être. Et donc, voilà, on n'a pas, pour moi, la vraie forme. Ce serait peut-être prétentieux de dire, voilà, la vraie forme que l'on a en dehors du corps physique, elle est comme ci ou comme ça. Je peux vous parler du fait de des fois d'être ressenti tout simplement comme un corps totalement lumineux. Ça correspondrait aussi à des témoignages d'autres personnes. Mais je vais laisser Marc aussi parler derrière parce que je ne voudrais pas Ah, moi, partager les mêmes thèmes. rien que pour ça, j'en aurais pour une demi-heure à parler. Mais je dirais que tu ressembles à ce que tu as envie de ressembler. Et que souvent, tu t'inspires de ton corps physique. C'est le cas des rêveurs. Quand tu croises des rêveurs, ils se prennent pour leur corps physique. S'ils se penchent plus jeunes, alors si tu peux comparer avec leur corps physique, hein, ben bon, tu vois qu'ils prennent une apparence plus jeune que leur corps physique. Mais c'est l'idée qu'ont les gens d'eux-mêmes. Et ce qu'on observe dans les mondes supérieurs, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça sera peut-être l'objet de d'autres choses, c'est que les gens, ils prennent une apparence extrêmement complexe. Et que ce que j'ai fait essayer de faire représenter sur l'illustration du livre, c'est que les caractères masculins ou féminins ont tendance à s'effacer naturellement, tu vois. Et on a tendance à glisser dans les mondes supérieurs vers une apparence androgyne. Et régulièrement, les gens vont se déguiser en s'inspirant des incarnations qu'ils ont beaucoup aimées. Alors, je termine pour essayer de pas que ça dure pas une plombe. Aussi loin que j'ai pu aller, Dieu sait si je suis pas allé loin, je suis allé jusque dans des régions où ce que les hindous appellent la rupa, où les êtres n'étaient plus attachés au fait d'avoir une forme particulière, parce que bon, il y a toutes les formes possibles, hein, mais ils ont l'aspect, tu sais, cette espèce de boule de lumière très complexe, avec tout un tas de trucs dedans qui indiquent énormément de choses. Et c'est une forme en soi, sauf que c'est la forme universelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et qu'on peut prendre d'ailleurs quand on veut, hein, Oui. mais c'est par habitude qu'on va prendre une forme humaine, parce qu'on a C'est l'habitude ça. d'être un humain. C'est aussi Voilà. plus simple de reprendre cette forme humaine aussi pour pouvoir, comme je disais, il y a certains éléments qui vont reconstituer, aider à reconstituer le décor, notamment aux abords de la sortie, lors de la chambre et tout ça. C'est une manière, parce qu'on a toujours cette part du mental qui est là, hein, par moment. Hein. Elle est toujours comme cette petite voix qui veut toujours remettre tout sous forme terrestre. Ce qui fait qu'au moment de traverser un mur, on va se cogner au mur et on va avoir du mal à passer au travers parce qu'il y a ce mental qui dit non, mais c'est pas possible de passer au travers un mur. Donc voilà, je pense que tu l'as vécu peut-être par le passé Quelquefois, ou du oui, moins j'ai. entendre des personnes le vivre. Voilà. Oui, non, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Puis regarde, je pensais à un autre truc. C'est, regarde, par exemple, moi, je recommande aux gens, quand ils s'éloignent de leur corps, de regarder leurs mains. C'est D'accord? ça. Et j'avais posé la question à Nicolas Fraisse quand je l'ai rencontré, si tu regardes, est-ce que tu as une enveloppe? Lui, il n'en avait pas, tu vois. Donc, c'est typique aussi de la vision à distance. Mais regarde les gens qui bon, sortent de leur corps, qui regardent leurs mains, le spectacle que c'est. C'est Des fois, ils ça. ont 4 doigts, des fois, ils ont 6 doigts, ça bouge dans tous les sens, c'est élastique. Il y a, bon, on voit que c'est un flot de lumière avec une lumière plus ou moins autour. Et tu vois le bordel que c'est. Moi, C'est je ça. vais raconter une anecdote. J'aime bien raconter une petite histoire. Moi, mes enfants, ils ont toujours entendu parler de ça. Ils avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, au petit déjeuner, le matin, c'était des histoires comme ça. Mais ils baignaient là-dedans, si tu veux. Mais bon, ils n'en parlaient pas à l'école. Sinon, on leur a dit, ton père est fou. Et je me souviens d'une fois, mon fils.
Il avait fait un dessin de moi, il avait moins de 10 ans, il avait fait un dessin de moi pour se foutre de sa gueule, de ma gueule, pardon. Il m'avait dessiné les deux mains, comme ça, avec quatre doigts à la main gauche et six doigts à la main droite. Et il avait écrit dessous, avec sa petite écriture de gamin, papa qui regarde ses doigts. Parce que, en sortant du corps, j'avais l'habitude, pour me stabiliser, de regarder mes mains, tu vois, astral. Mais regarde l'aspect de ses mains. Quand tu regardes ton aspect, tu vois, la variation incroyable que ça a. C'est un bordel. Tu dis, bon, bah ouais, c'est génial, j'ai vraiment des mains, tu te touches, tu vois, tu dis, mais merde, j'arrive à me toucher. Voilà, tu vois. Mais ton aspect, il va changer de fois en fois, fait. Donc, pour répondre à la question, c'est, tu as un peu l'aspect que tu veux ou que tu penses avoir. Oui. Voilà, pour répondre. Mais on a mis une demi-heure à répondre à la question. Oui, mais d'ailleurs, l'histoire des mains aussi, c'est aussi un test qu'on peut effectuer aussi. C'est pour ça que certaines personnes disent, voilà, les deux sont pareils, parce qu'on peut le retrouver aussi dans le rêve lucide. Hein. Encore une fois, c'est une sorte de conscience, de projection, oui. Hein, qu'on va retrouver. Moi, tu parlais des doigts, mais moi, j'ai souvent eu le cas où, au bout du majeur, j'avais une autre main. Une petite main au bout du majeur. Ou alors les six doigts, ça arrivait régulièrement. Voilà. Oui, moi aussi, ça m'arrive souvent. Ouais. Alors je vais reprendre les questions. Alors vous pouvez renvoyer vos questions, hein, que ça soit dans le chat ou en commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas. Alors qu'est-ce que tu journalière pour les mains? Effectivement, vous pouvez vous entraîner en journée à les regarder comme ça, mais ça pour moi c'est plus des tests aussi liés au rêve lucide, hein, notamment parce que le degré de conscience lors d'une sortie du corps est quand même assez élevé, où vous pouvez l'effectuer assez spontanément. Mais alors effectivement, pour un rêve lucide, c'est vous partez d'un rêve, et à ce moment-là, si vous prenez l'habitude de regarder vos mains assez régulièrement dans la journée, vous allez avoir ce mécanisme qui va se reproduire pendant le rêve. Et ça constitue un test qui va faire émerger la lucidité si d'un seul coup vous voyez que vos mains ne sont pas identiques. Ça, on le trouve pas mal en rêve lucide. Tu sais, on a, ça me fait penser à un truc. On retrouve aussi ça chez Castaneda. Je ne sais pas si tu connais cet auteur-là. Oui, si, Castaneda. Don Juan, Don Juan, je ne sais pas comment on dit, qui était son maître, enfin son enseignant. Il lui expliquait, et le dernier bouquin qui a été écrit, c'est L'art de rêver ou quelque chose comme ça. Et la technique qui consiste à regarder ses mains dans ses états particuliers, bon, j'utilisais beaucoup les drogues, était fondamentale. Tu vois, c'est regarder ses mains, c'était une des clés du rappel à cette forme de réalité. Je fais juste une parenthèse. C'est ça, ouais. Naïm qui demande comment éviter l'endormissement. Alors, tu veux commencer ou comme vas-y. Voilà. Bah, selon moi, pour éviter l'endormissement, déjà, il y a quelque chose à savoir, c'est par rapport au niveau de conscience qu'on va entretenir. On en parlait tout à l'heure, il y a un certain entraînement. Par un moment, vous allez faire tout ce que vous voulez faire, mais le corps a décidé que vous devez revenir, vous revenez. Et parfois, selon moi, encore une fois, hein, j'ai pas mal échangé là-dessus avec Michael Raduga, et c'est pour ça qu'il parle de la phase, dans le sens où il y a le rêve lucide et la sortie du corps, qui sont un peu en parallèle, même si ce sont des choses différentes, c'est que parfois, certaines personnes vont juste amorcer une sortie, et leur conscience va, selon moi, parfois disparaître, et ils vont replonger, en repassant par le corps, mais replonger tout de suite dans un rêve. Et à ce moment-là, ils vont se dire, en revenant, effectivement, quand on passe dans le rêve, il y a toute cette activité corticale liée à la mémorisation, à la mémoire, qui s'active, qui fait que d'un seul coup, quand on revient, on a l'impression de revenir d'un rêve, et on se dit, je me souviens vaguement des choses, parce qu'effectivement, ça a inhibé la mémoire de ce qu'on a vécu au début. Donc, éviter l'endormissement. Pour revenir à la question, il y a des techniques. Pour moi, il y a des techniques d'approfondissement. Alors, j'en parle plus en détail dans d'autres vidéos et dans la formation. Des techniques d'approfondissement qui vont vous permettre de rester suffisamment actif. Si vous restez, moi, de ce que j'ai remarqué, du moins, si on reste totalement passif lors de la sortie, c'est le meilleur moyen pour revenir, ou pour certaines personnes, commencer à plonger dans une sorte d'endormissement. Mais souvent, cet endormissement, il arrive si vous venez à peine de vivre un état vibratoire et que vous ne sortez pas réellement, quoi. Moi, j'ai quelquefois... ça m'évoque des trucs précis, si tu veux. C'est pour ça que... Une détermination énorme, comme une montagne d'acier, et qui fait que ton corps a envie de dormir, il est crevé, et tu lui dis, bah écoute, t'as envie de dormir, tu vas roupiller, mais moi je dégage. C'est ça. Mais t'es fatigué, mais tu vas dormir, j'en ai rien à cirer. Tu t'endors, moi je dégage de là, dès que tu t'endors, je m'en vais. Mais tu vois, une détermination un peu comme l'Everest en acier. C'est ça. Ouais, là je vois. C'est pour ça que je parle du plan d'action. Hein. Comme il dit, l'Everest en acier, il faut vraiment trouver une réelle motivation. Si votre but, c'est juste de sortir, et ensuite, je pense à certaines personnes qui me disent « Ah, j'ai réussi à sortir, mais bon, d'un seul coup, je ne savais plus quoi faire. » Bah, effectivement, si vous ne savez plus quoi faire, vous n'avez pas la détermination suffisante pour rester, pour explorer. Il faut avoir une âme d'aventurier, je pense. Ah ben, c'est vraiment ça, envie d'explorer. Parce que c'est vraiment génial d'explorer. Hein. Ouais. Une question, à quoi sont dues les vibrations ou ondes que l'on peut ressentir juste avant de faire une sortie hors du corps ou un rêve lucide?
Alors, moi, encore une fois, je vais partager juste mon impression, mon sentiment. Hein. Je dis rien que c'est la vérité. Mais pour moi, la vibration, dès que j'entends vibration, j'entends fréquence. Et effectivement, quand on passe de l'état dans notre enveloppe terrestre à notre corps dit astral, mais du moins, donc on élargit notre conscience, on change tout simplement de vibration et on va percevoir, selon moi, ces sortes de vibrations. Alors, ce que disent les gens de l'IAC, très précisément, et Nancy Trivelato a écrit un livre entier sur ces états vibratoires, c'est qu'elle parle vraiment de la matière epsilon et du champ d'énergie. Et les techniques fondamentales de l'IAC, c'est ça, c'est vibrer la matière énergétique à un tel point qu'elle ne colle plus. C'est Et ça. à ce stade-là, tu l'as peut-être connu, on n'a pas parlé de ça encore, ça fait un raffut de tous les diables et ça crépite de partout, tu as C'est l'impression de te ça. trouver dans un orage électrique. Et à ce moment-là, ça colle plus, tu dégages. Mais c'est ce qu'ils cherchent, les gens de l'IAC. Donc pour moi, les vibrations, c'est le champ d'énergie. D'ailleurs, souvent, ça fait un torrent d'énergie dans la nuque. Et Oui. mon pote Pierre-Emmanuel, quand il m'a écrit la première fois, il se pensait attaqué. Et il avait ces vibrations, il pensait que c'était les créatures malfaisantes qui l'attaquaient. Parce Ouais. qu'évidemment, c'est l'attache de la corde d'argent. Donc pour moi, c'est la matière énergétique, la matière epsilon, qui se met à vibrer de plus en plus fort, qui provoque ces phénomènes-là. Mais par la deuxième voie, la voie où on va pas utiliser le moment où la gravitation est basse. Voilà. Ouais. Tu vois que. Bon, de toute façon, c'est que des questions, des questions intéressantes, hein, et on espère à l'avenir avoir les réponses, les preuves. Mais encore une fois, hein, le plus important, c'est d'expérimenter, d'être autonome. Alors, Oh ben t'as les preuves, si c'est ça, t'expérimentes, hein. exactement. J'ai une question. Est-ce que lors d'une anesthésie générale, on peut sortir juste avant que la conscience s'endorme? J'ai essayé. Alors, raconte-moi, parce que moi, du coup, ouais, je voulais juste dire à tout le monde, j'ai jamais essayé. J'ai vécu une fois Alors une j'ai anesthésie générale, mais essayé. jamais essayé. Il faut déjà avoir. Le truc, c'est toujours pareil. C'est que il faut vraiment avoir une détermination terrible. Et t'es quand même angoissé par ton opération, tu vois. C'est le Ouais. genre de truc. Il y a un mec qui va te charcuter du meilleur du monde. Si on t'endort, c'est que on va faire du mal à ton corps. Donc j'ai eu l'occasion d'essayer ça et les résultats ont plutôt été bons. Donc voilà, je rentre pas dans les détails parce que c'est ma vie personnelle, mais c'est tout à fait faisable, mais il faut avoir vraiment de la détermination qui fait que ce qu'on va faire à ton corps, tu n'en as plus rien à foutre. C'est ça, c'est Ça, ça. c'est pas super facile parce que Ouais. tu es dans un milieu pas sympa, tu as des mecs habillés bizarrement avec des ils préparent des trucs tranchants, Des tu vois, petits enfin hommes voilà. verts, Donc mais différents. voilà. Donc c'est faisable. C'est vraiment faisable, mais il faut bien être costaud quoi, voilà. Ouais. Moi, j'ai jamais essayé, hein, je peux pas vous dire, mais effectivement, très Ah bah je te intéressant dis, ton témoignage. c'est faisable. Très intéressant ton témoignage. Une question de Mediwan. Voyez-vous les couleurs? Comme quand vous êtes réveillé. Alors moi de mon Ah bon? côté, peut-être des fois en début de sortie, comme je le disais, ou quand au début c'est, ça peut par moment être un petit peu obscur, mais en fait en peu de temps, dès que je m'éloigne directement, régulièrement, si je devais comparer à la réalité, le degré de réalisme des couleurs, d'intensité des couleurs est bien supérieur. Moi, je répondrais un peu comme toi, mais en disant qu'en fait, on est complètement réveillé. Donc, on est plus réveillé que dans le corps physique, et les couleurs, effectivement, et l'aspect de la matière et de la lumière est beaucoup plus intense, beaucoup plus varié. On voit l'agitation, on voit des nuances de couleurs, surtout quand on monte au-dessus des plans physiques, on voit des couleurs extraordinaires. C'est C'est ça. un truc de fou, mais C'est on n'a pas ça. parlé de ça encore avec Romain. Il y a aussi des gens qui voyagent que dans les plans physiques, et mon Ouais. pote Pierre-Emmanuel, pendant longtemps, ça a été ça. Il doit nous écouter. Mais quand on monte vraiment dans les vibrations supérieures, là, on quitte les mondes. Et ça mériterait peut-être une émission en soi. Ouais. Mais là, les couleurs sont extraordinaires. Ouais. Bon, voilà, il faut en parler. Ouais. Donc, oui, on voit les couleurs, mais non, bien mieux que quand on est dans le corps physique. Et on est réveillé, on est plus réveillé que dans le corps physique. Ouais, c'est Donc, il faut ça. bien répondre. On n'est pas endormi, on est super réveillé. Elles sont très vives et très luminescentes. Effectivement, on a une Elle brille de perception. l'intérieur. Et la perception n'est pas limitée par nos sens physiques. Hein. Il y a des personnes malvoyantes qui vont vraiment percevoir ces couleurs. Mais bien sûr. Pareil au niveau des sons. Hein. J'ai participé à Ouais. une expérience où je te racontais la dernière fois où on demandait de percevoir n'importe quelle musique par l'intention. Et des personnes qui ne sont pas du tout musiciennes, pas du tout. Que toi, t'es musicien. Voilà, moi, effectivement. Alors, de mon côté, que j'ai perçu une musique, ça pourrait ne pas être spécialement étonnant. Mais 75% des personnes ont perçu une musique en haute définition.
Donc, au niveau auditif, Maria, d'ailleurs, on en parlait aussi hein, par rapport au fait que ses Elle perceptions chante aussi. auditives. Bah, de temps en temps, on chante. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. On compose, on chante en même temps. Ah, super, ouais, c'est ça. Bah, Oui, du j'ai fait coup, quelques voilà, fois. effectivement, on a une perception instantanée, comme ça, d'une musique sortie de nulle part. Je pense à. Alors, pour le coup, c'est un rêve lucide, mais Paul McCartney qui a perçu la chanson Yesterday, comme ça, lors d'un rêve lucide. Et Ah ouais, même pas. il a passé 3 semaines à vérifier autour de lui que la musique n'existait pas avant de l'officialiser, du Ah, coup. il pensait, Ah, d'accord. il a dit, bah, si on peut retrouver un témoignage où justement il dit bah, que cette musique elle venait d'autre part. Hein, voilà. C'est ce qu'on dit souvent Mais c'est quand on se sent souvent. connecté. La musique est dans l'air, on la capte. Non, mais c'est vrai. Mais alors, il y aurait plein de trucs à dire, mais bon, sinon, ça va toujours prendre des plombes. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a un truc qu'il faut peut-être signaler, c'est qu'hors du corps, dans le corps de lumière, les perceptions sont pas en fonction des yeux astraux, d'une chose comme ça. Tu vois par tous les côtés en même temps. C'est pour ça que tu vois dans toutes les directions. Donc, tu peux te boucher les yeux si tu veux, mais de toute façon, tu verras par le derrière de ton dos, partout en même temps. C'est Toutes ça. les perceptions sont partout dans le corps de lumière. Donc, ça, une fois qu'on a bien pigé ça, on comprend des trucs déjà. Exactement. Non, mais tu as raison, c'est important de le préciser. Une sortie de corps peut-elle se faire avec des psychotropes? Alors, on peut vivre des expériences voilà, très particulières, mystiques, avec des psychotropes. Moi, personnellement, j'aime pas faire la. Enfin, voilà, je respecte tout le monde, mais j'aime pas promouvoir les psychotropes. Tout simplement, déjà, par rapport au fait que ça va modifier notre état de conscience initial. Donc, si on part d'une intention, est-ce que, avec certaines substances, on est vraiment dans l'intention de départ? Michael Raduga, lui, de son côté, s'est beaucoup penché, par contre, avec beaucoup de personnes et la prise de psychotropes ou non. Et tout simplement, quand on demandait à des personnes de vivre certaines expériences, les personnes qui prenaient les psychotropes n'arrivaient pas à calibrer vraiment l'expérience qu'ils voulaient vivre. Donc, Alors, moi je vais donner mon avis, mais il risque de prendre 5 minutes. Vas-y. Moi je répondrai d'abord oui. Les substances peuvent favoriser effectivement le décollage de la matière énergétique. C'est une technologie qui peut fonctionner. Et en particulier, il y a le docteur Strassman qui a fait des expériences aux États-Unis, qui a eu l'autorisation de faire des expériences avec la DMT. Et Oui. ce que rapportent les gens, c'est assez frappant. C'est juste le cœur du bouquin, c'est vraiment intéressant. Et petite parenthèse, invariablement, tous les gens qui ont eu cette sensation de se détacher hors du corps, ils ont rencontré des extraterrestres. Ils se sont retrouvés dans un laboratoire comme sujet d'étude. C'est assez rigolo de voir ça, hein, C'est c'est ça. pratiquement tout ce qui est rapporté. Donc, et les extraterrestres disaient, on est ravis que vous ayez découvert cette technologie. Donc, moi, je répondrais oui, parce que ça fait probablement partie des technologies qui nous permettent de faire ça. Simplement, en règle générale, quand c'est pris de manière non scientifique, erratique, un peu au hasard, de manière récréative, ça altère la conscience et la mémoire. Et donc, pour moi, les critères du voyageur, du voyage, c'est le contrôle, la mémoire, la lucidité. Et à mon avis, sur ces paramètres-là, et je prends l'exemple parce qu'on m'en parle souvent, et toi aussi certainement, des expériences ou AUSK, Ayahuasca, oui. c'est. Ouais, voilà, ces quatre. Alors, c'est des expériences différentes. Moi, je critique pas, c'est Mais pareil, hein, c'est chacun très fait comme il bien, oui. veut. Ça change des vies Voilà, mais. parfois, hein. Il y a déjà des personnes, des Oui, témoignages tout à d'amis fait. Il y a même des qui gens l'ont qui guérissent pris. des addictions à la drogue. C'est Mais ça. d'après moi, le contrôle n'est pas total. La plante t'emmène là où elle veut. T'as pas le contrôle. Tu suis. La lucidité, elle fluctue. Et la mémoire est altérée souvent, mais quelquefois c'est le contraire. Hein. Elle est souvent altérée. Elle n'est pas continue. Dans une expérience hors du corps, tu sors hors du corps, tu es lucide, tu as la mémoire, tu reviens et tu as la mémoire totale du début à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare dans une expérience sous drogue, ce genre de choses. Il y a souvent des blackouts là. Et... Bon, moi, c'est pareil, je suis comme toi. Moi, en tant que voyageur qui veut préserver mon matos, je prends soin de mon corps. Moi, j'ai jamais utilisé de drogue, à part bon, quand on m'a anesthésié pour des opérations. Jamais. Voilà. Mais c'est mon cas personnel. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas C'est du tout. ça. Mais pour le Faites ce que voyage vous astral, je voulez. dis non. C'est ça. Voilà, c'est tout. On peut faire ce qu'on veut. Et effectivement, tu parlais de l'ayahuasca. On retrouve cette DMT dont tu parlais, la diméthyltryptamine. Et pour observation, c'est notamment plusieurs chercheurs. Et je pense aussi au docteur Joe Dispenza qui se penchait justement sur les témoignages de personnes qui décrivaient sortir hors du corps lors de certains ateliers qui s'effectuaient vers 4 h du matin, 5 h du matin. Et effectivement, ils ont observé qu'à ce moment-là, au niveau du cerveau, cette mélatonine qui a subi plusieurs transformations, finit par se transformer aussi en DMT, en diméthyltryptamine. Donc on retrouve encore un ingrédient, sauf qu'on se le crée soi-même. Mais il faudrait peut-être voir les descriptions précises de ces gens-là pour voir on était plutôt dans la vision de l'exportation de matière énergétique ou dans la sortie du corps. Alors il y Mais a les s'ils deux. parlent au moins.
Il y a les deux, il S'ils y a parlent au vraiment les moment de deux. le... S'ils rapportent au retour, il y a plus de chances. S'ils en parlent au même temps que leur expérience, on est dans la Non, vision à non. distance. Pour moi, c'est le critère. C'est exactement, non, il y a les deux. Il y a les personnes qui parlent pendant et surtout beaucoup de personnes qui en parlent après. D'ailleurs, même le docteur D'accord. Dispenza en parle dans son livre aussi. Il a vécu vraiment une fois la sortie du corps et ne connaissant pas les techniques, il essayait par plein de méthodes d'y arriver. Il a vécu des expériences mystiques, mais il n'arrivait pas à la revivre comme ça. Il a juste remarqué qu'il y avait des points d'entrée plus faciles justement dans la nuit, quoi. Mais je suis Donc, cette convaincu que les fameuse. drogues et des ondes électromagnétiques et une lumière particulière et des sons particuliers, ça, c'est des technologies ET. Hein. Le jour où on retrouvera la formule, on va expulser, on n'aura plus besoin de s'embêter. On prendra n'importe qui, bah, par exemple Monsieur Macron, et on le mettra dans la technologie. Il va sortir de son corps et il va avoir un point de vue différent sur les choses après. D'ailleurs, tu parlais des ETs. J'ai pas retrouvé le témoignage d'une personne qui me demandait comment j'avais réussi à sortir par les pieds. Alors, effectivement, une fois, j'avais demandé justement qu'ils viennent me chercher, qu'ils viennent m'aider. Et c'est ce qui s'est produit, mais vous le retrouvez dans une des vidéos où je parle un peu de quelques expériences et De j'en temps en parle. temps, on est sorti par des assistants et C'est ça. ils te sortent comme ils sortent un pied d'une chaussette. Voilà. C'est ça. Effectivement. Et encore une fois, hein, c'est la méconnaissance du phénomène fait qu'on peut le vivre d'une manière traumatisante, mais c'est qu'une Ah perception. Moi, je le ben, vis, c'est une j'ai vécu intrusion, ça. hein. Ouais. Faut être, toi, t'es cool. Tu t'es laissé faire. C'est ça. C'est-à-dire que. Mais je l'ai demandé, tu vois, en demandant. J'ai demandé à ce Oui, moment-là qu'il vienne mais m'aider. tu sais, il y en a qui demandent, mais quand les gens arrivent pour leur tirer, ils se réalisent, non, 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 me touchez pas. C'est parce qu'ils sont pas réellement prêts, effectivement, à ce moment-là. C'est Ah toujours bah, le fameux subconscient pour moi qui ouais. fait que des fois on se dit on est prêt dans la vie à faire amorcer un changement, je suis prêt, je vais faire un régime le lendemain du du 31 Ouais. décembre. Ah, c'est sûr, là je vais arrêter de fumer par exemple, voilà, je suis sûr certain, c'est bon, je suis motivé, je vais me mettre au sport et tout ça. Et puis finalement il fait un peu froid, le lendemain on dit bon, il fait un peu froid, je vais rester sur le canapé, je vais regarder un film, puis ça se prolonge. Donc encore une fois, il y a le conscient, hein, au niveau du lobe frontal, 5% des actions qu'on fait au quotidien, et le subconscient qui est derrière. Donc si vous demandez à être sorti par un extraterrestre, mais que vous n'êtes pas aligné avec tout ça, avec votre programme interne, vous allez vous dire, oh non, on ne sort pas de là, vous Il allez faut qu'ils avoir se préparent à peur. accepter la chose. C'est Il faut ça. vraiment qu'ils se disent, je demande de l'aide, mais quand elle arrivera, j'accepte de la recevoir. Voilà. Une question pour toi, Marc, de Claudie. Qu'est-ce que Marc pense de la transmutation du corps physique en corps de lumière des mystiques? Aucune idée. Alors là, je ne Voilà. sais pas répondre à cette question. Vu que j'ai jamais assisté à ça, je ne sais pas. Aucune idée. Ouais, moi non plus. Moi, comme ça, en lisant de cette manière, hein, je lis le passage à la mort, quoi. Je sais Transmutation du pas. corps physique en corps de lumière, bon, c'est. C'est le mythe de l'ascension, par exemple, pour le Christ qui a transmuté son. Bon, si tu veux, intellectuellement, ça ne me heurte pas. Mais moi, ce n'est pas de l'ordre de mon expérience présente et passée. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Voilà, je pose la question, les délires d'MP. J'ai eu une seule fois les vibrations intenses dans tout le corps, mais depuis, je n'ai que des bourdonnements juste dans le crâne. Pourquoi? Alors, vous n'allez pas avoir toujours le même symptôme lors de la sortie du corps, lors de la séparation. Hein. La vibration, elle est très intense. Certains vont la sentir dans tout le corps, certains vont la sentir plus particulièrement dans la tête. Parfois, on a un bourdonnement, certains vont avoir des sifflements. C'est les signes précurseurs. Hein, T'entends de la musique des fois, toi? T'entends des oui, musiques ça dans m'arrive les de. états verts? C'est ça, ça C'est m'arrive de génial, ça. percevoir de la musique et d'entendre parfois Ou la voix des d'un. sons très purs, très cristallins. T'as eu ça, toi aussi? Oui. Génial. Bah, il y a des sons, il faut dire des signes plus agréables que d'autres. Il y a certaines personnes Oui. qui décrivent d'un seul coup une montée, une bouffée de chaleur. Ça m'est arrivé quelques fois et c'est les seules et uniques fois où j'ai pas réussi à sortir. Cette sensation de chaleur tellement forte que j'avais du mal à la contrôler. Alors Et t'as eu certaines des personnes. tintamarres, t'entends, comme si des gens se battaient avec ta vaisselle? Parce que moi, j'ai eu ça des fois. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu ça, les gens qui tapaient avec les casseroles. Moi, c'est des personnes qui frappent à la porte de ma chambre, très fort. D'accord. Hein, des fois, j'ai ça, des personnes qui frappent très fort à la porte ou à côté de mon lit. J'ai des signes aussi. Bon, ça rejoint plus le faux réveil, c'est-à-dire que le réveil qui sonne alors qu'on ne l'a pas programmé. Plein de petits signes comme ça. Hein. Alors, effectivement, certaines personnes vont dire sans doute que c'est des hallucinations hypnagogiques, hypnopompiques s'il s'agit du réveil. Encore une fois, il y a une différence entre la porte d'entrée, ce qu'on va percevoir quand on est encore dans cet état, et une fois qu'on est vraiment sorti. Hein. Donc effectivement, on peut parler, si on veut, de micro-hallucinations ou autre. C'est pas vraiment pour moi le gros débat de la sortie hors du corps.
Parce qu'on va vraiment entendre des personnes qui entendent des vibrations faibles. Certaines personnes vont entendre des bourdements. Moi, il y a des personnes, là, dernièrement, ils me Même des disaient, voix, non? il y a... T'as des voix qui te parlent de Allez temps. voir. Ah, moi, j'ai entendu, je me souviens, une des premières sorties en sieste, comme ça, où j'étais assez jeune, et que je m'étais dit, bon, là, aujourd'hui, je vais vraiment réussir, je le sentais. Il y a aussi cette sensation qu'on sait qu'on va sortir. Et j'ai entendu à ma droite, hein, vraiment, mais très, très en haute définition, une voix qui Très fait nettement, ouais, très nettement. right. Une voix, mais très forte. Alors, j'avais pas peur. Mais ça s'accentuait et ça rentrait. C'est-à-dire que c'était plus juste là, mais ça rentrait à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, bah, je commençais à avoir justement mon bras se détacher, ma jambe et tout ça. Et je me dis, bah voilà. À ce moment-là, j'avais pas de. J'ai commencé à me dire, ah ça y est, j'arrive à le provoquer de manière spontanée et délibérée. Et juste cette pensée faisait que bah, derrière, j'arrivais pas à avancer. À ce moment-là, j'ai pas réussi à sortir. Moi, j'étais assez jeune, mais ça C'est m'a bien que tu n'avais marqué. pas peur, c'est bien. Ouais, bah ouais. Après, je pense que. T'avais confiance depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire que bon, ma mère est de Bali. Alors pour ceux qui savent pas, ma mère est de l'île de Bali et mon père est français. Et c'est vrai que j'ai été amené à vivre certaines expériences depuis mon jeune âge. Voilà, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est très courant d'avoir des transes, des personnes qui vont vivre ces états-là. Donc on voit certaines choses. Une personne, quand je vois ma tante qui d'un seul coup se met à parler une autre langue et je le sais pertinemment qu'elle parle pas cette langue, bah, ça développe encore une fois une certaine ouverture. Et moi-même Oui. ensuite j'ai été amené. Bon, c'est pas le détail, je vais pas en parler, c'est assez personnel. Mais j'ai été amené à vivre du coup certaines expériences de ce genre qui font que du coup tout cet aspect-là lié au monde de l'invisible, ça me fait pas peur. Donc voilà, j'ai perçu ces voix. C'est important. Voilà, c'est ce qui T'es m'a un vrai aidé. explorateur. T'es un vrai explorateur, t'as confiance. Tu sais qu'il va pas t'arriver quelque chose de. T'as confiance. Bah ouais, c'est vrai que c'est une chance par rapport à effectivement par rapport à d'autres personnes. Quand j'ai certains témoignages, j'aimerais donner partager cette quiétude, cette confiance au moment de la sortie. Mais bon, tout ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'idées fausses là-dessus. C'est la première chose Ouais. à dire, et après, chacun fait son Faut le chemin. répéter, ouais, pour que chacun, voilà. Mais on se ressemble un peu là-dessus, c'est-à-dire que moi j'ai confiance aussi. Quoi qu'il arrive, c'est génial, allons voir. Alors, une question de Michel. Alors, du coup, ça va être pour toi, hein, parce que moi, je ne l'aperçois pas comme ça. Ça m'arrive peut-être une ou deux fois, mais le fait de voir l'aura est-il bleu ciel très vif autour des mains? Le fait de voir l'aura est-il pour le voyageur du corps? Oui. C'est ça la question? Non, Oui. absolument pas. Ça n'a rien, D'accord. aucun rapport. Voilà. Alors, une personne, Alexandre, qui dit différence avec le shifting. Alors, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, ça a démarré sur le réseau TikTok. Il y a une personne qui a partagé une méthode qui, pour moi, hein, qui était totalement une technique d'induction, hein, un protocole d'induction qu'on va faire dans la phase d'endormissement, principalement, ou parfois dans la nuit. Et les personnes parlent de shifting. C'est parti du fait. Par rapport au film Harry Potter, en créant un scénario et de se retrouver directement dans l'école des sorciers. Et en fait, ce que je peux dire par rapport au témoignage que j'ai lu à ce sujet, par rapport au protocole, ça ressemble énormément à des expériences de rêves lucides. Parfois, certains ont dit, ah, j'ai fait un shifting, j'ai eu l'impression presque de sortir de mon corps. Et effectivement, ils peuvent avoir vécu peut-être une sortie du corps. Donc le Moi, shifting, hein, c'est juste un terme moderne pour parler je d'une. peux dire des trucs là par rapport à ça, parce que tu vois, j'aurais pas pensé à parler de ça, mais ça m'évoque ça. Le truc, quand beaucoup de gens pensent à la même chose, ils vont créer dans un univers astral cette forme de réalité. C'est pour ça que je crains pour les gens qui sont dans les jeux vidéo, parce que moi j'ai visité des trucs comme ça, et j'étais stupéfait de voir ce qui était bâti. Donc quand beaucoup de gens, 10 millions de personnes qui pensent à, je sais pas, à Harry Potter et à son château, ils vont finir par le créer dans le monde astral et ils vont, s'ils sont intéressés par le truc, ils vont y aller en tant que rêveurs. Et nous, on peut le visiter en tant que visiteur entre et on va voir que c'est réel. Mais c'est un réel astral. Donc, on est dans des univers, ce que j'appelle les univers consensuels. On les a créés parce qu'énormément de gens y ont pensé. C'est Et ça. bon, donc c'est des univers objectifs qui finissent par être objectifs parce qu'ils ont été créés. Et on en arrive à la conclusion, on avait discuté avec Pierre-Emmanuel, que peut-être toute la création est consensuelle, même le monde physique. Ouais, c'est très très Et on est. intéressant, hein. On en parle d'ailleurs à ce niveau-là, hein. Ouais. Effectivement. On parle même au niveau des espèces, certaines parlent de la maille énergétique qui englobe chaque espèce. Hein. Je pense aux espèces de singes qui s'alimentent d'une certaine manière, Tout à fait. la fameuse patate avec
le sable autour et qu'ils essaient de le manger comme ça, jusqu'au jour où un de ces singes a décidé de rincer cette patate. Et on observe qu'à partir du moment où 100 singes ont commencé à laver la patate, sur ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant. Donc effectivement, il y a ce consensus. Et ça, c'est la matière epsilon qui fonctionne en réseau. Ça, exactement. Ouais. Et donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez lire, j'ai parlé d'un exemple, mais ça existe à plein de niveaux. Oui, Sheldrake a travaillé là-dessus. Tu sais, le physicien anglais Sheldrake. C'est très intéressant, ces travaux-là. Ouais. Il a donné plein d'exemples de ce genre-là. Moi, je ne connaissais pas l'exemple des singes, mais il a montré, que, par exemple, que les souris, tu sais, qu'on teste dans les labyrinthes, même si on prenait des souris qui n'avaient rien à voir en Amérique du Sud, de Chine, eh ben, au fil des dizaines d'années, eh ben, elles améliorent leur performance comme si chaque souris bénéficiait de l'expérience des autres. C'est ça. Donc les scores s'améliorent tout le temps. Ouais. Et c'est très courant même chez les arbres. Hein. Une personne qui parlait, est-ce que les arbres aussi ont un certain champ énergétique? Pour moi, c'est la même chose. La communication des arbres, on peut le voir dès qu'il y a une attaque d'insectes. Les arbres qui sont beaucoup plus éloignés vont se mettre à produire certaines substances pour se protéger justement de ces insectes avant même que les insectes arrivent. Donc il y a une vraie communication qui se fait à ce niveau-là et on la voit l'énergie des arbres. Hein. Enfin bon, pareil, elle est de la couleur, elle est dans les variantes de bleu. Mmh. Donc bon, il y a plein de gens qui le voient maintenant quand même. Bon, il faudrait qu'ils s'expriment. Ouais. C'est quand même parce que c'est plus qu'avant, il y a des gens qui peuvent voir ce genre de choses, qui est facile à voir. Et d'ailleurs, tu parlais des jeux vidéo, tu disais, oui, bah, ils vont commencer à créer plein de monde. Ils les ont déjà créés. Et il y a une étude là-dessus, hein, que j'ai écrit un article qui va sortir bientôt aussi, à ce niveau-là, et ils ont fait des expériences est-ce que les personnes qui jouaient pas mal aux jeux vidéo vivaient plus facilement les sorties hors du corps avec les protocoles qu'on enseignait à toutes ces personnes-là. Oui. Effectivement, ils avaient un meilleur taux de réussite, ils arrivaient plus facilement, justement, à amorcer la sortie du corps. Ça m'étonne pas. Voilà. Ouais, une question. Excuse-moi, Danny Kagrin, existe-t-il une méditation particulière ou autre exercice ayant le pouvoir de réduire considérablement l'intensité de l'émotion? Grand merci. Une méditation particulière ou autre exercice, encore une fois, ça va être propre à chacun parce qu'il y a des personnes qui vont réussir par l'exercice avec la méditation à tout simplement redescendre les ondes cérébrales plus facilement, à se rapprocher plus facilement d'un endormissement du corps physique, tout en maintenant la conscience éveillée. Moi, je propose sur la chaîne quelques méditations guidées qui aident, mais ça reste expérimental. Il y a des personnes qui arrivent, des personnes qui arrivent moins. C'est comme les battements binauraux, on en parlait, hein, l'Institut Monroe qui a beaucoup aussi fait la promotion des battements binauraux. Ça va aider à l'entraînement de modification des ondes cérébrales, mais c'est pas ça qui fait la sortie tout simplement. Moi, je peux donner mon avis là-dessus, parce que bon, spontanément, comme ça, moi, je ne fais pas de méditation. Mais quand je veux favoriser l'état de stase dont tu parles, je coupe le courant à tout ça. C'est-à-dire que le cerveau, j'enlève 95% de son énergie, il s'éteint. C'est ça. Et plus tu le fais, plus ça marche. Donc, tu arrives à éteindre ton cerveau en 5, 10 secondes, 20 secondes. C'est la technique dont on parle avec Michael Raduga, on parle de l'endormissement forcé. Et cette fameuse méthode directe, beaucoup l'assimilent vraiment à une simple méditation. Et justement, tu viens de le dire, l'idée, c'est de couper tout. Alors, on peut l'accompagner d'une certaine technique, je parle toujours de la bascule du corps fantôme, le phantom wingling en anglais, hein, où on peut essayer de juste couper tout et puis essayer de maintenir, d'essayer de certains mouvements pour essayer de commencer à maintenir la conscience présente. Tu peux essayer, c'est très intéressant. Bon, enfin, encore une fois, ça marche très bien sur Michael Raduga, ça marche très bien pour moi. D'autres personnes aussi, n'y arrivent pas. Mais l'idée, c'est au moment de se poser, justement, de se mettre en off. Pour essayer de maintenir la conscience présente, on essaie d'accompagner dans notre tête d'un certain mouvement. Alors, on ne l'effectue pas physiquement, mais on essaie de ressentir de le faire. Et ça permet de garder une intention. Et pour les gens qui s'endorment trop vite, l'idée, c'est de varier toutes les 20-30 secondes le mouvement. C'est-à-dire, au lieu de faire juste ça, on va essayer ensuite de bouger les pieds à un autre niveau. Pourquoi? Pour essayer toujours de rester, maintenir la conscience présente au moment que le corps s'endort. Donc, j'ai trouvé un truc par hasard. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai trouvé par hasard. J'essaie de rebondir. Parce qu'en bricolant, tu sais, moi, je regarde pas trop en fait les vidéos, les machins, les trucs, et je préfère mettre les mains dedans. Et il y a quelques années, j'avais trouvé une méthode, et ça fonctionne toujours. Je ramasse de l'énergie epsilon, réagit à la pensée, donc tu l'accumules en toi, mais tu l'accumules en grande quantité. Ouais. C'est-à-dire, tu t'en fais venir, tu stockes, et puis à un moment, en ralentissant la manière de penser ordinaire, ton cerveau, ton esprit plus exactement, ton cerveau va s'endormir, mais tu vas
commencé à basculer dans la conscience du monde énergétique, du monde epsilon. Et à ce moment-là, tu te rends compte que tu peux bouger, c'est plus ton corps physique qui bouge. Et il y en a qui ont réussi grâce à ce que j'avais expliqué très maladroitement. Hein. Et c'est que quand tu arrives à bouger, tu tends la main ou les pieds ou le machin et tu essaies de choper un truc solide pour toi. Et tu tires dessus comme un malade et tu sors comme ça. Ah, donc voilà, moi j'avais trouvé ça. Et je sais qu'il y en a qui ont réussi à sortir avec cette technique complètement débile que j'avais trouvée par hasard. Tu vois, mais je ne sais pas si c'est un rapport à ce que tu viens d'expliquer, mais moi j'ai trouvé ça. C'est ça. Mais même pendant la sortie du corps, d'ailleurs, ça c'est des personnes qui disent mais comment je peux faire pour ressortir d'affilée? Parce que ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est pareil, une technique que je recommande pas mal, c'est d'essayer de, lors de la sortie, d'essayer de vous agripper à quelque chose. Et d'un seul coup, quand on revient, bah, essayer de maintenir cette sensation d'agripper la chose pour en ressortir derrière. Ça rejoint un petit peu tout ça. Oui, c'est marrant. Ouais. Ouais. Alors, une question de Cap Santé. Voyez-vous des extraterrestres en sortie? Elder, Petit Gris, etc. Et si oui, pouvez-vous communiquer avec eux? Alors, je crois que c'est ta grande spécialité, Marc. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Plusieurs fois, voilà. Alors, pas plein de fois, hein, mais j'ai vu... La dernière en date, c'était des êtres oranges. Hein, voilà. D'accord, ah, c'est intéressant ça. Orange, voilà. Et leur tête, elles étaient comment? Alors, leur tête, ils avaient des yeux aussi. Alors, ils étaient plus grands. Hein. Bon, moi, en même temps, je suis pas très grand, donc c'est assez facile d'être plus grand. Ils étaient plus grands. Surtout, au niveau de l'apparence, c'était une forme assez allongée, hein, assez allongée à ce niveau-là. Et pour moi, au niveau de la peau, c'était pas une police. C'était une peau plutôt granuleuse d'apparence reptilienne, entre guillemets. Alors moi, c'était la première fois en ce qui me concerne. Hein. On peut dire oui, c'est une création de plein de choses, mais en ce qui me concerne, j'avais jamais entendu parler d'espèces. Il y a une réalité objective dont on finit par tomber dessus au bout d'un moment, mais pas tout de suite forcément. J'avais posé la question à Akena parce que j'avais lu son bouquin quand j'avais été la voir, là, il y a plus de 10 ans maintenant. Et je lui ai dit, mais t'en parles jamais de ça? Et elle me dit pas que t'as jamais vu de vaisseau extraterrestre qui passait, parce que visiblement t'es une voyageuse. Elle me dit si. Je dis pourquoi t'en parles jamais? Elle me dit je m'en fous. Tu vois, c'était les chats et l'ancienne Égypte, elle. Donc tu finis toujours par voir des trucs. Ouais. Si t'es proche du plan physique, tu vois un vaisseau passer, et moi j'ai eu la curiosité tendant de courir après. Donc qu'est-ce que tu vois? Tu vas, des fois tu vois des espèces de boules qui sont des sondes en fait. Et 2-3 fois, j'aurais couru après, mais tu sais qu'on peut se dépasser super vite, donc j'ai été voir dedans comment c'est foutu. Et de temps en temps, j'ai fourré mon nez dans leur vaisseau. Donc, tu vois des gris, parce qu'il y en a plein à la planète, des gris. Ce qu'on appelle les petits gris, là, avec des grands yeux noirs. Là. Oui, c'est ça. C'est ceux qui m'ont sorti du lit. Hein. Alors, ils interviennent très souvent auprès des humains, mais on pourrait faire une émission rien que là-dessus. Bon, voilà, moi, franchement, il y aurait énormément de choses à dire. Il faut leur nez vraiment dans nos affaires, ces gens-là. je vais te dire un truc. C'est qu'ils ont un espèce de détecteur à voyageurs. Alors, je ne veux pas faire peur aux gens, mais si quelqu'un écoute cette émission, elle va se reconnaître. Elle est devenue voyageuse il y a quelque temps. Elle a été repérée. C'est pas Maria. Elle a été repérée et il lui arrive des trucs. Et des trucs particuliers. Et ils ont un détecteur à voyageurs. Et quand ça les intéresse, ils s'en occupent après, si tu veux. Mais je ne veux pas leur faire peur aux gens, hein, parce qu'il faut faire avec ce genre de choses. Donc ça, c'est les gris qui viennent foutre leur bordel. Mais encore une fois, si on s'affranchit de suffisamment de matière énergétique, on se décharge et qu'on dégage, on est inatteignable par rapport à eux. Et même moi, j'ai un peu expliqué, j'ai pu pénétrer une de leurs structures, leur vaisseau, et ils ont vu que dalle. J'étais au milieu d'eux. Tu vois, mais j'étais suffisamment déchargé pour regarder, j'étais un intrus, mais j'ai pas du tout été détecté, tu vois. Donc on voit des gris, mais surtout d'abord, ce que je voulais expliquer, c'est que la différence qu'on fait entre les extraterrestres, on en parlait tout à l'heure ensemble, entre les extraterrestres et les terrestres, c'est il faut faire voler tout ça. C'est une communauté des êtres dans tout l'univers et dans toute la création, et de se penser différent. Il y a l'écart, il y a les humains, il y a tout le reste de la création. C'est un point de vue qui est enfantin, qui est pas très voilà. Bon, on laisse tomber tout ça. On dit il y a des gens qui ont des enveloppes différentes, et puis ça nous paraît vachement familier au bout d'un moment à force de les côtoyer. Donc on a beaucoup de grilles sur la planète parce qu'elles interviennent en direct dans plein de trucs. Alors je veux pas faire peur aux voyageurs, mais ils repèrent certains voyageurs. Et avec certains, voilà. C'est un peu comme si le mec s'allumait en rouge ou la nana s'allumait en rouge quand elle se met à voyager. D'un seul coup, elle est repérée. N'hésitez pas à écrire en commentaire à ceux qui l'ont déjà vu. J'aimerais peut-être pas dire ça ou l'expliquer, mais je vous assure que ça existe. Voilà. Ouais. Le voyageur, ça devient un humain particulier.
Et il a des caractéristiques particulières, il brille d'une manière particulière. Donc il est repéré par par ceux des gestionnaires de planète qui s'occupent de ça. Et la personne dont je parle, si elle écoute en ce moment, va très bien se reconnaître. Et si elle est libre d'expliquer un jour ce qui lui arrive, c'est chaud quand même. Voilà. Oui. Donc on voit ces gens-là, on voit les blonds, ce qu'on appelle les blonds, et on voit surtout tout un tas d'entités qui sont pas répertoriées dans et même ce qu'on appelle les animaux. Mais c'est pareil, la séparation qu'on fait entre les humains, les animaux, les extraterrestres, tout ça, ça. Enfin bon, voilà, on fait. C'est une grande communauté des êtres sensibles, je dirais. Et Exactement. puis on arrête de faire le catalogue de cette manière-là. Moi, c'est mon expérience. Hein. Voilà. Maintenant, on va rencontrer aussi au cours de certains voyages, on va rencontrer des chevaux. Moi, je rencontre souvent des chevaux ou des animaux, genre les lions, les tigres, des chats, des chiens, Moi, et des puis des chiens, animaux, chiens. des chiens, toi. Et Et des puis loups. bon, et des lions aussi, t'as vu? Des loups, des loups. Des loups, oui, j'en ai eu, voilà, moi, il y en a que j'ai créé. Donc, mais comme on peut discuter avec eux, tu as pu faire ça aussi, tu dis, bon, voilà, après tu les regardes en disant, tu fais semblant d'être un animal, toi. Des fois, C'est on est un peu ça. on se dit, mais on change notre point de vue. C'est ça. C'est que je ne Et sais puis il pas change comment le de forme, transmettre, hein. ça. Il change de Il forme change de aussi, forme. hein. Moi, je me souviens d'avoir posé une question, bon, c'était pour une Oui, tu as amie, donc raison. c'est assez personnel. Et je cherchais, je voyais un homme et un chien, et en fait, je cherchais à m'adresser à l'homme de manière très mentale, encore une Oui, fois. Et finalement, oui, c'est le chien qui s'adresse à moi. Et au final, il me donne la réponse après que j'ai posé la question, voilà, la première question. Alors, est-ce Il que m'a la donné forme une est là? réponse. J'ai reposé la question pour être sûr, voilà. Et il a changé de forme. Elle a pris la forme d'un vieillard. Et il m'a fait une blague derrière par rapport à ma question pour dire, bah, si t'as toujours pas compris, voilà. Mais c'est Et ça. parce qu'on emporte une partie de nos habitudes et de nos croyances C'est terrestres. ça, Et c'est ça. au fur et à mesure des voyages, petit à petit, on se déconditionne. On abandonne le personnage qu'on joue sur Terre. C'est Et ça. plus on voyage, plus on l'abandonne vite. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les premiers voyages, on se prend encore pour Romain Clément et Marc Auburn. C'est ça. Et puis au bout de 10-100 voyages, on dégage et au bout de 10 minutes, on a complètement oublié qu'on jouait un rôle sur Terre. Et on est alors, à ce moment-là complètement libre et l'esprit complètement ouvert. On ne se prend plus pour ce qu'on est sur Terre, pour le Ouais, personnage. on vient de. Moi, j'aime bien parler d'explorateur, effectivement, à ce moment-là. Bon, moi, je perds plus de temps. Hein. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie, je perds plus de temps à ce niveau-là à me poser les questions à ce que je suis en train de vivre ou autre. Là, je reste sur ce que j'appelle le plan d'action, hein, initial. Et après, voilà, il y a plein de choses qui arrivent et qui viennent agrémenter la sortie. Mais voilà. C'est l'exploration. Voilà. Est-ce que vous pensez. Alors, ah, est-ce que vous pensez une question de Seb? Seb Chamox. Est-ce que vous pensez qu'il nous vous regarde en ce moment faire ce live? Qui? Ah, Qui? les extraterrestres dont il parle. J'en sais rien, je sais On sait pas. pas, de toute Et toi? façon. De toute façon, effectivement, encore une fois, ça va dépendre des croyances. On peut avoir notre avis là-dessus. Moi, j'aime bien dire, en général, même dans la vie, si on est connecté à un certain niveau, qu'on n'est pas juste connecté à notre enveloppe physique, il peut arriver que par l'intuition, on peut avoir des sensations de présence. Voilà. Et puis après, chacun dit ce qu'il veut par rapport aux présences qu'il y a autour. C'est peut-être pas la question, mais je vais quand même dire quelque chose. À mon avis, cette émission est suivie par des gens qui s'intéressent, des militaires et tout ça, qui s'intéressent à ces phénomènes-là, qui savent qu'ils sont réels. Parce que ça existe aussi, et les voyageurs les intéressent, même si, à mon avis, un voyageur peut pas être embauché, alors qu'un remote viewer peut être embauché. Ah, ça c'est vrai. Donc, je suis quasiment certain qu'il y a des gens dont c'est le métier de travailler sur les sujets ET ou sur les perceptions psy qui regardent peut-être pas cette émission, mais ce genre d'émission. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. On ça, l'a j'en dit, suis hein, quasiment certain. il y a énormément de témoignages là-dessus. Hein. Ça remonte déjà depuis de nombreuses années. Hein. Voilà, de beaucoup de personnes qui en ont parlé derrière. Alors, question d'Alain Robert. Bon, ça, je pense qu'on arrive à plus de 2 h 30. Hein. On va bientôt arrêter. Mais on pourra plus tard refaire une émission juste comme ça si vous voulez. Hein. Enfin, si Marc est d'accord. Mais il y a une Il y a d'autres personne. sujets qu'on peut développer. C'est ça, voilà, Comment exactement. utiliser la Pandora Star? Parce que je lis, tu me l'as. C'est ça. Eh bien, moi, je passe mon temps à le répéter. Les Pandora Star, les technologies de neurostimulation sont très intéressantes, mais je passe mon temps à le dire et pourtant, j'utilise ces technologies et je les vends même, mais je précise de manière très claire
que vous oubliez, pour les sortir du corps, toutes ces histoires de support technologique. Pandora Star ne va pas vous faire voyager hors du corps, pas plus que les musiques. C'est les méthodes qui sont recommandées par Romain, par Raduga ou par moi, et les lois fondamentales qui vont vous faire voyager. Vous ne faites pas de voyage hors du corps si vous avez de la lumière dans la tronche et de la musique dans les oreilles. Voilà. Mmh. Vous allez faire, si vous voulez, un bon moment. Vous allez peut-être faire de la vision à distance, mais le voyageur du corps, ça suppose une stase du corps physique. Il est endormi, il n'entend plus rien, il ne voit plus rien. Voilà. D'ailleurs, c'est quand il vous fout la paix que vous pouvez dégager. Donc, la Pandora Star ou la Lucia, ça sert à rien du tout. Mmh. Pour, moi, ça. Une petite modification pour moi, effectivement, c'est que ça entraîne le cerveau à entrer plus facilement dans une onde cérébrale et une autre. Mais si vous prenez le temps d'observer les témoignages en dessous des musiques, hein, moi-même, j'ai des audios, hein, je propose des audios comme ça. Encore une fois, je dis toujours, c'est un entraînement. Et si vous regardez les témoignages, beaucoup de personnes vont ressentir les premiers signes de la séparation, mais ils ne vont pas aller au-delà. Pourquoi ? Bah parce que d'un seul coup, ils vont continuer à percevoir la musique. Et la seule réelle façon de le faire, hein, bon là, ce n'est pas facile à faire, je l'ai déjà fait une ou deux fois, c'est d'inclure les sons dans la sortie. C'est-à-dire que pendant la sortie, mais c'est dur de rester conscient tout le long avec cette musique qui est toujours là. On est en train de rentrer dans les détails, mais parce qu'on discute, on se connaît pas encore. Mais est-ce que tu, alors peut-être, parce que moi je bricole dans tous les sens, j'essaye tout. Est-ce que tu as essayé le fait de produire tes sons, tes propres musiques à partir de ton champ d'énergie et de les placer à différents endroits de ta structure énergétique? Créer mes propres musiques à partir de. Tu crées ton son de manière mentale. Ah d'accord. Essaye ça, tu l'installes dans ton champ d'énergie, par exemple là ou là, et regarde ce que ça fait. Ah, j'ai jamais essayé. Essaye, c'est un truc de fou. D'accord. Et ça va être un peu réservé, entre guillemets, je ne veux pas être élitiste, aux gens qui savent ce que c'est que la sortir du corps. Tu vas voir, tu crées ton son, c'est-à-dire tu ne vas pas le chanter, tu ne vas pas le produire physiquement, mais tu vas l'installer mentalement, tu vas faire vibrer ton champ d'énergie, tu vas même le percevoir, tu vas voir les effets que ça a sur toi. Tu le places, tu essayes autour de toi ou même à l'intérieur de ton corps biologique. Ouais. C'est intéressant. Très intéressant. On parle entre nous, mais bon, voilà. Ouais, mais... non, mais c'est ça fait partie de ça aussi, l'échange, hein. Voilà, Florence Duchesne. Marc, par rapport aux animaux, est-ce que ça t'incite à devenir végétalien ? Un peu. J'ai tendance à manger de moins en moins de viande. Je mange très peu de viande rouge par rapport à ce que je faisais il y a quelques années. C'est vrai que. Est-ce que je vais raconter des trucs me concernant ? Bon, il y a un moment, j'ai été cadre supérieur dans l'industrie alimentaire. Qui travaillait à partir des produits animaux, et j'ai rencontré les animaux une nuit au cours de voyage hors du corps, enfin plusieurs nuits en fait, plusieurs nuits de suite, et ces animaux me disaient « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Et j'en avais parlé à ma femme à ce moment-là, je lui ai dit « écoute, je ne sais pas si je vais pouvoir rester, parce qu'ils me disent à juste raison, mais qu'est-ce que tu branles là ? Tu détruis nos corps et tu l'utilises dans cette usine, c'est une grosse usine, voilà, j'étais cadre sup là-dedans. » Donc on a vraiment une confrontation entre le monde ordinaire, physique, matériel, et la réalité que tu vis, qui est une forte réalité. Hein. C'est-à-dire, j'en étais au point où je me dis, je ne vais pas pouvoir rester. Parce que ce n'est vraiment pas compatible avec la manière dont je... C'est ma réalité. Hein. Pour moi, c'est absolument réel, tous ces phénomènes-là. On n'est pas dans le rêve. Mais... Donc je me disais, je me rends vraiment compte que ces animaux-là, ils ont une âme comme moi, ils souffrent, ils ont peur au moment de mourir. Et voilà. En fait, je ne suis pas resté. Ouais. Voilà. Donc oui, ça contribue. Et oui, je crois qu'il y a un mouvement de prise de conscience aussi sur la planète, qu'on maltraite énormément les animaux. Et en voyage, on les rencontre, on perçoit leur souffrance, leur détresse, leur panique. C'est comme si on était dans les camps d'extermination. Moi, j'ai vécu certaines fois... Tu sais ce que c'est, hein ? Bon, on en parle. Moi, j'oublie un peu qu'il y a du monde qui nous écoute. Mais lors de certains voyages, tu passes au-dessus d'un paysage ou dans une rue et tu perçois tout. Tu as toutes les infos. C'est du très haut débit. L'histoire des gens qui ont vécu là, l'histoire est encore enregistrée. Les animaux, alors tu passes au-dessus d'un abattoir, mais tu vas... Wow, c'est infernal. C'est quoi. Tu te prends trop, tu te dis... c'est pas. Voilà. Alors, autour de ce genre de truc, tu dis non, c'est pas possible. Ouais. C'est too much. C'est vrai. Bah, moi, de mon côté, ça t'incite à ça. C'est ça, effectivement, il y a une ouverture. Moi, de mon côté, je vois beaucoup d'animaux aussi. J'ai pas vu d'abattoir, mais voilà. Mais au niveau des animaux, moi-même, je mange plus de viande depuis plus de 6 ans. Hein. Je dirais pas que c'est ça qui m'a fait ne plus manger de viande. J'en mangeais beaucoup, hein. J'ai une période où j'en mangeais tous les jours, vraiment, moi aussi beaucoup. Tous les repas. C'est du jour au lendemain vraiment que j'ai arrêté. C'est plus une histoire de, effectivement, la sortie du corps, la méditation aussi, certaines choses qui m'ont permis de m'aligner avec mes principes, tout simplement.
À un moment donné de notre vie, on n'est pas forcément conscient de tout ce qu'on fait. Est-ce que c'est vraiment nous qui le voulons ou est-ce que c'est des habitudes? Est-ce que c'est la société qui, voilà, toute l'industrie Tellement de terrible consommation qui de nous voir qu'on programme à consommer tout ça? traite les animaux, c'est monstrueux, Ouais. c'est épouvantable, c'est de la souffrance, c'est des êtres vivants, sensibles, ils savent parfaitement qu'ils vont mourir. C'est, faut pas se faire d'idées, ils le savent. On Ouais. massacre leur corps, on l'utilise comme nourriture. Enfin bon, pour le voyageur qui est hyper conscient, c'est terrible ce genre de choses. Ça ne nous arrange pas de savoir C'est ça. ça, c'est Parce ça. que voyager, c'est aussi être plus conscient, plus responsable. Donc au retour, ce qu'on va faire choisir comme option de vie, on est encore beaucoup plus responsable que les autres parce qu'on sait beaucoup Ouais. plus de choses. Et c'est pas facile. Pas Là-dessus, facile. j'ai coutume de dire que justement, plus on élargit notre conscience, plus on devient conscient de certaines choses. Et des fois, quand on se rend compte que pour X raisons, hein, la situation actuelle, voilà, l'illustre très bien par rapport Ouais. aux différents avis, mais d'un seul coup, par un moment, on se rend compte de certaines choses et on s'est dit, mais pendant tout ce temps, bah, je dormais, ça fait un peu, ça fait un choc au début, hein. On a l'impression qu'on a abusé de nous, en quelque sorte, et puis après, Oui. bah, on va se défaire de tout ça, mais effectivement, voilà, on parle d'élargir notre conscience, la sortir du corps, ça en fait partie. C'est un point dont on pourra débattre avec peut-être des voyageurs récents. Il y a un pouvoir de transformation fantastique de la C'est voix du ça. voyageur du corps. Et on aurait plein de choses, toi et moi, on aurait plein de choses à raconter par rapport à nous, mais bon, nous, on est des voyageurs depuis toujours, depuis qu'on est né, mais des gens qui ont commencé à voyager après, au cours de leur vie. Franchement, il y a des choses intéressantes à raconter. Et je pense que Maria a dû témoigner de ça. J'ai pas vu de ses vidéos chez toi, mais la dernière fois qu'on l'a vue, on s'était dit, mais elle a changé, Maria. voilà, elle avait changé visiblement en quelques mois. En tout cas, pour les personnes que ça intéresse, bien sûr, parce que on peut se dire oui, mais si on maltraite les animaux, mais alors les plantes, qu'est-ce qu'on fait? En fait, voilà, c'est encore un autre débat, c'est pas le sujet, mais c'est pour ceux que ça intéresse. J'ai des vidéos avec Florian Gommé là que j'ai fait récemment, c'est très intéressant. Il en parle très bien justement par rapport à notre physiologie de base. Voilà, c'est très intéressant. Je vous laisse Mais découvrir. c'est compliqué parce que les plantes, j'ai des problèmes aussi. Moi, quand je coupe des plantes, le soir, quand je m'endors, il y a un règlement de compte. Et Oui. ça me l'a toujours fait, ça fait des dizaines d'années. Ça me fait marrer à chaque fois, sauf que j'y pense plus. J'ai coupé la pelouse, j'ai coupé la haie, et puis je me colle dans le lit, et puis boum, ça s'présente à moi. J'ai fait souffrir des végétaux. Ouais. Voilà, bon, on va prendre encore peut-être deux petites questions et puis après ça, on va faire quelques annonces. Alors, Marc, as-tu visité la zone 51? Alors, je l'ai expliqué dans le livre, j'y suis allé 2 fois. Alors, pour expliquer, je m'étais programmé au niveau de l'intention un paquet de fois, parce que le sujet m'intéresse. Et bon, je ne rentre pas dans les détails. Et à un moment, j'ai reçu un appel au secours d'un de leurs prisonniers dans cette zone-là. Il y a pas mal d'années maintenant, j'aurais dû le noter. Bon. Donc je me programmais régulièrement pour y aller. Et puis en sortant, mais tu dois savoir ce que c'est, je suppose, tous mes projets, je les laissais tomber, j'en avais plus rien à faire. Donc, mais j'y suis allé quand même. Donc j'ai vu expérimenter des technologies multidimensionnelles et je les ai vues. Je suis allé dans un hangar. Alors je pourrais donner les détails, mais oui. Oui, alors effectivement, les programmes secrets existent. Oui, ils ont des technologies qui dépassent de loin ce qu'on peut imaginer. Et ça, moi, je les ai vus. Hein, des trucs qui paraissent très de la science-fiction, oui. Alors ça, c'est pas des histoires, voilà. Alors maintenant, c'est pas plus forcément la zone 51, mais moi j'ai vu des trucs quand même dans cette zone-là que je connais aussi parce que je suis souvent allé aux États-Unis, donc je peux même physiquement aller près de cette zone-là. Je suis allé souvent, hein, à Las Vegas et dans le coin, là, voilà. Donc si la question c'est est-ce qu'ils ont des technologies de rétroconception extraterrestre, oui. Est-ce qu'ils sont très avancés par rapport à la science officielle? Oui, j'en suis, mais c'est pas une opinion, j'en suis absolument, absolument certain. Voilà. Et qu'il y a des ovnis qui se baladent dans le ciel, on pense que c'est des ETs à l'intérieur, en fait non, c'est des gens des programmes secrets qui ont déjà développé des technologies qui nous dépassent, qui dépassent la technologie des avions, des fusées. Voilà. Ça, si la question c'est ça, oui, moi je l'ai vérifié, mais aussi par d'autres moyens. Et pour ceux que ça intéresse, hein, il y a énormément de documentaires, hein, tant qu'ils ne sont pas encore censurés, hein, vous pouvez encore en trouver sur Internet, hein, de personnes qui ont travaillé dans l'armée, des anciens sénateurs américains, des gens de la Oui. CIA, énormément de personnes qui aujourd'hui parlent à visage découvert et qui témoignent d'un tas de choses comme ça.
Stephen Greer a écrit deux bouquins qui étaient un recueil de témoignages. Bon, après, j'ai rencontré Stephen Greer, je suis allé aux États-Unis, mais j'ai rencontré plusieurs de ses témoins qui sont évoqués dans ses livres. Donc, j'ai eu un contact direct avec eux. Je peux vous dire que, ah oui, non, c'est quelque chose, hein. Donc, il se passe des choses sur cette planète. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, Mais pour ceux qui mais oh connaissent là pas, hein. là, Stephen Greer, pour quand ceux même, qui connaissent pas. pour ceux que ça intéresse, voilà, il est à l'initiative du Disclosure Project, hein, donc pour ceux Oui. qui disent que la révélation n'a pas eu lieu, elle a eu lieu déjà. Donc vous pouvez retrouver Oui. tout ça. Et puis après ça, il y a des films, son dernier film très intéressant aussi, Rencontre avec le cinquième type, The Fifth Kind Encounter, qui a d'ailleurs été dans le top 10 là, pendant le premier confinement sur l'iTunes Store Ah oui, je à ce savais pas. niveau-là. Voilà, très intéressant. Voilà, ça recoupe pas mal Donc voilà. de sujets. Et un voyageur, moi je dis quelque chose de simple, c'est pour ça que j'avais posé la question à Kenna, elle parlait pas de ça dans ses bouquins. Je dis, un voyageur qui voyage, bon, qui commence à avoir des dizaines de voyageurs, il va être confronté au phénomène à un moment ou à un autre. Sauf s'il reste, parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont naturellement dans les mondes supérieurs. Ils sortent hors du corps et en l'espace de quelques secondes, ils se dégagent et ils sont plus dans le monde physique. Sauf s'ils montent très haut tout de suite, et il y a des gens. J'ai connu une voyageuse, et Pierre-Emmanuel s'en souviendra peut-être, on l'avait rencontrée à Toulouse, qui monte tout de suite au-dessus des plans qui sont au-dessus de ce qu'on appelle les plans astraux. Donc, alors là, elle ne va pas forcément rencontrer des vaisseaux, parce qu'à ce stade-là, ça se passe autrement, mais les voyageurs qui ont plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de voyages à leur actif, ils vont tomber sur le phénomène à un moment ou à un autre, il ne faut pas qu'ils s'étonnent. Voilà, ça existe, et c'est là. C'est C'est là. pas loin dans l'espace, c'est là. Exactement. On parlait de la réalité avec un grand R, Ouais, c'est un choc ça aussi, hein. on y est. Ouais, on se fait des idées aussi là-dessus, hein. Bon, je vois beaucoup de questions qui sont liées justement à ça par rapport aux différentes technologies, à l'évolution. On pourra peut-être, voilà, comme disait Marc, ça pourrait être le thème d'une autre vidéo. C'est vrai que là, pour l'instant, on est sur la sortie du corps, donc Oui. voilà, c'est sûr que voilà, certaines personnes vont peut-être être dérangées par ces propos. Voilà, vous êtes là, il n'y a pas forcément de hasard, mais on fera peut-être un échange, un autre échange, si Marc est Oui, c'est pas d'accord le à un moment sujet de ce donné, soir, mais parce que déjà, sinon, il y a de quoi voilà, faire, hein. exactement. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre on donne certaines clés, et après ça, vous pouvez faire vos recherches de votre côté et vérifier, Vous voilà. faites une sortie hors du corps, vous en faites une, deux, Exactement. trois, quatre, cinq, et vous montez au-dessus. Bah, par exemple, hein, vous allez monter, vous allez prendre de l'altitude, vous allez vous placer dans la stratosphère ou au plus haut que la station spatiale, et vous regardez. Voilà. Et vous Voilà. restez un petit moment, vous regardez. Vous allez voir. Alors une question, alors pour moi, comment faire la différence entre un rêve lucide et un voyage astral? Je sens mon corps quand il sort, mais je tombe en rêve lucide juste après. Comment rebasculer du rêve lucide au voyage? Bon, on en a parlé tout à l'heure, hein. Vous pouvez regarder dans le replay la différence entre les deux. L'un se fait à partir du sommeil, l'autre quand on est éveillé. Et effectivement, selon moi, certaines personnes vont réussir à amorcer une sortie et parfois vont transiter dans un sommeil. Alors, on parlait tout à l'heure avant le début de l'échange avec Marc qu'effectivement il existe des techniques pour basculer du rêve lucide à la sortie du corps. Hein, j'en parle dans certaines vidéos, dans la formation. Toi aussi tu en parles, j'imagine, dans ta formation. Oui. Effectivement, après c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Moi notamment, tu peux passer à travers une fenêtre avec l'intention de te réveiller et de faire la sortie à ce moment-là. C'est une technique qui marche. Mais ce que je dis, une fois que vous êtes dans un rêve lucide, à la limite, profitez d'être dans un rêve lucide et vivre ce que vous pouvez vivre. Parce que par moments, j'ai lu énormément de témoignages de personnes qui ont gâché cette expérience, finalement, qui reste belle, pour absolument essayer de faire une sortie du corps à ce niveau-là, et puis pour pas réussir à la vivre derrière. Oui, je te suis. Voilà. Alors, d'autres questions? Avez-vous visité des planètes proches, Mars, la Lune? Moi, j'ai été sur la Lune à un moment donné. Et puis après, voilà, j'ai vu beaucoup comme tu disais tout à l'heure, on ne sait pas forcément où on est, mais on sait qu'on est très loin. Donc ça, effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Sur des planètes rouges, j'ai été plusieurs fois sur des planètes rouges. Bah, je ne pourrais pas donner le nom comme ça. Ben, oui, il n'y a pas forcément non. Moi, enfin, ce qui se passe, c'est comme on n'a pas de limite de vitesse, enfin, moi, j'ai pas vu de limite de vitesse, c'est qu'on commence à dégager de la planète, on prend de la vitesse, et comme on le sent pas, ça va vite, et on se retrouve très vite à un endroit, enfin, des endroits qu'on connaît pas. Et on a un foutu de savoir où se trouve la direction de la Terre. Et ça, c'est pas gênant. Donc, on explore, on va voir les étoiles qui sont grosses par rapport aux autres. Et puis, moi, j'ai fait un post il y a pas longtemps.
Le nombre de fois où je suis allé dans le cosmos physique comme ça, je ne parle pas d'autres dimensions, sont assez rares en fait. C'est une poignée, mais ça a été toujours des expériences prodigieuses. Et j'ai remarqué un truc, c'est que mon corps n'aime pas du tout ce genre de voyage. Il a beaucoup de mal à enregistrer le souvenir, je suis obligé de le forcer. Et j'ai fait un post il y a 2 jours là-dessus. Et je suis vraiment obligé de lui bourrer le crâne en disant, mais tu vas te souvenir de ça? Parce que mais ça l'écrase complètement. Parce que se retrouver dans le cosmos, voir ce qu'on peut voir dans le cosmos, sortir de la galaxie, parce que vraiment on se déplace super vite, quoi. Et où est la limite de vitesse? Je ne sais pas s'il y en a une, mais moi j'en ai pas vu. Hein. Non, il n'y en a C'est pas. Effectivement, voilà. pour moi, il n'y en a pas non plus. Et Il n'y en a on n'est pas. plus Donc limité par la barrière physique. et la vitesse de la lumière, on la crame allègrement, hein. C'est tout de suite. C'est Hein. ça, totalement. Donc. Voilà, il y a votre lumière qui dit ce soir, il y en a beaucoup qui vont sortir. Ah oui, c'est possible, hein. Il suffit juste de se nourrir un petit peu de tout ça, de tout ce qui est dit pour déclencher la sortie J'espère. dès la nuit. Et c'est un de nos buts quand même. Hein. C'est un de C'est nos buts, peut-être le hein. principal but. Voilà. C'est le principal but. Parce que je redis ce qu'on on est d'accord, Romain et moi, là-dessus, c'est qu'on voudrait, par simplement en expliquant des trucs fondamentaux, qu'il y ait de plus en plus de voyageurs autonomes. Ce qui se passe complètement même de nous. Hein. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est le Ils but sont hein, de autonomes. toutes les vidéos, de tous les partages, les livres, tout ça, c'est vraiment qu'on arrive dans un nouveau paradigme. C'est ça. Et quand un jour on se réunit, on fait une bouffe et on échange nos histoires. Mais voilà, ça peut être très très sympa. Et s'il y en a, au lieu d'en avoir 100 en France, il y en a 1000, 2000, 3000, 4000, ça va, à mon avis, changer quand même pas mal les choses. C'est ce que je Exactement. pense. Voilà. C'est donc plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Bah voilà, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui nous remercient. Voilà, je suis encore beaucoup de questions, mais là, il va commencer à se faire tard. Je pense qu'on va interrompre, on va arrêter là par rapport aux Je t'avais dit que ça questions. pouvait durer des plombes. Oui, bien sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et il y a encore beaucoup de personnes hein, qui suivent le live. Hein. Les gens, vous ne lassez pas du sujet. Et comme vous pouvez le voir, Marc et moi-même, nous, on ne s'en lasse pas non plus. Voilà. On va se rencontrer dans l'astral peut-être, Claudie qui dit ça. Voilà. Bon, il y a beaucoup de questions. Bah, je tenais à remercier Marc en tout cas. Bon, on va encore faire quelques petites annonces. Merci à toi d'avoir Merci répondu. Romain, c'est un plaisir de te connaître. On se connaît depuis quoi? 3 semaines, un truc comme Ouais, ça? 3 semaines à peu près. Et moi, c'est un plaisir partagé. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait plaisir aussi de pouvoir partager, de se retrouver, de reconnecter plein de points, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de le Mais faire. t'as remarqué ça, quand on rencontre des voyageurs, Ouais. d'abord on comprend que c'est des voyageurs, et ensuite on ne trouve pas de point de divergence. C'est ça. Mais c'est Exactement. pas vrai que Si, t'as si, pas constaté c'est ça. ça. Moi, j'en ai rencontré aux États-Unis, un peu partout sur la planète, et on est d'accord quasiment sur tout, c'est même décevant. Effectivement. Ouais, ouais, ça me fait plaisir. Je retrouve avec toi ce que je retrouve avec Michael Raduga, d'une certaine façon. Voilà, des personnes qui ont pu expérimenter pas mal de choses et vivre pas mal de choses. Du coup, en tout cas, ça fait du bien à titre personnel. Alors, c'est pour ça que je tenais déjà à te remercier à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de personnes Ben qui c'est nous aussi remercient. grâce à c'est grâce à Maria et à Sylvia aussi qui nous ont connectés ensemble. Ouais, Hein. Il faut merci les à vous, remercier hein, les aussi, filles. peut-être. Voilà. Merci les Merci filles, ouais. Sylvia, merci Maria. Merci à Patricia, merci infiniment à vous deux. Mathéo, merci à vous. Annika qui demande la suite demain. Bah alors, ce ne sera pas demain, mais si ça te dit, on pourra organiser un autre live à un Avec une moment donné. thématique peut-être sur les mêmes sujets, mais on peut Un plus travailler spécifique. un sujet plus spécifique. Là, on s'était dit, voilà, les lois fondamentales, comment est-ce qu'on y arrive, et les idées fausses. C'est ce qu'on Voilà. voulait traiter principalement au cours de cette vidéo. Et finalement, ça fait presque 3 heures, là, ça fait Ouais. 2h45. Pierre-Emmanuel, merci à vous. Bonsoir Ah, c'est mon Pierre-Emmanuel. pote. C'est mon Voilà. pote. Marc m'a beaucoup parlé de toi. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais juste remontrer les liens quand même, c'est important, hein, parce que Marc a parlé de beaucoup de choses. Il en a parlé notamment donc dans ses livres. Je vais revenir justement sur ton livre. Hein, voilà. 0,001%. Il y a le lien dans la description pour les personnes que ça intéresse. C'est très très intéressant. Donc j'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours hein, sur les différents groupes de ton Il y livre. a un deuxième bouquin qui va sortir, j'espère cette année, on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais ce que je disais, c'est quand j'ai écrit ce livre-là, moi je pensais pas devenir Marc Auburn, hein, vraiment, parce que c'est un pseudo. Et je pensais juste témoigner de ce que je vivais, et j'étais dans des business où je voulais qu'on me foute la paix.
C'est pour ça que j'ai pris un pseudo, parce que c'est un pseudo. Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est un pseudo. J'étais dans les trucs où je voulais surtout pas que les gens qui me connaissent professionnellement puissent se dire, ce mec-là, il écrit des bouquins sur la sortie du corps. Voilà. Oui, Donc, c'est ça. s'il Oui, n'y a parce pas si longtemps. que Marc, son vrai nom est... Non, Autre chose. Voilà, c'est autre chose. Donc voilà le livre, 0,001%, et j'espère que bah, Marc aura le plaisir de nous parler plus en détail lors d'un autre live de son prochain livre, éventuellement, si tu es d'accord. Oui, Comment... il est. Oui, De on toute parlera façon, de ça si tu veux. il y aura l'annonce de toute façon sur, j'imagine, sur ton site internet, marcauburn.com, Oui. voilà, la chaîne YouTube, le... Mais ce qu'on disait vraiment, le vecteur principal maintenant, c'est quand même les vidéos. Il y a bon, peu de gens qui achètent les bouquins. Il y en a beau, presque tout est piraté. Et donc, on arrive bon, quand même à en vendre quelques-uns. Mais vraiment, le bon moyen de communiquer maintenant, ces choses-là, c'est vraiment les vidéos. C'est ce que tu fais, toi, avec ce talent et cette diffusion-là. Parce que les gens, voilà, c'est facile d'écouter une vidéo, même de l'écouter sans la regarder dans la voiture. Voilà. Donc, la bonne manière de passer le message maintenant, c'est ça, c'est les vidéos. Bah, les vidéos, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez retrouver. Bon, forcément, je le dis, mais il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé et qui ne sont pas encore au courant parce que je n'ai pas encore beaucoup communiqué dessus. La formation, justement, en vidéo au voyage astral. Hein, le lien aussi est dans la description, il s'affiche à l'écran pour ceux que ça intéresse. Et encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation pour vivre une sortie du corps. Hein. Il y a tout, les vidéos de Marc. Qu'il explique dans les vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a la playlist Voyage Astral. Il y a déjà toutes les clés pour démarrer. Après, ça va permettre, c'est une manière de synthétiser un peu toutes les informations et d'approfondir cet état. Donc, pour les personnes qui s'intéressent et qui me l'ont demandé, voici la formation. Le lien dans la description. Vous Ce qui serait avez. sympa, je rebondis sur ce que tu disais, ce qui serait sympa un jour, c'est d'avoir des formations de niveau 2 ou 3. C'est-à-dire que pour des gens qui font déjà des voyages réguliers, et là, on aborderait, ça serait super sympa comme formation, où on n'aborderait plus Ouais. du tout la question de comment on déclenche le truc, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment on monte dans C'est les mondes ça. supérieurs? Et là, ça serait génial. Donc, ce serait bien d'avoir une population de base assez nourrie pour faire une formation pour l'université vraiment des diplômés du voyage astral. Enfin, qu'est-ce qu'on pense? Ça Ah, ce serait super. Ce serait super. serait super extraordinaire. Ouais. Alors, on aurait passé un cap. Ouais. Alors aussi le groupe de discussion. Alors je vous ai montré. Attends, je remonte d'abord ton groupe de discussion. Hein. Voilà, Explorateur du réel avec Marc Auburn. Vous pouvez le retrouver sur Facebook. C'est très très passionnant, très intéressant. Mon groupe, le groupe Facebook Voyage Astral. Donc vous pouvez retrouver aussi toutes les vidéos gratuites, hein, je le précise, hein, les différents modules sur la sortie du corps et d'autres vidéos liées à la chaîne de Gaïa Méditation Shorts. Donc les petites questions, c'est une sorte de fac, de foire aux questions où je réponds à plusieurs questions et je partage notamment les témoignages de Maria, notamment dont on a parlé tout à l'heure, et de d'autres personnes. Et pour ceux que ça intéresse et qui veulent m'envoyer leurs vidéos, n'hésitez pas. Hein. Comme on le disait avec Marc, le but, c'est de montrer vraiment que tout le monde peut vivre l'expérience. Donc, c'est important que des personnes qui débutent dans la sortie du corps puissent témoigner et qu'il n'y ait pas juste des gens comme Marc ou moi ou Mika Raduga qui en parlent à visage découvert. Donc, bien sûr, pour les personnes qui sont intéressées. Et aussi la chaîne Face Today en français. Hein, donc je m'occupe de la chaîne en français, du site en français, les réseaux où on aborde les différents thèmes autour de la phase, donc du sommeil, le rêve lucide, la paralysie du sommeil. On parle de la sortie du corps, des expériences de mort imminente, des études sur les narcoleptiques qui vivent beaucoup de paralysie du sommeil et qui du coup arrivent de se détacher de l'expérience un peu parfois traumatisante en vivant des sorties du corps. On parle aussi de, voilà, de plein de choses, de l'impact culturel sur la sortie du corps. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne YouTube Face Today en français. Et dernière petite annonce aussi, l'avant-dernière, le canal Telegram qu'on a ouvert, canal Telegram Gaïa Méditation, où on partage encore plus de contenu lié à la sortie du corps, mais aussi à l'éveil des consciences de manière générale. Donc On a voilà. aussi, on est aussi sur Telegram et on a aussi une page Discord. Oui, Et tu veux les j'ai donner? appris il n'y a pas longtemps que, oui, bah, c'est les explorateurs aussi sur Telegram. Parce qu'on s'était rendu compte au moment de la pandémie qu'il y avait beaucoup de censure. Et nous, on aimait pouvoir s'exprimer librement et de juger ce qui était vrai ou pas vrai. Bon, bref, donc c'est pour ça qu'on a ouvert Telegram. Mais bon, on gère pas ça comme on gère la page Facebook. Mais il y a des D'accord. groupes Discord qui sont constitués, qui sont intéressants aussi, ou dans lesquels les gens échangent librement, on n'intervient pas trop. Voilà, c'est D'accord. il y en a plusieurs. Bon, si les gens cherchent, ils vont trouver.
D'accord. Et le prochain rendez-vous, donc sur la chaîne Gaïa Méditation, pour ceux qui suivent les autres vidéos hein, sur d'autres termes, une méditation guidée par notre ami Ivan Skibi qui fait des soins énergétiques. Donc cette méditation guidée, nettoyage énergétique, une méditation qui sort prochainement. Alors voilà, merci encore à tout le monde. N'hésitez surtout pas hein, à partager cette vidéo autour de vous pour répondre un petit peu tout ce qui... cet échange par rapport à la sortie du corps, d'avoir différents points de vue et surtout pour montrer que finalement ce phénomène est beaucoup plus courant qu'on ne le croit, même si peut-être un plus petit pourcentage le vivent de manière très naturelle des voyageurs innés hein, depuis la naissance, mais c'est accessible à tous et surtout pour ôter toutes les idées fausses qu'on a abordées assez amplement dans cette vidéo. Ouais. Ouais. Bon ben merci, merci Romain. Ben merci à toi, encore merci. On vous retrouvera prochainement, on vous tiendra informé sur les différents groupes, ainsi on organise un autre live. C'était déjà super de t'avoir, Marc, hein, parce que moi je te suis. Moi je ne te connaissais pas il y a peu de temps, mais je trouve ça bien sympa d'échanger avec toi. Ouais. Et moi je te suis depuis les débuts, sur les premières vidéos. Voilà. Voilà. D'accord. Bah merci en tout cas encore à toi. Merci à tout le monde et désolé pour toutes les personnes à qui on n'a pas pu répondre. Vous n'avez peut-être pas devant vous toutes les questions, mais il y avait énormément de messages. Alors c'est assez difficile de rester concentré sur la conversation et de mettre tous les commentaires à l'écran. Voilà. Merci à tous de la part de Gaïa Méditation. Et un petit mot de la fin peut-être, Marc ? Eh bien, moi je dirais ce qu'on s'est dit depuis le début, faites-le. Faites-le vous-même, et puis après on se réunit et puis on parle de ça, mais d'une manière complètement différente parce qu'on sait tous ce que c'est. Donc, vraiment le slogan d'IAC, c'est ne croyez rien, expérimentez. Moi, je trouve que c'est le conseil le meilleur qu'on puisse donner aux gens, c'est faites-le vous-même. Voilà. Et après, pas de croyance, vous pratiquez, vous y arrivez, et une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et vous savez ce que c'est. C'est ça. Et puis, comme tu disais, on pourra en discuter autour d'un bon repas, en sortir du corps tous ensemble. Voilà, un grand merci. La soirée est passée à une vitesse. Bon, il y a eu énormément de commentaires. Tu pourras les lire si tu veux plus tard, mais beaucoup de merci. Bonne nuit à tout le monde, hein, parce que mine de rien, il est bientôt minuit. On a parlé très longtemps. Et bonne nuit aux autres pays, parce qu'au Québec, il ne fait pas nuit encore. Ah oui, c'est vrai. On a des, on a des Québécois qui nous ont regardé, des gens d'Afrique, des Belges. C'est la grande famille de la francophonie, à mon avis, qui ont regardé ta chaîne ce soir, un peu partout. Voilà. Merci à tous, passez une bonne nuit et comme j'ai l'habitude de dire, bon voyage astral. Bon voyage cette nuit. À tous, au revoir, merci à tous. Bon voyage, salut.